T'es tout petit, toi. T'es tout petit, regarde-moi, t'es tout fin. T'es tout petit avec une toute petite pointe. Mais t'as un gros réservoir. C'est ça qui compte. Tu sais, c'est pas la taille qui compte. Ce qui compte, c'est d'avoir un bon réservoir. Un bon réservoir avec une jolie pointe, comme toi. Oui, comme toi. Oui. Bonjour, comment allez-vous? Bonsoir. Je fais des vocalises. C'est important pour ma voix. Vous avez vu, vous me voyez plus lumineux. On dirait que j'ai un teint tout blanc. Ouais, comme ça. Là, je suis pas blanc. Là, je suis blanc. Là, je suis pas blanc. Là, je suis blanc. Tu vois. C'est un effet lumineux. Un peu comme au cinéma, avec des projecteurs, tout ça. Ça sur la webcam, voilà. Alors, comment... Et bonsoir, les copains, comment allez-vous? Comment allez-vous? Alors, qui a... Mathieu Véret, bonsoir. Arias, bonsoir. Guillaume, et voilà, on n'aura pas vu la fin de l'autre. Ben oui, je sais. Je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer, mais... Aujourd'hui, grande décision. Aujourd'hui, ce soir... Je vais vous le montrer, il faut que je trouve où il est. Je me déplace dans mon château, je reviens. Pousse-toi, connard de chinois. Allez, ben, continue à pédaler, sinon il n'y a plus de lumière. Dis donc, tatami, ouais, tatami, t'as fini les fenêtres? Hein? Bah, tu nettoies les chiottes maintenant avec la brosse à dents. Hein? Merci, tatami. Alors. J'ai tapé dans un truc très fort. D'habitude, c'est ma femme. Non, là, c'est le bureau. Bon, pas grave. Alors, on te voit surtout cramer. Mais ouais, je sais, mais c'est obligé parce que, en fait. Oh, dis donc, hé, on voit mes cheveux. Enfin, mes cheveux. Mon cheveu. Extraordinaire. C'est dingue ça, si je fais comme ça, mes cheveux. Là, si je fais ça, vous me verrez moins cramé. Mais du coup, je verrai moins aussi. Ah, mais ça décale la caméra, tout est lié. Ah, je viens de niquer la magie du spectacle. Eh oui, parce que ça, c'est lié avec la. Alors, vous avez vu, la caméra palette, elle est. C'est pas qu'elle est pas là. C'est que ça ne sert à rien pour le moment, puisque je vais peindre à l'aéro. Oui. Réfléchissez un peu à ce que je vous dis. Donc, j'ai fait ça. C'est une figurine de pour niveau jeu, hein, pour un client, n'est-ce pas? Donc j'ai fini celui-là de mon côté. Hein. Bon, on avait fait le plus gros, hein, c'était la peau bleue le plus gros. Hein. Voilà, donc ça c'est fait. J'ai pas peint énormément, hein, j'ai pas peint autant que ce que je voulais, c'est sûr. Et maintenant, on va faire ça. Alors, donc je reprends les bonsoirs. Matt SL, bonsoir ADC Model, ça allait, on boit un coup, une piqûre, suppos et au lit. Il a l'air fatigué. Non, pas du tout. Okay, je change de vin. Bon, des cernes, j'ai toujours des cernes, moi, mais non, ça va, je suis bien là. Je suis remis de mon Covid. Je tousse encore un peu, mais. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, ton nez n'est plus bouché. Le zoz est en forme. Tout à fait. Tu vas, tu l'as mieux que. Comprends pas. Grinderie, oui. Ah, Joanne Museau, voilà la référence. Tout à fait, Grinderie. Grand moment. Bonsoir, tatami, bonsoir. Là, t'as des cheveux, toi? Oui, j'ai des cheveux, Mathieu. T'as de la chance, madame. Dame Tipeee, elle n'est pas encore là. Mais dès que Dame Tipeee, elle arrive, elle va faire du nettoyage. Hein. Tous ceux qui balancent des insanités. Parce qu'on a laissé les insanités se répandre. Hein. On a laissé les gens dire tout et n'importe quoi. Insulter, calomnier. Roué de coups par le verbe. Et la violence, elle est encore plus terrible avec les mots. Mais ça s'arrête. C'est fini maintenant. Stop! J'allais, stop! Voilà, mettez les masques. Oui, oh, bah, ça va. Ça passe pas, hein. Ça passe pas normalement par le canal historique. Ça passe pas. Bonsoir Ludic Family, bonsoir Thierry Var, bonsoir Graphic Rex. Graphic Rex, ça ne me dit rien, peut-être un nouveau. Bienvenue sur cette chaîne de peinture sur laquelle nous allons, n'est-ce pas, dans
la gentlemanité, la classe, n'est-ce pas, et le souci de la pédagogie, peindre cette figurine. Hein. Voilà, sur le chat, qui a juste à ta droite, tu verras que nous allons échanger entre nous sur des techniques de peinture, nous alerter sur des petits couacs techniques, des petites difficultés que nous pourrons rencontrer pour ensemble les surmonter afin de graver... Non, on va faire les cons, hein, je suis obligé de te le dire, on va faire les cons, ça va parler de peinture. Allez, les 20 premières minutes et après, pas en couille. Bon, écoute, tu verras bien. Donc, j'ai fini une bouteille de Jack en 2 heures. Voilà, bien, voilà, tu vois, ça, c'est des gens bien. C'est des gens fréquentables. Hein, voilà. Amy, salut. Et puis, Anguéror et Ludique Family. Enfin, voilà. Bonsoir, tout le monde. Merci d'être là, les copains. Merci de me supporter. Happy José Star. Oh, José Star, c'est rigolo, ça, comme pseudo, dis donc. Obi Maquette aussi, bonsoir. Et puis, bien sûr, bonsoir à tous mes tipeurs hein, qui se reconnaîtront. Leur nom défile dans le bandeau. Tipeurs grâce à qui ben, on peut faire cette chaîne en toute sérénité. Consacrer le temps qu'il faut, penser à développer. Acheter une caméra palette aussi, c'est grâce à vous, une caméra palette, regardez. Hop, j'ouvre, je la ferme. C'est un canal que je fais parce qu'elle n'est pas activée. Mais elle est là. Alors, j'ai pas résolu le problème de pourquoi des fois elle s'éteint. Je n'ai pas pu m'y consacrer. Je n'ai pas eu le temps. Hein. J'ai travaillé. J'ai travaillé. Et voilà. Mais si les Tipeee continuent à se développer, à un moment donné, je vais faire que de la peinture, les gars. Et là, si je fais que de la peinture. C'est fini, ça. Caméra palette. Mais il y en aura 3 de caméra palette. Même 4, tous les angles. Hein. Je pense même mettre une caméra. Au bout de mon bout, là, pour qu'en direct live, vous voyez où se pose le pinceau. Ah, on peut aller très loin dans le délire. Très, très loin. Voilà. Salut Guillaume. Guillaume, très sympa, Guillaume. Grand peintre qui a une chaîne de peinture, un service de peinture aussi. Là, vous entendez ma petite qui tousse. Corona, stade 4. Il reste 4-5 jours à peu près. 4-5 jours, il reste, ils ont dit. Corona, stade 4. Elle est pas courant. Ça, mon cœur. Ça va ? On va pas rester longtemps parce qu'elle tousse beaucoup. Eh oui, tu tousses beaucoup, ma putoune. Tu veux dire bonsoir au chat ? Au chat ? Dis bonsoir au chat. Regarde. Là, peut-être qu'on verra un peu ta tête. Non, un peu comme ça, ta tête. Oh, que t'es belle ! Oh, t'as vu ? Tu vois la grosse tête à côté, là ? C'est la tête à papa. T'as ? Bon, fais ce qu'il peut. Et là, c'est ta tête à toi. T'es belle, hein ? Ah, bah tu vois, Pépé, tu me demandais, Joan Musso, il est déjà là. Eh oui, il est toujours là, Joan Musso. Parce que Roman, elle commence à croire qu'il dort dans la douche. Elle commence à avoir des soupçons, Roman aussi. Oui, ma fille commence à avoir des soupçons. Oui. Elle me disait, mais pourquoi. Est-ce que Joan Musso, il est là quand t'es pas encore arrivé? Bah oui, il est là, beau papa. Joan Musso, pardon. Bisous, ma pétounette. Je reprends le cadre, s'il te plaît. C'est quand même moi la star du programme. Merci. Hein, à un moment donné. Bonsoir, petite princesse. Hop! Alors, les gars, eh ben, on va peindre. On n'est pas là pour déconner. On n'est pas là que pour déconner. Donc, pendant que vous dites bonsoir, enfin, toutes ces mondanités bonsoir, qui ne servent à rien, je vais mettre mon gant. Comment ça? Ils me disent bonjour, ça ne sert pas à rien. Oui, bon, c'est comme. Tu sais, au siècle des Lumières, mon cœur, je sais même pas si on disait bonsoir au domestique. Donc, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui ça changerait. Oui, c'est de la politesse. Toi, il y a Re-Wessi qui dit maintenant qu'il y a une caméra palette, il fait de l'aéro, il se fout de nous. Mais au début, les gars, elle est bonne cette blague, c'est vrai. Bah oui, parce que, alors pourquoi on va faire de l'aéro, les copains? On va faire de l'aéro parce qu'il y a une grosse partie de verre sur cette figurine, là. Vous voyez? Après, si vous voulez, on fait pas de l'aéro, si vous voulez. Vous voulez pas faire de l'aéro? Dites-moi, dans le chat, moi je suis prêt, moi je fais ce que vous voulez, vous savez, c'est une commande, je m'en fous, c'est pas pour moi. Bon, voilà, je peux la bâcler. Hein. Bon. C'est pas, non. Ah, toi, quand j'avance. Non, on va faire un petit coup d'aéro. J'ai tout branché, les gars, on va faire un petit coup d'aéro. Pourquoi voilà. C'est ce Roman, il te dit ABC modèles. C'est lui que t'as pioché l'autre jour pour le jeu. Oui, bah c'est normal, il y avait lui dans le chapeau. Du coup, il la respecte, tu parles, il est... Bah oui. Hein. C'est grâce à la main innocente. Bon. Bonsoir Mathieu. Pour ceux qui connaissent ce bonhomme, il a une grosse partie de verre. Donc on va faire de la peau verte. Étape. Bonsoir Ludic. Sous-couche noire,
éclairage zénital blanc. On devrait dire plutôt éclairage général blanc. Pourquoi un éclairage général blanc, n'est-ce pas? Ou gris, enfin en tout cas clair. Parce que ça va permettre à ma couleur de beaucoup plus péter rapidement. Alors que si je pars sur une base noire avec de l'aéro, comme c'est des filtres très légers, ça va mettre assez longtemps à monter en couleur. Donc je veux gagner un peu, donc je me prépare, si vous voulez, une sous-couche un peu claire pour que le vert ressorte déjà très rapidement. Vous allez voir que je vais avec l'aéro, je vais faire l'aéro tant que faire se peut. Après, j'ai pas un aéro avec une buse de malade hyper précise. Et à un moment donné, bah, on va lâcher l'aéro et puis on va attaquer le pinceau. Hein. On va être obligé. Alors, je suis aussi d'accord avec Anne qui dit, vu de haut, elle a un truc bizarre entre les jambes, ta figurine. Vu de loin, ça me fait cet effet aussi. Mais non, c'est un pagne. Bah, non, mais... Là, c'est des têtes de gens qu'elle a décapitées. Regarde. Ah, bah, voilà. Et regarde, bah, les Romane. Têtes de loin, c'est louche. Les têtes de loin, c'est louche. Ouais. Ah, oui, on dirait, ouais. On dirait un peu des... Donc, je suis d'accord avec lui. Ah bah coucou, oui, c'est peut-être fait exprès. Hein. Mika du 24, il dit technique, Maronas, Glavi, point of light et Zou, c'est fait. Mais oui, c'est ça, Maronas, Glavi, point of light et Zou, c'est fait. Alors regardez, là j'ai mon petit godet. Dans mon petit godet, j'ai là un petit truc que je vous conseille de faire. Là, c'est les trucs que les gens ils utilisent pour se mettre ça dans... Et pour... Oh, ça propulse de l'eau. Voilà, une petite... Comment ça s'appelle ça, mon cœur? Bah, un lavement. Oui, bon, voilà. Donc, vous utilisez des trucs pour faire des lavements. Dedans, vous mettez un peu d'eau. Ça vous permet de doser un petit peu l'eau quand vous voulez mettre de l'eau dans votre godet. Vous voyez, une goutte, deux gouttes, trois gouttes, même sur votre palette, hein, évidemment. C'est intéressant. Moi, j'utilise aussi un autre produit qui est là, qui s'appelle de l'Air Flower Improver. D'accord ? C'est en gros un médium qui va permettre de fluidifier mon mélange de peinture pour éviter de trop grassouiller mon aéro. Et puis on est équipé, on est bon, on y va, hein, un petit peu d'eau là, un peu de sopalin. Ah, il nous manquait du sopalin. On a toujours du sopalin près de l'ordinateur, hein, bande de petits coquins. Oh. Oui, tu rivas, Madame Tipeee a l'esprit mal placé. Ah, bah si elle avait ça. Que ça de mal placé. Dis donc. Ça serait pas mal déjà. Alors. Ah, Cambo, il dit tant que faire se peut, ça c'est fait, elle est placée, maintenant des conneries et des insanités. T'as tout à fait raison, Cambo, je suis carrément d'accord. Ouais, bah, il okay. adore cette expression. Bah, je trouve que c'est tant autant que faire se peut. Ouais. Ouais. Et à la fin, en cours de live, je vais vous raconter un truc de fou sur les statistiques. Ah, je savais qu'il allait le. Ah non, mais c'est un truc de dingue. J'ai découvert un truc avec Monsieur Étienne Klein. Vous savez, c'est mon héros du moment, là. Ça fait deux semaines... Oui, ça fait deux semaines que je suis amoureux d'Étienne Klein. Ouais. Je trouve que c'est un mec brillant. Bonsoir, Mika du 24. Bon, là, je mets du vert. Alors, Mathieu Véry, il dit... Modèle vert normal, ok. Ok, veut du vert, quoi. Hein. Alors, pour ceux qui veulent en tout cas, la chance, on tape le cul. Du vert, tu mets du vert, c'est pas compliqué. C'est du vert saturé, voilà, un vert, quoi. Après, tu fais comme tu veux. On s'en fout. Ce qui compte, c'est pas le flacon. C'est ivresse. Ah, d'accord. Mathieu Véry, il dit l'aéro, j'en ai pas, je préférais des trucs que j'ai. Je trouve ça très bon comme réplique. Des trucs qui. Ben, on va pas en faire longtemps, l'aéro. Et puis, c'est aussi pour vous sensibiliser. Hein. Bah oui, Mathieu, note. Ouais. Vous savez, c'est pas si cher que ça, un aéro. Hein. Ah, Mathieu, il dit on va encore se taper 3 heures de sèche-cheveux. Mais non. C'est original. Mais non, parce qu'avec l'aéro, ça sèche plus vite. Contrairement à ce que vous pensez. Parce que l'aéro, c'est des filtres légers. Donc, quand on ne charge pas la figurine, ça sèche assez vite. Parce que c'est un voile, n'est-ce pas? Voilà. Au cambo, il est en forme. Donc, je rajoute un peu d'eau. Parce qu'il faut maîtriser sa dilution à l'aéro. C'est-à-dire, il faut que j'ai quand même une dilution assez correcte. D'accord? Pour pas encombrer l'aéro. Pour projeter de la bonne gouttelette. Donc, il faut ni trop peu, ni pas assez. En général, une bonne dilution, c'est plutôt... voilà, comme ça... Quand c'est un peu laiteux, on dit. Voilà. Après, ça dépend. Hein. Donc, tu me laisses parler? Ouais, je te... Non, parce que toi, tu crois que c'est intéressant ce que tu dis, mais bon. Cambo, il dit perso, j'ai une bassine sous le bureau pour dégorger. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, monsieur Cambo. Il y a des enfants, je te rappelle. Hein? Non, un enfant. Il y a un enfant. Oui, parce que moi, j'en suis pas. Hein. Je te signale. Ah, Lionel, d'accord. Toujours peindre d'abord sur ton support avant d'attaquer sur la figurine, d'accord? Hop, ça y est, on est parti. Ça monte. Support vérifier la dilution, hein, vous voyez? Oh, c'est pas mal, ça me va, c'est bon. Ouais, bon. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, plaît-il? Le Duke Family, il
dit, c'est le seul moment où il utilise les sèche-cheveux. De quoi? Bah le moment où tu peins, sinon t'en as pas besoin. Si, je peux utiliser les sèche-cheveux. Sèche-cheveux? Les sèche-cheveux, non c'est vrai, j'ai jamais utilisé. Ça a quand même repoussé déjà. Hein. Qu'est-ce qui a repoussé? Bah tes cheveux. La bite. Bah, hein? De quoi? Mes cheveux, bah oui. Bah, c'est normal que ça repousse. C'est parce que j'ai un terrain fertile. C'est pour ça que ça pousse. Mon kiki. Oh, elle connaît le mot, hein. J'ai déjà entendu, hein. Non, tu crois qu'elle a pas entendu ce mot? Kiki. Voilà, on dit kiki. Bah, kiki, elle connaît, puisque pour elle, c'est une zézette pour les filles. Voilà, une zézette pour les garçons. Ah bah vas-y, touche-moi dessus avec ton corona, toi. Tu leur as dit qu'on était testé? Ah oui, on s'est fait tester. Parce que comme la petite toussait, alors on a fait le prélèvement nasal. Non, comment ça? Oui, ben le PCR, zo. Ils nous ont mis un truc dans le nez. Voilà. Et c'était pas du tout agréable. Non. Bah moi, je l'ai bien supporté. Hein. Je m'attendais oui, à un truc... Kiffé, on a gros. Non, je sais pas... Benjamin Cortès, il dit coucou, ça va bien, Zoz, et coucou madame et la petite. Bonsoir Benjamin. Bonsoir Benjamin, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu, dis donc Benjamin. Ah oh bon? Il va être... la semaine dernière. Je crois pas. Qui va être papa Benjamin. C'est lui qui nous a annoncé. C'est lui qui va être deuxièmement papa? Bah oui. Je me rappelle plus. Si, si. Oh, faut vraiment que je me fasse le petit carnet, je mélange. Je tout. Crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas, monsieur Cortès. Fertile à la connerie, ouais. Adeptus Barbouillus, t'as raison. Voilà, donc là, vous avez vu, je mets des petits coups de verre. Hein, j'essaie de choper la chair, tant qu'on peut. Hein. Dis donc, il m'attaque, Thierry, ou je rêve? Qu'est-ce qu'il a dit, Thierry? Qu'est-ce ouais, qu'il fout, la naturopathe, pour soigner sa fille? Alors déjà, sache que naturopathe prend un H, merci bien, bim. Et ça boum. Et bim. C'est pour et bim, Thierry. Bon, et qu'est-ce qu'elle fout? Eh ben, elle soigne. Bah oui. Mais ça traînouille un peu, la toux. Comment vous croyez-vous que je me remets d'un Corona Stade 4 en si peu de temps? T'as vu la nature, Thierry? Mmh, regarde bah. Comme il est bien. Voilà. Je te rappelle quand même que la semaine dernière, il était à l'article de la mort. Ah oui. Moi, la chloroquine, c'est un Playmobil dans un lavabo, moi. Je suis en fois même, j'ai une naturopathe à la maison, moi. Alors, Malou dit, Zoz, je tiens à te dire que tu es l'idole de mon mari. Ah bon? Ouais. Mais je suis hétéro. C'est quoi ce délire? Mais il faut que tu nous racontes, que tu nous dises plus, Malou. Ah, parce qu'il doit aimer les conneries. Jeune monsieur, il dit oui, ça a repoussé pour tes cheveux. Ça se voit car sa calvitie est d'autant plus visible. Mon cœur. Allez, la méchanceté, t'as vu? T'as vu, c'est le spécialiste. Lui, il démarre toujours avec un truc un peu gentil pour t'amadouer, tu vois, comme le chasseur, tu vois. Il démarre avec un truc gentil, tu te dis, oh, il est gentil, ce sympa. Il est gentil, ce mec. Et d'un seul coup, paf! Il ouais. tape. Ouais. On a un cours avec Joanne Musso dans pas longtemps. On va faire un cours. Ah oui, il y a un cours là. On va pas rigoler. Là, on attaque du lourd. Là, on fait du cours sur de la grosse figurine pour traitement des valeurs, n'est-ce pas? Pose des valeurs. Parce que là, on commence à attaquer la lisibilité. Là, c'est pièce de concours. Là. Des cheveux, quand on commence à penser... il a des cheveux. Bah oui, mais comme ton père. Comme ton père. Bah, quoi, bah, il le voit pas, mais si. Cours. J'ai une nuque longue derrière. Les gens ne voient pas. Cambo, il dit Roman 4 ans après le vocabulaire avec le vocabulaire. Non, j'ai 4 ans et demi, pas 4 ans. Oui, c'est oui, vrai. Cambo, elle a 4 ans et demi. Oh, dis donc. Hein. Pas alors, lui, elle déraille. Kiki, c'est le Kiki de tous les Kiki ou deux os, ça dépend. Kiki, j'ai moi. Alors là, maintenant, ça suffit. Bah ouais. Tu verrais aussi, dit que c'est le Kiki de tous les Kiki, d'accord, ils ouais, j'ai mis un peu de verre partout, on est pas mal. Là, on s'en manque un peu, pas souvent. Et Cambo, il dit ça promet plus tard pour le second degré la répartie. Je te dis pas la répartie qu'elle a déjà, Cambo. Allez, tous nous dessus, allez. Eh ben voilà. Eh oh. Hein? Petit coréen. T'es mon petit coréen, toi. Mika du 24 dit du madame Tipeee, il a vu qu'il part en sucette et maintenant elle est moi. Je crois qu'elle s'est mis en moquette. Bientôt, offrez-moi une canne et un chien et c'est bon. Et voilà, la petite dose de verre, elle est faite là. Vous avez vu? 8 œufs. Bon, le reste, on et fera après. Attends, Lionel, c'est vrai? Quoi? Il dit qu'ils ont arrêté les PCR en nasal, ils sont passés au rectal. Non, comme en Chine? Non, c'est vrai. Non, arrête. Et on s'est fait PCR au bon moment, mon cœur. Parce que moi, il est pas né, le mec qui mettra un PCR dans le fion, je te le dis, moi. Pardon. Alors, Thierry, oui, c'est souvent ce qu'on dit, nature opate. Alors, Zoran et
Et Roman disent que c'est ça, naturopathe, c'est celle qui aime les pâtes nature. On a une grosse imagination, nous, hein, ouais. Vous voyez. Bon, bah voilà, le verre, il est pas mal. Lionel, il dit, il y a beaucoup moins de monde qui se pointe, c'est bizarre. Ah ouais, ça, tu mets pas, ouais, tu m'étonnes. Ça, je veux bien te croire, mec. Hein. On va faire maintenant un petit peu de verre clair. D'accord, on va monter en lumière notre peau, n'est-ce pas? Donc là, j'étais avec un verre classique. Et je vais prendre du verre scorpion, verre scorpion green. Alors, à la différence de quand on fait un traitement au pinceau, les copains, quand vous montez en couleur avec l'aéro, il faut être un peu plus brut sur la différence de couleur entre votre couleur précédente et la nouvelle couleur que vous appliquez, que ce soit en ombrage ou en éclaircissement. Pourquoi? Parce que s'agissant d'un voile, c'est une couleur qui va être très transparente. Donc, comme c'est très transparent, vous allez faire des mélanges très longs et de nombreux passages d'aéro si vous n'éclairez que peu votre couleur de base à l'aéro, personnellement. Donc je pense que quand on travaille au global, il ne faut pas hésiter à monter vraiment d'un cran assez significativement la couleur. Donc passer d'un vert comme celui-ci à un vert clair, sans forcément passer par un mélange intermédiaire, ce que je ferai peut-être au pinceau. Alors vous pouvez reprendre les conneries, les gars. Mathieu c'est bon. Verré dit, et il est ressuscité, puisque on disait que tu étais à l'article de la mort. Zeus, c'est le Christ, en fait. Alléluia. Ouais, non, mais j'étais pas. J'étais vrai que j'étais malade. Ouais, t'étais malade. Ah, Benjamin, il dit exact, monsieur Zoz. Et mon deuxième enfant, d'après la sage-femme, il est parti pour faire comme ma fille à la naissance. C'est-à-dire, je me rappelle pas de ce c'est quoi alors dit. Je me rappelle pas. Sortir par l'oreille. Unique au monde. Attendez la variante russe, dit Critch. De toute façon, on a une variante. T'as l'impression que tous les jours, il y a une variante. Variante estonienne, variante bolivienne, variante. Alors Malou, elle dit que son mari, il est aussi hétéro, mais mince, j'ai raté, je vois plus la phrase. Il y a plein qui est parti. Mince, Malou, remets ta phrase. Et oh. Hein? Oui. Il y a plein d'eau qui est parti, c'est ce que tu viens d'utiliser là. Ah ouais? J'ai propulsé plein d'eau partout? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Il y en a là qui est parti, on l'a là. Ouais, bah, Jean-Musso, il dit j'ai mis mes strings à laver pour le cours de mercredi. Eh oui. Là, on va essayer de faire du... On va attaquer du beau level. Là, Joanne Musso, il a une figurine de Heatherfield, gros modèle à peindre. Et comme il veut essayer de faire un travail réfléchi, c'est-à-dire avec un vrai sens de lecture sur la figurine, un vrai travail sur l'ombre et la lumière, parce que je continue à le dire, et vous verrez que beaucoup de peintres pros vous le diront, pas que les pros, hein, les gens qui peignent souvent, ce qui compte plus que la qualité d'un dégradé, c'est le traitement de la lumière, les valeurs, la lumière. Quand vous maîtrisez ça... c'est là où vous faites des commencez à avoir des figurines qui taquinent un petit peu, d'accord? Enfin, qui taquinent, où on commence à, voilà. Sans passer par réflexion sur traitement et lumière, vous vous privez vraiment d'un outil fondamental pour commencer à faire des figurines qui claquent en haut niveau. Quand on commence à viser l'expo, la vitrine et tout ça, les concours, c'est à mon avis indispensable. Évidemment. Alors, Adepus, il dit que la naturopathie, ça fait aussi perdre des neurones. Zeus a pas l'air de s'être arrangé depuis. Ça va très bien. Cambo dit tout sur les filles. Papa, il les enverra dans d'autres régions. Tu sais que j'ai pensé ce matin, Cambo. Je me suis dit, purée, il faut que je lui dise que s'il a une commande prochaine, qu'il attende avant de l'envoyer. Ah oui, sinon je vais envoyer le corona. Bah, c'est pas trop. Hein. Alors, vous voyez, du pot. Même s'il est pas très précis, on peut être très précis avec un aéro. Hein, regardez. Alors Guillaume, il faut afficher son message, il dit pour vomir, il faut se mettre un doigt dans la bouche, puis dans l'anus, si ça marche pas, faites l'inverse. Oh là là, bravo. Oh mais Guillaume, depuis la semaine dernière, il a un level aussi. Je commence toujours par du zénital, comme ça je suis sûr de ne pas me planter. Pourquoi? Parce que, évidemment, que la partie zénitale, c'est la couleur qui sera, la partie de ma figurine qui sera très claire. Donc si j'ai tapé trop clair, bah c'est pas grave, c'est du zénital. Alors vous voyez? La différence, elle est pas... J'ai un saut de couleur qui est assez vif hein, dans mon godet. Et pour autant, quand ça se dépose, vous voyez très bien que j'ai pas du tout la même intensité. Gobelet. Non, on dit godet. Madame, je sais tout. Et pim. Mais c'est juste aussi gobelet, mon chat. Donc, dans mon godet, j'ai un vert très clair. Et quand je pose ce vert très clair sur ma figurine, mais comme c'est un voile transparent, c'est le vert sombre par en dessous qui domine
Parce que la couleur sombre a toujours un pouvoir un pouvoir plus fort. Et donc, recouvrir une couleur claire, enfin, recouvrir une couleur sombre avec une couleur claire va demander beaucoup plus de passage que de recouvrir une couleur claire avec une couleur sombre. Donc, c'est pour ça que sur l'éclaircissement, je peux me permettre de monter très fort. Ça vaut pour le pinceau et pour l'aéro, ce que je vous dis. Hein. Les couleurs claires ont un pouvoir couvrant moins important. Ce qui veut dire que, même si j'ai du vert très clair dans mon godet, sur ma figurine une fois posée, j'ai juste un vert un peu plus clair. Ah, mais compris hein. En Mickey du 24, il dit « J'adore quand tu fais les explications en mode professeur, j'arrête tout et j'écoute. » Eh ben, c'est gentil parce que moi... C'est gentil, t'es le seul. T'es le seul. Voilà, tu vois. Voilà. Oui, c'est une chaîne de peinture quand même à la base. Hein. Donc, là, sur le bidou, vous voyez, l'idée, c'est quoi? C'est d'essayer de taper un... C'est pas un bon angle, hein, pour que vous puissiez bien voir. L'idéal, ce serait que je filme comme ça. Mais bon, je vais essayer de mettre comme ça, peut-être. Plus. Benjamin, il dit que c'est sa fille qui a choisi le bidou de son deuxième. Ça sera un petit renard. Oh, c'est mignon, ça. Le visage. Alors, sur le visage, on va pas hésiter à monter assez fort en éclairci. Parce que c'est le point focal de la figurine. Donc, notamment sur le front, on va pas hésiter à mettre plusieurs filtres. Là, sur le haut des cuisses, hop, juste un peu d'éclaircie, mais pas autant que sur le reste. D'accord. Thierry dit, tu as vu que tu as 60 viewers et 25 likes. Oh, dis donc, bah, c'est bien. Oh, bah, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal, mais 25 likes, dis donc. Ah, c'est pas assez. Ah oui, mettez des likes. Oh, bande d'enfoirés. Dis donc. Hein, levez-vous les doigts du cul, mettez des likes. Hein. Sinon, je sous-couche la petite. Viens là. Non. En parlant de doigts du cul, il y a je sais plus qui disait que t'avais des gants de proctologue. Ah bah oui, c'est ce qu'il faut. Hein. C'est pour éviter de m'en mettre plein les doigts. Alors vous avez vu, sur les pieds, comme j'ai les jambes qui sont un peu arquées et qui partent vers l'arrière de la figurine, je vais essentiellement poser mon vert clair sur le coup de pied. D'accord? Le coup de pied du pied. Vous avez compris? Le coup de pied du pied. C'est très sensé ce que je dis, Roman. Le coup de pied du pied, de manière à... parce que là, le pied va, bien sûr, ressurgir parallèle à la lumière, quasiment. Hein. Donc, c'est normal qu'il reprenne la lumière. Pour autant, je ne vais pas trop insister. Pourquoi? Parce que je veux quand même attirer l'attention sur le visage. Donc, il ne s'agit pas d'éclairer à coup de gros vert clair en bas, comme ça l'est sur le visage. Même si la pose de lumière logique pourrait indiquer que je peux me lâcher sur mon vert clair, là, hein, sur le bas. Mais quand même, je vais rester mesuré. J'arrive pas à suivre mon corps. Tu parles beaucoup cette fois-ci, c'est très bien, mais tout le monde parle beaucoup. Voilà. Et dans le dos, vous voyez, c'est pas mal. Le haut des épaules, essentiellement. Un peu le haut des mollets. Hein, pour... Voilà, tranquille ou bilou. Voilà, un peu le talon. Pouf, pouf. Un peu le haut là. Hop, un peu le talon. Et voilà. On va pas aller beaucoup plus loin, vous voyez. Ah oui, alors ils sont plusieurs à dire qu'il y a un problème avec le chat, je suis assez d'accord. Moi, je parle que toi, Malou, elle dit que mon chat s'arrête et d'un seul coup, il y a 15 messages. Pareil, moi, c'est bloqué. Ah bon, bon, je suis en retard, donc ça me gêne pas. Et d'un coup, il y en a 15 qui s'affichent. Ah bon? Ouais. Bon, je vais regarder ça, mais je vois pas ce que je peux faire. Il y en a beaucoup. Kritchek aussi, Joanne Musso aussi. Ah bon? Ouais. Ben, je sais pas ce qu'on peut faire, les copains, là. Ah, il y a Lionel Boula qui dit « Je suis en train de coucher mes deux petits, Alexis et Anaë, ils font coucou à la vôtre de Pétoulette. » Là, le chat, je leur montre. Tu leur fais coucou, aux petits deux, Lionel ? Coucou ! Coucou ! Je vois pas comment je peux faire autrement, les copains, là. Ouais, Alison là, aussi. Elle dit « Ou 15 messages d'un coup, ouais. » On va voir si je tape un message, là. Si je tape « Q, Q. » Alors, si ça apparaît bien, là. QQ, ça apparaît directement, là, tu vois. Dans le chat. Ça bug, moi aussi. Ah bon? Ouais, ils sont nombreux, je regarde. Et... Tant la connexion est bonne, hein. Ouais, Roman, elle est pas au lit, mais tu verrais. Bah, en fait, Roman, du coup, elle va pas à l'école en attendant qu'on ait les résultats de nos tests à nous. Donc, voilà, mais elle va pas tarder à aller au dodo. On devait y aller comme on a fini de manger tard et que papa est parti directement pour le chat, pour le live, elle a dit qu'elle voulait le voir. Et puis quand papa il stream, elle aime bien regarder un peu le début. Bon. Donc le jeudi, on est un peu plus souple. Mais bon. Là, je vais essayer de choper... Comment ça s'appelle la petite pointe de l'os sur le côté du pied, là? Là, là, ça. La cheville. La cheville, ouais. Bon. Alors là, je vais très doucement, je vais essayer de choper ça, là. Ouais. Pouf, ça y est, je l'ai eu.
Oh, c'est dur. Faut bien viser là. Le top du top, ce serait un aéro avec une visée laser. Pour choper vraiment l'endroit où tu... Voilà, là j'ai chopé vraiment le talon. Ah bah ça continue, hein, les messages d'un coup qui arrivent. Ah ouais ? Ouais. La figurine n'est pas appuyée, elle a juste le même bidou que toi, et moi on la connaît l'excuse. Que toi et moi, on la connaît l'excuse Adeptus. Bah non, alors j'ai pas de bide moi du tout. D'abord. Johan, Emilie, on va coucher Roman. Dis donc. Oh dis donc. Tu te calmes hein. Christophe Hardy, un nouveau père. Coucou Christophe. Bonjour Christophe. Ah, ça me parle Christophe Hardy. Vous m'avez dit de dire Hardy. Mais vous m'avez dit de dire Hardy. Mais j'avais pas. 37 MFS, je ne connais pas non plus. Il y a des gens bizarres. Hein. Est-ce qu'on a vérifié à l'entrée, mon cœur? Il me semble qu'à l'entrée, on a un peu laissé rentrer n'importe qui là. Ah, bah allez, il répond à ta question. Ah, c'est ça que j'ai pas. Bam, affiché. Il doit y avoir un message avec un mot de genre cul et tout ça dedans. C'est obligé. Je monte encore. Je vais encore plus clair. Hein, j'ai encore plus clair. Ah, je vais rajouter pour ça l'ivoire. Alors pourquoi je rajoute de l'ivoire? Parce que si je rajoute du jaune, c'est un peu trop pétant. Et je trouve que ça va virer à l'orque fluo. Un peu style games des années 90, vous voyez. Et c'est pas que c'est pas joli, mais c'est pas ce que je veux pour cette figurine. Donc, je vais plutôt rajouter de l'ivoire parce que c'est pas du blanc, l'ivoire. Donc, comme ce n'est pas du blanc, ça va pas complètement éteindre ma couleur, d'accord? Parce que le blanc n'étant pas une couleur, comme le noir, vous le savez. Vous savez. Oui, Roman, elle sait. Elle le sait, Roman. Même Roman le sait. Donc, voilà. Oui, je parle. Je tout qui est bien dans la maison. Voilà. Guillaume, il dit la moitié du chat, t'as pas compris la blagardie ici. Donc, ah oui, c'est vrai, s'il y a des jeunes, ils comprennent pas, mais il y a beaucoup de vieux hein, sur mon live. Hein. Moi, c'est ouais, essentiellement, c'est essentiellement un peu l'hospice. Hein. C'est un peu Ouais, je me sens mal d'ailleurs. Et t'es pas toute jeune. Hein. Dis donc. T'es toute jeune. Je suis jeune. Oui, je suis jeune. Ça, c'est le foie, mon cœur. Ça, c'est le foie, c'est parce que ta mère picole. Mais tu laisses ma mère tranquille. Non, mais toi, tu picoles. Ah! Oui, je croyais ma mère à moi. Oh, bah c'est de mère en fille, j'imagine. Il y a François Pichy qui dit après le cinquième confinement, on aura tous le même bide que la figurine. Bah, moi, depuis, au premier, c'est vrai qu'on a abusé un peu sur les apéros. On peut y aller. Mais on s'est calmé depuis. Hein. Ouais. Oh là là, tout trouble. Non, ça va. Alors là, je vais faire des petites touches beaucoup plus réduites. Donc, toujours pareil, j'attaque avec le visage de la figurine. Après, on va basculer la caméra autrement que vous puissiez voir quand j'attaque au pinceau, hein, bien évidemment, les copains. Hein. Voilà. Omega figurine, je ne veux pas valider, je ne veux pas afficher ton message. Il en est hors de question, on va repartir sur une mauvaise pente. Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il dit de glace? Hop, là, je chope, vous voyez, un peu moins de points. Les épaules, d'accord? Un peu les mimines, là, pof, pof, un peu là. Hop, voilà. Là, on est pas mal. Un peu le bidou, là. Voilà. Bonsoir, Frédéric Fomentin. On est pas mal. Un peu les pecs. Voilà. Ah, bonsoir, Mickey Maker. Mickey Maker, c'est bon, joli, ça. Bon, alors, comment? Oui, il y a le bon cœur. Ah, Manu, elle dit, Romain et moi, on n'est pas vieux, 26 et 31. Bah oui, vous êtes même plutôt jeunes, les gars. Voilà, là, c'est bon. Là, je pense qu'on est pas mal. On va pas. Voilà, on a assez de montée en lumière vert clair. D'accord. Donc là, on va arrêter là. Par contre, maintenant, on va apporter un peu d'ombrage sur le dessous. Adeptus, il dit j'ai compris la blague, mais j'ai paumé mon déambulateur. Oh, dis donc, alors, Alison, Dame Tipeee, on n'a pas encore envoyé le colis, mais comment dire, c'est long à faire ce qu'on prépare, mais ça devrait pas tarder à être bon. On oh là là, tu. Et ça, je ça me demande ce qu'on va recevoir. Ah ouais. Ça se trouve, ce sera piégé. Attention. Ouais. Tu sais, ils sont capables. Ah, hein. Oh, ça me donne hâte de découvrir ça, dis donc. Ah bah oui, elle m'en a parlé encore, là. Tu aiguises ma curiosité. Ah oui, t'aiguises ma curiosité. Alors Benjamin Cortès, il dit qu'il a envoyé la photo du doudou pour montrer à madame et la petite. Ah ben on va regarder ça. On regardera ça. Eh, j'ombre avec du bleu foncé. Je suis en dingue. Bleu foncé ou rouge? Ou du comme ça, là. Ça peut être sympa aussi un peu de rouge par en dessous, là. Hein? Complémentaire bleu du vert. Foncé, moi aussi. Tu dis bleu foncé, toi? Bleu foncé ou rouge foncé? Faut savoir, Roman. Bleu foncé. Bleu foncé, allez. Et sans chuchu, c'est mieux. Bleu foncé. Je sais pas si ça va coller. Hein. Heureusement que c'est pas ma figurine.
Graphic Rex, il dit je n'ai qu'une chose à dire, Stéphanie de Monaco. Stéphanie de Monaco. Il a dit un truc que je voulais dire, et puis en fait, je crois que les messages ont passé vite et j'ai pas. Qu'est-ce qu'il a dit qui t'a dit que tu voulais dire? Je sais pas. Je me suis dit oui, c'est vrai. Ah oui, il a dit il manque. Ils nous ont pas encore fait. Petit poney. Mais il est pas là. Mais c'est pas grave, ça va l'attirer. Ah non, je ne chante pas petit poney s'il est pas là. Si, ça peut la. Attends, il y a des messages à afficher là encore, faut me dire ça quand il y a des insanités. Mais j'en suis pas là, je n'arrive pas, il y en a trop d'un coup. J'affiche. J'en suis à Thierry là. J'ai affiché, je suis regardé les copains. Qu'est-ce qu'elle a la naturopathe contre les vieux? Je suis sûre que c'est madame Tipi qui a bloqué mon ordinateur. Dans la forêt, petit poney. C'est bien mon gars. Bien. Oméga figurine, oméga pour oméga 3 bien sûr. Hein? Parce que c'est important pour la santé. Ça aussi, il faut le savoir pour les nouveaux. Madame Tipi, elle ramène toujours tout la naturopathie. Là, j'ai mis un peu de bleu, les copains. Le bleu, c'est pas mal pour ombrer parce que c'est, ça fait de l'ombre colorée. Donc, c'est plus intéressant que du noir. Là, j'ai toujours mon vert qui reste dans le godet, dans le canon. Hop, ça y est, on est passé au bleu. On peut y aller. Ah, mais c'est bleu. Mathieu Véry dit je suis videur de métier et Johan il répond Mathieu j'ai lu videur d'évier. C'est un beau métier. Très léger, vous avez vu, je mets des petits coups comme ça là. Oui, on est jeune, il est tard, il faut qu'on aille au lit, Manu dit. Voilà. Très léger là. Vrai. Très léger. Voilà. Ça fait de l'ombre colorée, c'est pas mal. C'est pas mal l'ombre colorée. C'est pas mal. C'est pas mal. Très léger. D'évier métal. Un combo. Là, un peu par en dessous, là. Voilà. Très léger, très léger. Voilà. Ah, Christophe Hardy dit la description de ma vidéo parle de bisous sur les fesses, c'est obligé? Où ça? Bah, ça dépend avant ou après ton test PCR. Hop, dans les intérieur fesses. Des cuisses, vous voyez. En fait, j'ajoute un peu de bleu sur mes parties marron, sur mes parties noires. Oh là là. Voilà, très léger, stop. Pas plus, pas moins. Pouc. Là, on est pas mal. Allez, eh ben maintenant, on attaque au pinceau, les copains. À moins que. Est-ce que je gagnerais pas du temps à. Tiens, sur le bide, est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur sur le bide là? Je me demande. Je vais regarder un peu les copains là sur l'artworks de base. Si il n'y a pas un peu de. Il y a peut-être un peu de couleur chair qu'on pourrait mettre sur le bide. On tente ça? On se tente un peu de couleur chair? Allez, on se tente ça. Je fais ça moi. Méga figurine, évidemment, je suis bon pour la santé. Évidemment, je suis bon pour la santé. Bah oui, parce que j'ai dit oméga pour oméga 3, bien sûr. Ah, je suis bon pour la santé. À tes souhaits. Bon, je suis désolé, je vais me coucher. Bonne nuit à vous tous. Bisous, petite, car demain, j'ai une dure journée. Ah, bon courage. Ah, ça, les tournages. Les tournages de films porno, c'est toujours. Toujours éprouvant. Bah, en tout cas, c'est mieux que la semaine dernière où Zoz avait débuté avec un brossage à sec bien crade, dit Joël Musso. Mais c'était pas crade du tout. Qu'est-ce qu'il dit, lui? N'importe quoi. Voilà, c'est pas parce qu'on comprend pas la technique de l'artiste qu'il faut dire que c'est crâne. Hein. Allez, je vais me tenter avec un petit piel light skin. Donc c'est une couleur de peau claire. Bonsoir tchuss. On va se faire un peu ça dans le godet. Bonsoir à tous les pour autres. Apporter un peu des nuances. Bonsoir tchuss. Tchuss comment? Tchuss. Ouais, ça y est, je vois. Je rentre du travail, j'ai loupé quoi? Ben rien du tout, mec. Qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas fait grand-chose. Hein. On ben, a écoute, Hank est en forme aussi. Tiens, en parlant de santé, je vais me rouvrir une bière. Ah ben oui, il a raison. Bien sûr. Ils vont me donner envie, tout ça. Fort, vivre Roman, dit Mathieu Véré. C'est gentil, Mathieu. Voilà. Hop, petit mélange qui va bien. On nettoie un peu le pinceau. Et l'huile de foie de Madame Tipi, c'est bon pour la santé, dit Adeptus. Adeptus Mechanicus. Hop, on fait crachoter un peu. J'aime bien mais faire le petit bouchon là pour faire buller l'aéro. Faire buller l'aéro, ça permet de mélanger. Il y a le culte du dé, mon père. Ah, bonsoir le culte salut, du dé. Salut, sa tribu et toute l'équipe. Salut, salut. Qui a fait une émission avec Iggy très sympathique. J'ai pas eu le temps de voir jusqu'au bout encore. Où il parlait notamment des Kickstarter. Vous savez que les Kickstarter là, on va se prendre une petite... Ah oui, c'est ça que tu m'as raconté. Ouais, la TVA, là, je sais pas quoi, là, ça va être... Ça va être coton, les copains, hein, parce qu'a priori,
Voilà, j'ai rien compris. Vous avez compris que j'ai rien compris. Donc allez voir l'émission. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on risquait de douiller pour les Européens, pour les frais rapport à la TVA, à partir du moment où on kickstart des trucs qui viennent des States. Voilà. Les Européens, ils vont se faire défoncer. Lionel Boulay dit « Zeus est un artiste sacrément incompris, même par lui par moment, et sa caméra palette également. » Voilà. On va la faire venir, la caméra palette. T'as pas eu le temps, hein, de voir. Non, pas le temps. De... Donc tu la virais, du coup, ça. Non, je vais la mettre après. Hein, si tu suivais ce qu'on dit. Ah ben, j'étais pas là au début. Oui, mais je vais la mettre après. Pour l'instant, oh, je fais un travail de base d'aéro qui ne justifie pas la présence de la caméra palette. D'accord. Pourquoi tu cries, toi? Alors, Hank dit d'ailleurs, pourquoi Roman? Pourquoi Roman? Pourquoi est-elle là? Pourquoi le prénom Roman? Parce que j'ai pas compris. Zeus, utilises-tu de la peinture Procolor? Dit Omega Figurine. Non, mais ce serait une bonne chose parce que je sais que la peinture Procolor a cet avantage d'être très, très fluide et donc complètement indiqué pour les aéros. Voilà, là j'ai mis un peu de chair sur mon bide, vous voyez. C'est juste parce que je trouve ça un peu sympa. Je vais en mettre un petit peu aussi sur le pec ici. Arrête de tousser. Et un petit peu sur l'intérieur des mains, peut-être. Ou pas. Je sais pas, je teste. Ouais, non, c'est pas assez précis. Il faut le faire plus précis, ça, ici. Donc, on va laisser ça comme ça. Maintenant, je vais mettre un peu de... De cette couleur-là, là. Ce rouge, vous voyez, un petit peu cramé, là. Ce rouge... caca. C'est un peu pas un rouge caca, mon cœur, c'est rouge. Tout simplement. Ah, Alison, arrête de m'en parler parce que tu... Vraiment, j'ai du mal à... Ah, pour le colis. Bah ouais, dis, on espère que ça vous plaira, ça me stresse du coup. Pourquoi ça te stresse? Fabrique. Qu'est-ce qui te stresse? Ah, elle est stressée. Oh, mais te stresse pas, nous, tu sais, on nous fait des cadeaux, on est contents, hein. Bon, ah, oui. Même un collier de pâte, on serait content. Oui. Eh ouais, les gars. Ouais. Toi, tu m'as fait un collier de pâte, on était content. C'était pas un collier de pâte, c'était quoi qu'elle nous a fait? De quoi? Que ça nous a fait là de l'école là. Ça nous a fait non un truc que tu mets les bougies là. C'est sympa, ça. Un bougeoir. Ça un bougeoir, voilà. Pour Noël. Ouais. Mais c'était l'an dernier. Hein, c'était l'an dernier, voilà. Ouais. Avec mes attends, mince, parce qu'il y a d'un coup plein de trucs encore. Donc je mets pas beaucoup, hein, juste un petit peu de dose de peinture. Parce que c'est du haut blanc, donc c'est bon. C'est juste pour faire des petites touches, vous allez voir. Ah, alors, Robis Maquette, il dit ça, c'est pour quand un live sur une fille de qualité studio? Oh, c'est bah, compliqué. Quand tu sauras faire. Quand je saurais faire. Oh, t'es vilaine, toi. Oh, que t'es vilaine. Ben, je préfère vous le faire en tuto monté, ça, parce que c'est assez compliqué de, en live, je pense, de faire de la qualité studio. Quoique, j'essaierai. Enfin, après, de temps en temps, j'essaie de vous faire des trucs assez... c'est chiadé quand même, hein, attendez, oh. Hein, de temps en temps, je fais des petits trucs un peu chiadés quand même. Mais c'est vrai que toute une figurine en qualité studio, alors, je sais pas. Guillaume, il dit, Zoz, tu es prêt pour lundi, alors? Qu'est-ce qu'il y a lundi? Qu'est-ce qu'il y a encore lundi? Tu vas nous faire toutes les semaines? Ah oui, lundi, je suis avec Iggy. Ah, encore? Ouais, encore. Ah ouais, et je vais finir par me demander si Iggy et toi... On dit du mal des figurines des gens. C'est pas mal. Ouais, ouais. Alors vous avez vu, j'ai mis un peu de rouge dans mon aéro pour faire un peu la paume des pieds, comment ça s'appelle, le talon. Ah, salut Jojo Mazzini. Ça ajoute un peu de tonalité. Salut Mazzini. Non. C'est sympa comme oui, ça, hein, vous voyez. Ça ajoute un peu de caractère, ça. Hein. On peut faire remonter un peu sur le tendon. Alors faut faire des petites touches, hein. Faut que ça teinte, hein. Faut pas non plus y aller comme un bourrin. Après, on peut un peu l'éteindre avec, évidemment, des filtres de verre, hein, si on a été trop violent. Je peux le faire là. Est-ce que je peux le faire sur les genoux un peu? Ouais, mais très léger. Voilà, juste ça. Un peu là. Voilà. Ça suffit. Pas plus. Parce qu'après, c'est un peu trop marqué. Mais vous voyez, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux le faire? Je peux le faire un peu sur les phalanges, là. Ça a de l'intérêt, vous croyez? Ah, ouais. Le chat, il déraille encore. Ah bon? Ouais, ouais. Mais aussi, hein, ça, d'un coup, ça décale. Et je sais pas comment on peut oui, faire. Oui, Roman, tous pas mal. Donc, bah ouais. La semaine dernière, c'était Zo, ça s'est quand même bien calmé, mais ouais. Il tousse encore. Et là, c'est Roman. Je vais en mettre un peu sur les pommettes. Bah, je sais pas si t'as raté l'info, mais on s'est fait tester aujourd'hui pour vérifier, pour ouais. Pouvoir ramener Roman à l'école lundi et nous rebosser parce qu'on s'est confiné. On s'est isolé. Ouais. Donc, on est en train de voir. Alors,
de nouveaux problèmes chat, c'est souvent. Voilà. Ouais, je suis d'accord, hein, c'est un peu pénible. Bah, je vais essayer de voir ça, mais qu'est-ce que je peux faire là? Ah, Lydie qui dit au fait de ta faute, je me suis mis à Cobra. À Cobra Kai. Et t'as ouais. vu, c'est pas terrible cette série? C'est génial. Ah, c'est top, franchement, on est bien. Alors, Anne, c'est bien ça. Pourquoi le prénom Roman? Alors, moi, j'adorais Roman avant même de rencontrer Zoran. J'adorais ce prénom. Bah, ton ex, il aimait bien ce prénom. N'importe quoi. Donc, j'ai toujours dit que ma fille, si j'avais une fille un jour, s'appellerait Roman. J'adorais ça. Et quand pas mal, là. Y a eu Allez. Des bébés qu'on a Hop. Su que c'était une fille, ça s'est un peu imposé naturellement parce que Zoran aimait beaucoup ce prénom aussi. Je l'avais, je l'avais convaincu là, sur ce côté-là. Et j'ai douté en début de grossesse parce que je l'avais tellement répété, tellement dit que voilà. Et puis finalement, j'ai dit non, c'est quand même le prénom que j'adore depuis très longtemps. Voilà, donc ça faisait des années avant de l'avoir que j'avais envie d'appeler ma fille Romane. Ouais. Tu sais tout. C'était la séquence émotion. Alors maintenant, ouais, on va reparler cul, poil et... Oh. Oh, mais qu'est-ce que... Ah, faut afficher mon cœur hein, quand il y a des messages. Voilà, t'as tout compris, ma gueule, tu vois? Tu vois ce qu'a dit ta fille? Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, oh, mais caca, pipi. Tu vois? Même elle trouve que c'est ah, trop. Ah oui, c'est trop. Alors, je vais regarder maintenant, les copains. Donc, je me mets les couleurs que j'ai utilisées toujours par-devers moi, de manière ah, à pouvoir... Par-devers moi. Ah, qui c'est qui a dit tout à l'heure? C'était pas Mickey du 24 ou... Ah, je sais plus qui a cité... Ah, d'accord. Et, bah, au moins, on aura la paix. Ouais, je vais vous parler à mon chat tranquille. Donc, alors, j'en étais à John Musso, les colliers de pâtes c'est bien car quand les enfants grandissent, tu peux les cuire et les bouffer. Les enfants ou les colliers de pâtes? Il dit Family, il dit du coup. Attends. Du coup, à quand une vidéo sur Gulliman? Oui, alors c'est. Oui, je sais, faut que je. J'ai tout. Tu sais, c'est le truc que j'ai tout filmé et que j'ai toujours pas. Monté. Donc c'est honteux, je sais, c'est honteux. Ah, Guillaume, il dit c'est une blague, non? Il n'y a pas Iggy lundi. Ah, il n'y a pas Iggy lundi? Ah bon, bah mais dites-moi, parce que moi je vais attendre comme un con, hein. Hey, Guillaume, faut que tu lui dises vraiment quand il y a, parce que ça craint. Non, mais je vais regarder, je sais, je suis au courant. Je suis ça de près, vous vous doutez bien. Alors, je regarde un peu comment il a peint le bazar, là. On va utiliser un peu de marron. Je vais faire à l'aéro, hein. je gagne du temps. J'ai l'aéro, tant qu'à faire, j'essaie de faire le maximum à l'aéro. Donc, je mets un peu de marron dans mon godet. Vous voyez? Solène, elle dit like et Tipeee avec un smile. Merci pour les tips airbrush. Les tips airbrush. Qu'est-ce que c'est que ça? Les tips airbrush. Ouais. Je comprends. Je ne sais pas ce que dit cette dame. Je n'ai rien à voir avec cette personne. Je ne sais pas ce que dit cette personne. Je ne suis pas coupable. Ah, il parle du grand livre de la peinture sur figurine. Première édition négociée à 95€. Vous pensez que ça vaut le coup? C'est un très bon livre, ouais. Maxime, Mathieu Verry, il dit 95€, t'as fumé? C'est un très bon livre, après je sais pas si ça vaut 95 balles, je sais pas. Ah, Guillaume, il dit merci pour ce chouette live d'hier soir à Fred du culte du... Ah oui, ils ont fait un chouette live avec Iggy. Touche pas ça, mon cœur, c'est chaud, c'est le chauffage. Tu vas te brûler. Non. Non, ça va, non, ça va. Mais quand même, faut faire attention. Ah, vous voyez, hop, hop, ça y est, le marron est arrivé. Quand le marron est arrivé... Hop, je vais taper. Voilà. Mes petits bracelets là. Maman. Oh, dis donc, les dix qui disent que Zoran n'a pas eu le choix, le pauvre, sur le prénom. Maman. Dis donc, non, attends. Et c'est pas qu'il a pas eu le choix, il a aimé ce prénom, moi. Oui, moi je mets bien, moi. Hein. Ouais. Et en plus, je trouvais que ça allait bien, Roman, avec son nom de famille. Parce qu'il fallait quand même pas n'importe quel prénom avec son nom de famille. N'est-ce pas? Ouais, c'est vrai que. Et puis Roman, Zoran, voilà. Je mets bien. Voilà, j'ai fait un petit peu de bracelet marron là. Ça, on va le faire comment? Ça, c'est marronasse ou pas? Je sais pas du tout comment c'est dans le. Je sais pas comment c'est dans le machin, j'ai pas envie de faire de conneries, les copains. Je vais regarder. Ah, des petits barbouillus, il dit ça quoi. Il dit en vrai, Roman, c'est pour rimer avec Johan. La veste aussi, là, c'est un peu marronasse apparemment, ça. Hey, il y a pas de veste, je teste un peu, hein, je tape des marrons comme ça là, pour voir. Vide. Ouais, c'est pas mal. Alors, je vais faire la peau et la peau des décors là, tant qu'à faire, on va en profiter. Mais ouais. Voici quelques résultats de recherche. C'est original, tiens. Tais-toi, ma femme est pas au courant. Chut. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler quand je suis en famille. Omega figurine, il dit et Zoran est ton prénom, je le trouve vachement stylé. Oui, c'est pas un pseudo. Ouais, c'est pas un pseudo. C'est bien le sien. Ouais.
C'était Patrick ou Zoran. Alors, Maxime Bujou, il dit oui, mais je le veux tellement et je le trouve jamais à vendre sur le net. Il est même à 200€ ce livre. Ah oui, non, mais c'est un truc qui, c'est un truc que j'ai là. Bah oui. Je te vends 150 balles. Mais comment ça se fait, on le trouve plus pour qu'il grimpe? Bah oui, parce que c'est un ancien bouquin qui est sorti il y a très longtemps. Et on n'a pas fait de réédition. Et il n'y a pas eu réédition de ce truc-là, je crois. Me semble-t-il. Couleur chair. Alors, de vers moi, c'est Trick Track, il dit. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est... Alors, c'était Monsieur Fall qui disait ça, qui fait plus partie de Trick Track. Ah, Solène dit tips, c'est conseil, tips, airbrush. Ah, d'accord. Voilà. Ok, ouais, bah, tu sais, nous, on est... on est des vieux, hein, tous ces mots-là un peu anglais. Non, mais c'était en fait un mot. On ne les connaît pas. Alors, nous, on s'est arrêté à pullover, hein, ouais, c'est l'ancienne ça. Génération. Pullover, c'est quoi, pullover? Eh ben, c'est un pull au vert. Ok, vert. C'est un pull qui se met un peu, tu vois. Mmh. C'est un pull qui est un peu abusé pendant les fêtes. Et il se dit, oh, je me mets au vert. Voilà, voilà. Pull au vert. Le culte du dé, il dit, j'aimerais bien faire un live avec Zon. Et il dit, sur les figues, on pourrait se marrer. Mais oui, mais moi, j'aimerais bien. Et demande à Iggy si tu peux pas venir, on le fait à trois. Moi, je voudrais bien, moi. J'aime bien Fred. Et Fred, d'ailleurs, je l'annonce, comme t'es là. Un de ces quatre, j'aimerais bien faire un live avec ta tête là. Je te poserai des questions. Si t'es d'accord, hein. Je veux faire des lives invités. Ah, j'aimerais... Ouais. Ouais, j'aimerais bien inviter Fred. Notamment, je pense que l'autre con là que je peux faire venir. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien. S'il est d'accord, hein. Là, le mec est un peu coincé, obligé de dire oui, tu vois. Joanne Musso. Oui, non, je l'inviterai pas, Joanne Musso. Ça suffit. Ben, ce sera maman qui l'invitera. Alors Joanne Musso justement dit vas-y. Vas-y le culte, on regardera avec plaisir. Ah oui, moi j'aimerais bien, moi. Je vais demander à Eddy s'il peut pas t'inviter. Moi j'aimerais bien. Alors Guillaume il dit du moins on n'est pas encore au courant pour lundi, mais c'est une idée, faire croire à Zos qu'il y a. Puis inciter Iggy à en faire un. Et hop, là, j'ai organisé. On a été doués, Guillaume. C'est une bonne idée. Surtout qu'en plus, il a des bonnes années sur les figurines, notre ami Fred. Parce qu'il peint quand même très bien. Hein. Il fait de la figurine de jeu. Ouais, voilà. Donc, il vise pas les pièces de concours pour le moment. Mais, mine de rien, il a... Il a de la technique. Il a de la technique, il peint bien, moi je trouve. Il fait des, voilà, il fait des résultats efficaces. Il a une peinture efficace, le Fred du culte du dé. Donc en ce sens, il est très intéressant pour parler de la peinture figurine. Encrevez-moi ta réponse pour ce que tu as dit sur ma réponse. Voilà, on a mis un peu de, Roman, un peu de, voilà, un peu de corps, là, un peu de. Voilà, allez, bon, ça suffit les héros, on attaque. Le pinceau, el pincel. Guillaume, il dit, bien sûr, le culte du dé, super idée pour Iggy, toi. Ouais, bien sûr. Par contre, à vous trois, on verra 20 figues en 3 heures. Bah oui, mais vous remarquerez, vous direz, c'est pas moi qui traîne. Iggy traîne plus que moi. Hein. Moi, je suis du genre plutôt à aller à l'essentiel. Hein. Iggy, des fois, il dit des trucs, blablabla, blablabla, il dit, oh Iggy, figurine suivante. Ah, mais... Affiche le message de Matt. Il est en PDF gratuitement, le bouquin, sans vouloir niquer les droits d'auteur. Lol. Ah ouais, oh là là, ah, ça veut dire qu'on peut le pirater. Ça. On est en train de dire qu'on peut le pirater. C'est pas bien ce qu'il dit. Désaffiche le message. On va se faire kicker la chaîne à cause de lui. Ah, et d'ici, il y a une seconde édition, mais introuvable aussi, dit Maxime Bujou. Ah bah voilà, comme ça, on s'est réglé. Après, Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as fait? Modérateur vient d'intervenir. Bah oui, j'ai cliqué afficher le message. Bon, fou. Bon, bref. Je comprends pas tout, moi. Moi, les technologies. La musique, elle est bien, là. Il y a du son. Ah, mais pour... mais t'as rebaissé, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas lire les. Ah, trucs, là. Pardon. Pardon. Qu'est-ce que c'est, ça? Oh là là, tais-toi. Qu'est-ce qu'il est con, ce chat? Dédicace à Jean-Pierre Bacri. Ouais. Ah, plus cher. Ça me fait de la peine. Ah, bah, ben, on entend plus la musique. Quoi? Bah, merde, alors. Moi, je veux mettre la musique, là, en fond, là. J'adore comment décaler les phrases. J'adore comment décaler les phrases, Roman est trop chou. Ouais. Ça y est. Oh, Johan il dit oui, papa est là, Roman. Ouais.
Il y a ton papa qui te dit bonsoir. Oui, bah on va régler nos comptes. Hein ? Prochain cours de peinture sur figurine. Alors, Thierry Vardy, Zeus, soigne ton langage, ta fille est encore innocente. Oui, c'est vrai, des fois je fais pas attention. Attention, hein, ton corona, toi. Ah, voilà, Anne qui dit « Grand merci, Madame Tipeee, pour cette lumineuse réponse, mon prénom Romane. » Romane, c'est le prénom de la fille de Richard Bohringer aussi, que du talent. Quoi ? Oui, alors, c'est vrai, je peux pas dire honnêtement que je l'aime particulièrement, mais par contre, je pense que j'ai découvert ce prénom par elle, oui. Ah bon ? Oui. Ah, moi, je connaissais d'avant, moi. Tu connaissais pas d'avant ? Attends, d'avant, tu sais quel âge elle a maintenant, Romane Bohringer ? Alors, d'avant quoi ? Bah, c'était le prénom était connu avant Romane Bohringer. Ah bon ? À mon avis, elle a été connue très très tôt, Romane Bohringer, quand elle était minette. Donc je suis pas sûre que tu connaissais le prénom d'avant elle. Romane, tu crois ? Bah, bien sûr, Zo. Romane Bohringer, elle a oui, un certain âge. Oui, mais je veux dire, on n'a pas attendu Romane Bohringer pour appeler des gens Romane. Mais j'ai pas dit le contraire. Je dis que vu l'âge de Romane Bohringer et vu mon âge... J'ai quand même beaucoup découvert ce prénom par là, à mon avis. Ah, je pense pas l'avoir ouais, connu avant. Ouais, d'accord. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. De suivre un peu. Bon. J'ai pas tout compris à la phrase. Vous savez, des fois, quand on discute avec les femmes, des fois, il faut dire... Ah, comme ça. Et toi. Salut à David. Bienvenue. Voilà, petit coup de nettoyage d'aéro, ça, on jette ou on garde Maxime ça Maxime Bidieu, idiot, je suis dans la petite banderole en bas à droite avec des smileys. Mais c'est normal, qu'il y ait un tipeur. Tous ceux qui sont tipeurs, qu'ils aient donné ils un type ou qu'ils soient en type mensuel, tous, ils apparaissent dans le bandeau et c'est la moindre des choses. Et on va faire bientôt un autre cadeau au tipeur. Un autre cadeau figurine. Je dis ça, je dis rien. Un autre cadeau figurine au tipeur parce que c'est grâce à vous. Donc vous le méritez bien. Love to love. Qu'est-ce que c'est, ça ? Dame Tipeee aussi vous remercie. Bah ouais, parce que mine de rien, bah, les sous-sous que vous donnez, ça sert. Hein, acheter une baguette de pain, un slip. On vous dit que ça sert pour la peinture sur figurine. Mais en fait, oui et non, parce que l'argent, il vient sur un compte. Donc, à un moment donné, tu prends l'argent sur ton compte. Est-ce que c'est cet euro-là qui est... Il n'y a pas de numéro de série sur l'euro que vous donnez. Enfin... Dis donc, t'es en train de leur dire que c'est... Tu récupères l'argent pour autre chose que pour... Oh, c'est moche ce que tu dis. Alors, ma palette humide. Alors, Joanne Musso, il dit pas de musique, pas de chat, pas de caméra palette. On va filer chez Gerio si ça continue. C'est vrai, mais c'est n'importe quoi. Ah bon, il n'y a pas de musique. Si, mais elle arrive, la caméra palette. D'accord, donc ça, ok. Vous insistez. Pas de musique, qu'est-ce qui se passe alors ? Mais si, il y a de la musique, audio du bureau. Je la vois là. Ah bah dites-moi, tiens, il n'y a pas de musique là peut-être ? Et pas de chat, oui, il y a pas de chat en tout cas. Bah ça, je sais pas. Hein, bah ouais, je sais pas. Bon, alors, je vais retenter un truc, peut-être. Attends. Tu sais ce qu'on va faire ? Je vais tenter un truc. Parce que tu vois, là, par exemple, ça me paraît bizarre. Personne ne parle alors qu'ils parlaient tous beaucoup. Ouais. Et là, c'est bloqué sur Joanne Musso, sur cette phrase. C'est louche. Moi, je pense qu'on va avoir d'un coup le... Hein, voilà. Alors, attends. Il y en a trois d'un coup. Restaurer le chat. Ouvrir le chat dans une fenêtre. Là, je prends, je fais copier. Copie. Voilà. Ça, on va le mettre là. Voilà. Là, je vais dans propriété. Alors, vais... Thierry va n'importe comment. JBT s'en fout. Carte outil fruity. L'éditeur est parti avec la caisse. Le grand livre de la peinture de figurine. Ah merde. Ah bah, genre, sympa le tutti frutti. Anc, elle a 48 ans, Romane Bohringer, tu vois. Donc tu vas pas me faire voir que tu connais le prénom Romane d'avant elle, parce que vu que... Et là, regarde, là, ça active, là, ça marche, non ? Tu vois ? Ah, on va voir, hein, je sais pas. Ah ouais, là j'ai les commentaires. Au fur et à mesure qu'on va voir. Là, j'ai les commentaires qui arrivent, là. Non ? Fred a assez de goût pour pas peindre des cow-boys. Mathieu Véré, ma chatte m'a démonté la main, lol. Hop, attention. Désactivé, activé. Alison. Caméra palette. Ah ah. Ouais, qui va encore rester bloqué, c'est ça ? Caméra palette. T'as essayé de voir ce qui allait pas ou pas ? Eh non, je ne sais pas, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Alison, je ne peux pas sauver des enfants des flammes dans non, un lit. Mais de la grippe, oui, on essaye.
Alice, une génieuse qui s'appelle Romane aussi, facile à retenir, elle a 8 ans, je ne connaissais pas personnellement. Et ouais, moi j'adorais ce prénom. Et finalement, on en connaît quand même quelques-unes, parce qu'on a des très très bons amis qui ont une grande de 12 ans qui s'appelle Romane aussi. Oui, il y a Romane Polanski aussi. Ah, super. Bah, on savait pas, évidemment. C'est comme ceux qui ont appelé leur enfant Adolphe. Ils savaient pas. Jojo Mazzini dit on va faire un Tipeee, chérie. Entre parenthèses, Alison, il précise. On va peut-être gagner une troisième fois. Alors là, en fait, la caméra palette, c'est la plus grosse. Mais c'est pas bon, c'est pas ça qu'il faut. Il faut que ce soit ça sur la caméra palette. Tu vois, Mega Figurine, il dit comme moi, Adeptus Barbu, j'adore ton pseudo. Ici. C'est exactement ce que j'ai dit la semaine dernière. Ça. J'organise mon espace de travail, vous m'excusez. Oui, comme si c'était maintenant qu'il fallait le faire. Ben, oui, parce que je passe du pinceau, je passe de l'aéro au pinceau, figure-toi. Oui, ben, c'est un problème, parce que les gens attendent. Hein ? Bon. Faut le faire avant que tu commences. Exactement. Oui, ben, fais comme on peut, hein. Alors. T'es trouble. Oui, ben, je règle. Dépêche-toi. Quand c'est trouble, on se demande encore plus ce que c'est qu'il y a au milieu. Mais ça va se réparer, ça, regarde. C'est pas là. Déjà, tu me fais cliquer n'importe où. C'est bizarre, hein. Le truc qui pendouille devant lui. Voilà, déjà, on a dézoomé, là. Voilà, mise au point, c'est pas mal. Ça, alors, bien beau. On en était... Voilà. Et toi, tu verrais du pain quoi, là? Ah bah non, j'ai rien de plus. Aussi, tu vois, c'est bizarre, ça. Je voilà. Là, on est pas mal. Et d'un coup, je vais en avoir 3, je parie. On est pas mal. Maintenant, il faut que je règle ça. Donc ça, il va falloir qu'on règle aussi autre chose, les copains, c'est que ça zoome de trop loin. Donc on voit pas très bien ce que je fais sur ma caméra palette. Alors moi, j'ai un problème. Parce que regarde-moi, ça s'est arrêté à Mathieu Véret, 2000 figues, etc. Et toi, t'as le reste. Regarde, ça continue et moi, j'ai pas. Ah ouais? Pourquoi t'es obligé de descendre pour voir la suite? Je sais pas. Un autre modérateur vient d'intervenir, qu'est-ce que c'est ça? Ah oui, des fois, ça fait des blocs, ouais. Non, mais c'est bizarre parce que tu as vu que toi, ça s'affichait. Hein. Je l'ai pas eu, moi, tout ça? Alors, Anne qui dit c'est YouTube, je crois, pour le chat. Ouais, je pense hein, aussi. Alors, ça a l'air de défiler, là. Ah, Thierry Var, il dit ça monte. 72 viewers et 46 likes. Cool. Ah, merci, Thierry, de nous tenir. C'est bien, merci, Thierry. Cool. Merci, Thierry. Alors, les copains, now, je vais baisser peut-être l'audio du bureau, là, non? Peut-être un peu fort. Cambo, il dit YouTube, Alice, t'es Zoz, une chaîne avec autant d'abonnés, il faut surveiller. Ouais, autant. Oh là, j'en ai, il y en a qui ont beaucoup plus d'abonnés que moi, hein. Il y en a qui sont à 5-10 000 même, les Français là. Putain, il y en a plein qui disent des trucs bizarres parce qu'il faut afficher, donc ils doivent dire des vulgarités, non? Oui, mais les coms arrivent par vague, ouais, c'est ça, c'est Mika du 24 qui dit ça, je suis d'accord, moi j'avais pareil. Même sur le site, oh, t'arrêtes pas de bouger, du coup j'aurais pas su. Ouais. Même sur le site YouTube, je ne vois pas tous les messages, c'est pas toi. Hein, mon tiens mon cœur, si tu veux, avec ça tu peux afficher, il y a des trucs. Tu vois, tu cliques là, là, voilà. Parce qu'en plus, il faut que je fasse des choses. Non, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, maintenant, on va prendre un verre un peu sombre. Par exemple, tiens, j'avais ce verre-là et j'ai ce verre-là. Là. On va vomir avec tes zooms brutaux, dit Guillaume, c'est vrai. Là, on va faire ça. Voilà, le zoom, il est pas mal, là, on est bien au niveau du zoom. Zoom, zoom, zoom. J'arrive pas à suivre, il y a d'un coup 36 messages qui arrivent. Et je vais reprendre ma peau verte. Je vais reprendre du... je vais me faire, sur ma palette, je vais me mettre... On va faire ça. Je vais me mettre un mélange de... François Pigy dit, vu le temps que ça va prendre, j'ai le temps d'aller faire pipi avec mon déambulateur. Je me mets des petites touches de verre dans ma palette. Je me suis mis du verre militaire, que j'ai pas encore utilisé, parce que c'est un verre sombre. Je me mets mon verre de couche de base. Voilà. Je me fais ma tambouille, quoi. Je prépare mes couleurs. Mon verre... comment ça s'appelle, là? Mon verre scorpion, là. Mon verre un peu pétant, là. Voilà. Ici. Oh là, alors, c'est quoi ce nom? Bonsoir, Noob Minis Painting. Noob Minis Painting? Ouais. Noob, ça doit être un mec qui dit noob, ouais. Genre nouveau. Ouais. Tu vois, un mec qui peint pas très bien.
Noob, je pense. Hein. Peut-être un mec qui est pas doué, quoi, tocard, tu vois. Bon, noob mini spending. Bon. Alison, elle dit d'accord ça. Avec Madame Tipeee, il est bizarre l'introjonction du personnage, tu vois. Mais non, mais parce que vous avez. Parce que vous avez une à la place du cerveau. Non. Bah si, vous voyez des sexes partout, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Bah, je sais pas si c'est un lien, mais Thierry dit finalement je suis content de n'avoir eu que des garçons, deux filles à la maison, c'est l'enfer. Dis donc Thierry, la pizza tu vas te la mettre où je pense, hein. On n'est pas prêt de se voir mon gars. Ah bah avec Maître Castex, non, c'est pas prêt de... Mais si, on va être tous déconfinés et plus de masques d'ici 3 semaines. J'ai failli en tousser, dis donc. Ouais. Déjà, il y a eu une fuite, oh, vous avez vu ça? C'était rigolo ça aux infos. La fuite du maire de je sais plus qui. Dans le Calvados. Un maire du Calvados qui a balancé l'info, qui a dit bon les gars, on est en conseil municipal, il n'y a pas la presse. Donc j'ai eu le préfet en ligne, je vous le dis, on est reconfiné. C'est annoncé mercredi et on est reconfiné pour. Je sais plus quoi. Bizarrement, Macron à ce moment-là, il a décidé de tempérer et de décaler. Moi je me dis que Macron, pour pas passer pour un con. Et pour pas faire croire qu'il y a des fuites, il a décalé alors qu'en fait, le préfet, ce qu'il disait au début, c'était la vérité. Moi, je suis sûr, moi. Complotiste, moi, mec. Ouais, mec. Mais c'est fou, tu vois, t'as les messages bien plus tôt que moi. Ah bon ? Ben ouais, je comprends pas. C'est pas normal que t'aies les messages plus tôt sur la vidéo que sur le chat, quand même. Là, t'es en direct sur le chat. Ouais, non, ouais, dis, regarde. Là, au même niveau. Zo, ça fait 2-3 fois que je remarque que... Je vois que ça bouge pas d'un coup sur l'écran. Je regarde sur ton écran à toi et là je vois d'autres messages. Ah bon. Bah oui, si je te le dis quand même. Un peu de noir aussi. Ou de bleu foncé. On va prendre un peu de deux. Donc je me mets plein de couleurs, vous avez vu ? Du noir, alors, du bleu foncé. Dit, elles sont vraiment belles les figues Rising Sun. Ouais, c'est du beau matos, hein, Rising Sun. Ouais, Thierry, oh, je pousse beaucoup, toi. Et faut que tu te calmes, parce que là, ils vont rien entendre. Ouais, ils vont rien entendre, sinon. On va être obligé de te supprimer. Thierry Bard dit, je pense que le souci vient plutôt de YouTube. T'as pas des figues de zombies, vomis dessus, ça fera office, dit Guillaume. Alors, j'ai mis un petit peu noir dans mon vert foncé. Vous avez vu, là, sur ma palette qu'elle a. On va montrer là, ici. Non, t'allonges pas, Romain, c'est tout sans problème. Voilà. Donc j'ai mis un peu de noir. Qui dit j'ai un message retiré alors que je n'ai rien écrit, mort de rire. Oui, j'ai vu ton message retiré, t'avais rien écrit. Ah bon ? Non, mais c'est n'importe quoi ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Ouais, je mets une petite pointe de bleu là-dedans, dans ce mélange-là. Donc là, j'ai du vert, du noir et un peu de bleu. Et ça, assez dilué, je vais m'en servir pour aller chercher des ombrages un petit peu, vous voyez ? Genre là. Jojo Mazzini dit c'est des comme Covid, c'est normal qu'ils arrivent par vague. Là, voilà, là je fais le dessous des tétés par exemple, vous voyez. Oh, mais c'est pas vrai. Mais il fait exprès, c'est pas possible cet enfant. Ah oh, ouais, non. Bon, allez, on va au lit parce que j'en ai marre d'entendre. Franchement, c'est juste. Non, mais bah, en plus, il est tard, mon cœur. Il faut y aller maintenant. Eh oui, 10h15, tu vois. Allez-y. Voilà, donc là... Tu dis bonne nuit à tout le monde ? Bonne nuit tout le monde ! Mais pas toi ! Ah, pardon. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Excusez-moi, j'ai pas suivi. Tu peux continuer le chat ? Bonne nuit, ma pétoune. Gros bisous. Bonne nuit ? Non, c'est moi qui dois... Oui, vas-y, dis-moi. Oh, il est très beau, ton bonhomme. Merci, mon cœur. Je sais pas ce qu'il pend, lui, là. Qui pendouille là ? Ben c'est des... Ça, c'est des gens qui s'amusent. Ils s'amusent. Ils font du bâton perché. Mais ils n'ont pas de tête. Oui, ben parce qu'ils ont perdu la tête dans le jeu. Ils sont de... force de rigoler, tu comprends. C'est ça. Bisous, mon carounette. Bisous, caca. Bisous, caca. Ça, il fallait le casser. Ça, c'est fait. Ah, voilà, ça, c'est fait. Bisous, papa. Bisous, mon amour. Fais un beau dodo bisous après papa. Bisous caca. Et... Bisous caca, voilà. Là, c'est pas facile, hein, toujours. Hein. Bisous caca. Voilà, donc avec cette peinture assez déliée, qui est un mélange de vert foncé, un peu noir, un peu de bleu, bref, une teinte un peu chelou, on vient, n'est-ce pas? Oui, ben tu m'entends, ben je sais que tu m'entends. C'est la Gestapo, cette minute, hein.
Oui, mon cœur. Oui. Et donc là, je viens, vous voyez, surligner un peu tous mes petits machins, là. Hop, là, voilà. Ah, mais il y a des poils sur le bidou, là. Comment on va les faire, ces poilous, là? Il y a des poils qu'on va devoir faire sur ce bidou. Alors, ça me permet de faire ces lignages, ça me permet de gagner en lisibilité aussi sur ma pièce. D'accord? Ça me permet, donc là, jusqu'à ce que Madame Tipeee revienne, eh ouais, les gars, vous n'avez pas de bol, ça va être sérieux. Ah, ça va être sérieux. Donc là, ce lignage-là, il me sert à gagner en lisibilité sur ma pièce, c'est-à-dire à savoir où j'en suis en termes de peinture, voir si tout fonctionne bien, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, c'est assez important à un moment donné de le faire quand vous en avez le besoin, quand vous estimez que vous avez besoin de gagner en lisibilité sur votre pièce. Moi, j'estime que là, c'est assez important pour moi de savoir un peu où j'en suis sur ce dégradé bide vert bleu là. Voilà. Je tente un peu des nuances, tiens, j'ai mon rouge à côté là. J'essaie de voir un petit peu là ce que ça pourrait faire si j'ajoutais un petit peu de nuances comme ça. Là. Ouais, pourquoi pas, for what? For what, for what? Un peu d'orange, là, ça peut être intéressant. Là. Je teste un petit peu, vous voyez, des trucs. C'est-à-dire, j'amène des couleurs, je les pousse un peu, je les... Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. On peut en avoir un peu ici aussi. Là. Avec un peu de vert comme ça. Ici. Hop, voilà. Je mets des petits points de vert et ensuite, je viens fondre tout ça. Voilà. Et je reviens ici avec mon vert clair. Donc je reprends un petit peu, vous voyez. Quelques petits... je teste un peu, si vous voulez, comment se comportent certaines couleurs, là. Je vois que mon vert, il se comporte pas trop mal, là, pour gagner en intensité. Donc je vais reprendre de ce vert-là, ici. Et je vais reprendre aussi un petit peu de couleur chair. Couleur chair que j'ai mis... Hop là, pardon, messieurs là. Pardon, messieurs là. Que j'ai mis là. Alors, est-ce que le chat défile bien? C'est vrai que des fois, ça se calme au niveau de la... affiché. Là, j'ai... Oh, je vois pas très bien. Bonne nuit, les copains. J'ai un bonne nuit, les copains. Si ça marche, ça avance doucement. Alors, je sais pas si ça avance au bon rythme chez vous, mais ça avance quand même un peu doucement. Je me mets un peu de chair aussi, ici, sur ma palette. Voilà. Cette chair-là, hop, ici, je m'en sers un petit peu aussi pour voir là ce que ça peut donner si je rajoute un peu de chair dans mon mélange, là. Voilà. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien. J'aime assez... Alors voilà. Tac, voilà, ça fait un peu de bidou clair. C'est pas mal du tout. Cette chair-là, on peut la reprendre un petit peu ici, là. Voilà. Là, un peu ici. Oh là là, elle tousse fort, ma petite. Elle tousse fort, ma petitoune. Voilà, je vais taper avec un peu de vert. Moyen ici. Et bim, bim. Voilà, donc ce vert là, là, qui est un vert un peu plus saturé, je le mets ici, voilà, pour regagner un peu en intensité. Donc je le mets en intermédiaire, en fait, entre... ma couleur très claire et mon vert sombre. Voilà. Ici, et puis après, je retape un petit peu mon vert foncé ici, là. Voilà. Ici. Je fais tout ça dans le frais, vous voyez. Hein, prends pas trop la tête. Tac, tac, tac. On peut mélanger un peu de vert avec un peu de rouge. Ici, là.
Voilà. Hop, on peut vérifier intermédiaire. Voilà. Un peu de chair ici. Voilà, et dans le frais, comme ça, je retrouve un petit peu de couleur. Voilà, là, on est pas mal sur le bidou. Je pense qu'on est pas mal. Il va falloir qu'on retrouve de l'ombre un peu en dessous, là, vous voyez, au niveau de ce coup-là. Donc, du coup, je vais venir chercher l'ombre de manière assez forte. Voilà, en rajoutant un peu de bleu. Ici, c'est intéressant, ça apportera un peu de tonalité, un peu de richesse. Voilà, donc ça fait une ombre colorée. Toujours plus intéressant qu'une ombre qui ne l'est pas. Je vais me faire un petit vert éclairci là pour aller choper un peu des lumières là, vous voyez. Voilà. Là, ici, tac, 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 tac. J'utilise même un beau pinceau pour faire ça, je devrais pas. Je peux le faire avec un pinceau qui est plus moche, en fait. J'ai pas besoin d'utiliser mon plus beau pinceau pour faire ça. Finalement. Parce que c'est un travail où je tapote, où je. Voilà. Je suis pas dans une grande précision. Donc on va plutôt voilà, partir là-dessus. Tac, 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 tac. Après je descends ici. Voilà, voilà, voilà. Après, je viens taper avec mon verre moyen ici. Et après, je viens taper ici avec le verre normal ici. Et dans le frais, on mélange un peu tout ça, vous voyez, histoire d'obtenir un dégradé qui tienne un peu la route. Voilà, sur ce premier pec, c'est fait. On va faire même chose ici. Voilà. Même là, on peut le faire un petit peu ici aussi. Là. Ici, on peut venir avec une couleur claire, puisque là, la lumière, elle vient taper bien en zénithal, là. Donc voilà. Après, on va le toucher très fort, ma pétounette. Après, on va venir avec un verre un peu plus intermédiaire ici. Voilà. Voilà. On est pas mal. Ici, pareil. On vient avec un verre un petit peu clair ici. On revient avec un verre un petit peu plus sombre là. Voilà. Ici, après on revient avec un verre un petit peu plus sombre ici. On tapote pour sur notre transition. Et voilà. Tout simplement. Donc tout ça se fait dans le frais. Hein. D'accord. Le frais permet d'aller effectivement plus vite. Voilà. Là, ici, hop, un petit peu. De vert, un peu avec du bleu, là. On peut se faire un mélange vert avec un peu de bleu. Ça me fait un ombrage, là. Et on va taper ici un peu tout ce qui est ombré, là, dessous des griffes. Après, je viens avec un vert un peu moins ombré, ici. Taper le dessous ici et après je viens avec un verre un peu plus confirmé ici faire notre main. Là je tourne ma figurine.
Voilà, donc oui, je vais tantôt chercher dans ma palette du vert clair, du vert. Je n'hésite pas à jouer un peu avec toutes les tonalités que j'ai à m'apporter. J'essaie de me mettre bien dans l'axe quand même, que vous puissiez voir un peu ce qui se passe. C'est quand même le but. Des petites pointes ici de marron entre les doigts, de rouge un peu entre les doigts. Voilà. Et des petites pointes de clair ici. Voilà. Et voilà. Ici. Pareil, on revient ici avec de la couleur claire. Vous voyez, je la tapote, cette couleur claire. Voilà, tac, tac, tac. Mon petit rouge là, il était où mon petit... Ah, c'est ça. Mon petit rouge que j'ai mis au coude aussi, il faut que je récupère. Hop. Oh là, ça s'envoie des scuds! Bah, va vomir et tais-toi. Oh, bah, dis donc. Il y a même 15 verres de Jack. Faites des gosses, putain. Bonne nuit à la pitchounette. Merci. Bonne nuit à Joanne Museau. Ah, bah, bonne nuit, Joanne Museau. Comme par hasard. Bonne nuit, chérie. Ouais, bonne nuit, chérie. Plus j'ai reçu ma 8404, c'est de la bombe. Mais 8404. Ah oui, Raphaël. Bah oui, très bon pinceau ça. The Studio et la peint, et la peau, tu la peins en quoi? Celle-ci là, bah tu vois dans ma palette, j'ai plein de couleurs, j'ai plein de verres un peu différents et je vais taper dedans au fur et à mesure, tu vois. Là par exemple, tu vois, le but c'est toujours d'avoir des couleurs claires, des couleurs sombres et des couleurs intermédiaires. Donc là sur ce bras par exemple, tu vois, j'ai déjà fait ma base aéro, mais voilà, je vais venir tapoter, tu vois, mon verre là. Donc j'y vais en tapotant. Voilà, je modifie un peu le pinceau, tac, tac, tac. Et tout ce travail-là, tu vois, j'essaie de le faire dans le frais, pour aller plus vite. Voilà, en respectant un peu les volumes de la figurine, c'est-à-dire en mettant effectivement sur les volumes qui prennent le plus la lumière, bah, la couleur claire, évidemment, de l'éclaircie, et sur les volumes qui en prennent un peu moins, en mettant de l'ombre. Mais je travaille tout ça en même temps, tu vois, je tapote. Tac, tac, tac. Là, ici. Là, tu vois, j'ai un coude. Ici, je prends un peu de cette couleur-là. Je décharge une fois que j'ai tapoté. Et tu vois, je... Hop, voilà. Tapoter tout ça comme ça. Tac, tac, tac. Voilà. Et le but, si tu veux, voilà, c'est de réussir à avoir une peinture qui soit assez rapide. Tu vois, je ne sais pas si tu as compris l'idée. Donc je pose mes peintures et avant que ça sèche, en fait, je traite tout ça dans le frais. Là, tu vois, par exemple, je pose mon vert clair ici. Ça, c'est un volume. Ici, je vais poser mon vert clair ici aussi et je vais le poser là. D'accord? Sur les trois volumes sur lesquels je sais venir se poser cette couleur de manière évidente. Voilà. J'attends pas que ça sèche. Je prends un petit peu de vert sombre à côté. Un tout petit peu. Et je vais venir tapoter ici dans mes creux. Tu vois? Je fais un peu ma jonction de tout ça. Voilà, tac, tac, tac. Ici, 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 ici. Voilà. Si je vois que j'ai un peu trop débordé avec cette couleur sombre sur mon volume, ben je reprends mon vert clair que je vais venir retapoter ici. Tu vois? En fait, je n'arrête pas de corriger, modifier tout ça dans le frais, en faisant plusieurs allers-retours, tu vois? Comme je suis en train de le faire là. Là, ici, je reprends un petit peu de vert, tu vois, à chaque fois, je prends un tout petit peu de peinture et je fais des petits tapotages comme ça. Tu vois, là, je décharge parce que j'en ai suffisamment posé sur ma figurine. Et je viens ici. Je veux retrouver ma petite tonalité sur le coude. Je prends un petit peu de rouge. Je décharge. Hop. Et je viens tapoter aux abords ici pour le fondre. Voilà. Ça y est, c'est fait. Tu vois. J'ai en tout cas un premier travail d'éclaircie et une première mise en valeur des volumes très rapide. Tu vois?
si tu comprends un peu, le, voilà, c'est une espèce de floutage dans le frais. C'est exactement ça. Pas qui c'est qui a utilisé ce terme-là. Choose, voilà, c'est ça. C'est un floutage dans le frais. Je te le refais là, regarde, tu vois, sur le dessus de la main. Sur le dessus de la main, je marque d'abord les endroits où je suis persuadé que ma lumière vient taper. Donc, d'évidence, là, on est sur du zénithal. Ma lumière va venir taper ici. OK. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Voilà, je peux le marquer encore un peu davantage ici. Voilà. Et voilà, tiens, il y a un poil au milieu un peu disgracieux. C'est pas très grave. Ensuite, je viens avec une couleur un peu plus intermédiaire, donc un cran en dessous, taper ici. Tu vois. Donc là, je vais venir ici de suite attraper des volumes qui sont en dessous. D'accord. C'est-à-dire qui ne sont pas en lumière. Et après, je reviens avec du vert et je vais venir tapoter un peu à la jonction de toutes ces zones-là. Tu vois ? Tac, 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 ici un peu. En essayant d'épargner un peu mes zones de lumière, tu vois ? Donc en fait, je fais que ça. J'ajoute, je retire un peu de peinture pour, dans le frais, corriger, agencer tous mes volumes. Tu vois ? Voilà, ici par exemple. Venir avec un peu de rose ici aussi, tu vois, dans le frais. Voilà, je tapote un peu de rose ici. Tiens, le rose est un petit peu trop présent. Eh bien, on revient avec du vert ici. On va un peu flouter. Tac, tac, tac. Voilà, tu fais que ça. Que des corrections dans le frais, des petits tapotages, des machins comme ça. Voilà. Donc, il s'agit d'être assez doux sur le pinceau. Et c'est une peinture qui est assez agréable parce qu'elle est instinctive. Tu vois, tu ne prends pas trop la tête. T'avances tes machins, tes bidules. Tu cherches pas à être très propre au premier passage. Tu peux même faire comme ça. Tu vois, tu fais ce que tu veux. En fait, t'arrêtes pas de traiter, tu vois, de faire des allées et venues, de tapoter, de prendre de la couleur, d'en enlever. Là, quand ce pinceau, tu vois qu'il est un peu gros pour faire cela, bah, tu peux le faire avec un plus petit pinceau, tu vois. Si tu trouves que c'est un peu gros pour traiter tous ces passages-là. Mais voilà. L'idée, là, tu vois, là, j'ai un peu de chair là qui a débordé ici. Mais je vais reprendre du vert. Donc, je vais refaire mon biceps, là. Voilà. Toc, 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 toc. Voilà. Donc, au début, je cherche à poser ma couleur. Et puis, après, je viens un petit peu la fondre, ici. Là, je suis hors cadre. Pardon, messieurs, dames. Pardon, messieurs, dames. Je reviens dans le cadre. Voilà, 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 voilà. Je peux revenir ici. Traiter de la lumière encore un petit peu plus claire. Ouh, elle tousse beaucoup, ma pépette. Hein. Le soir, c'est comme ça. Elle tousse en ce moment, elle tousse beaucoup. Bon, on a fait les tests, on verra bien. Elle n'a pas de fièvre, c'est l'essentiel. Elle est quand même en forme. Mais elle se prend des quintes de toux le soir, assez costaudes. Voilà, donc là ça a marqué, vous voyez. Donc là j'ai encore marqué en intensité une lumière un peu plus forte. Voilà, je peux le faire ici aussi. Voilà, on tapote. Voilà. Et après on vient flouter un peu aux bordures. Voilà, je fais mon dégradé dans le frais, quoi. Et en séchant, ça s'estompe hein, aussi, hein, toujours. Hein. Ces sauts de couleurs qui peuvent paraître un peu violents, vous allez voir que en séchant, ça a tendance à être moins violent comme saut de lumière. Voilà, là on a rectifié encore un peu. Là aussi. Là on va pouvoir le faire aussi sur le bide. Voilà. Donc on va monter un peu en lumière là. Ici. Voilà, on rajoute un peu de vert ici aussi. Tac, tac, tac. Voilà. Sur les cuisses là. On peut apporter un peu de lumière, mais bon. En restant un peu timide. Pas trop fort. Donc on va venir avec un peu de vert foncé ici. Voilà. Voilà, donc j'ai avec un peu de vert foncé à l'intérieur des cuisses ici pour éteindre un peu cette partie-là. Voilà.
Bon, bah on est pas mal. Sur le visage, on va essayer de chercher maintenant un peu le graphisme du visage, n'est-ce pas, de cette figurine. Maintenant qu'on a quand même assez bien distingué notre corps, là. Dans le dos, c'est assez plutôt pas mal. Je vais venir ici avec un pinceau un peu plus fin, travailler un peu moins bourrin. Donc ici, pareil, je vais chercher un peu les volumes ici. Donc je tapote, vous voyez, j'ai attrapé la lumière. C'est-à-dire je pose où doit se situer la lumière. Et après, je viens estomper. Voilà. Allez, on va faire pareil ici. Je pose où doit se situer la lumière. Et après, je vais venir... estomper. Voilà. Donc là, j'ai un premier mollet qui est éclairci. On fait pareil de l'autre côté. Je vais essayer de bien vous montrer là ce qui se passe en zoomant davantage. Je pose la lumière ici. Donc ça, c'est du Scorpion Green. Voilà, je le pose très clairement. Au fur et à mesure que je descends, j'ai mon pinceau qui se décharge. D'accord ? Je le mets dans la bouche, mais après, vous pouvez tremper un peu dans l'eau, faire comme ça, essuyer sur le sopalin. Vous faites comme vous voulez. Vous remontez par en dessous et voilà, vous venez essayer de flouter un peu la transition, c'est-à-dire de remonter, de faire descendre un petit peu ce Scorpion Green, mais je ne touche pas à l'endroit où je l'ai posé ou à l'endroit le plus clair. C'est en dessous, à sa bordure basse que je le touche, pour le fondre un peu, si vous voulez, avec le vert. Voilà, ici, vous voyez, je traite le volume, et après, je viens estomper, voilà, tout simplement estomper la transition. Essayez de la faire disparaître un petit peu. Faire pareil ici aussi. Pareil. Voilà. Donc je pose à chaque fois mon Scorpion Green. Et après, voilà, je viens un petit peu estomper. Vous voyez, le but, c'est de faire apparaître petit à petit comme ça des volumes. Voilà, mais en conservant, en préservant un peu les creux. Voilà, donc je fais remonter toujours mes pigments. Pourquoi je les fais remonter? Parce que je vais les faire arriver à l'endroit où se pose la lumière. Là, sur les parties où j'ai un peu de rose, comme ça, là, que j'ai mis, ben, je vais tout simplement reprendre mon rose ici, en filtre coloré. Voilà, et je peux le poser, l'intensifier, un peu l'estomper, voilà. Ici, là, je reprends un peu de vert. Voilà, tout ça se fait dans le frais. Hein, vous voyez, je viens tapoter un peu à la limite ici. Voilà. Et voilà. Tout simplement. Si je veux rajouter un peu de couleur un peu sympa dans les ombres, je peux prendre un petit peu de bleu ici. Je viens marquer l'avantage. Voilà. Peu de bleu ici, là je viens le fondre. Ici je rajoute un peu de vert là pour faire une transition un petit peu plus souple. Voilà. Un peu de vert clair ici parce que je vais faire des petits traits parce que je commence à avoir le pied qui commence à réapparaître. Voilà. Donc là c'est le coup de pied que j'éclaircis. Hein. J'essaye de rester sur l'éclaircie du coup de pied essentiellement. Voilà, ici, je reviens avec mon vert clair ici, attraper mes petits doigts, boudiner. Voilà, donc je les marque ici, là il y en a un, là aussi. Voilà, je projette. Il y a le flanc du pied aussi qui attrape la lumière, là vous voyez, ici. Donc c'est toutes ces petites zones là qu'il faut attraper, vous voyez, mais avec de la peinture assez diluée. Et à fondre après tout simplement les bordures pour une bonne incorporation. Voilà, là, ici, là c'est placé. Une fois que c'est placé, après je reviens avec le pinceau un petit peu déchargé. Voilà, et j'incorpore en fait. Voilà, ici je reviens. Si je vois que le saut de lumière il est un peu trop franc, je prends un verre un peu plus éteint, un peu intermédiaire, mon vert plus clair, et je fais une transition. Si je vois que j'ai un peu de mal,
que l'éclaircie est trop violent, que j'ai du mal à le fondre, et ben je passe par une petite étape intermédiaire. Voilà. Là, sur l'intérieur du pied, je pense que je peux reprendre du bleu. Ça fonctionne assez bien, là, ce bleu-là, dans les ombrages. Voilà. Et après, toujours penser à flouter les transitions. Voilà. Comme je le fais là. Rattraper toujours un petit peu de lumière dans vos volumes. Dès que vous avez une petite bosse ou quoi que ce soit. Même si c'est dans l'ombre, ça prend un peu de lumière. Donc vous devez la traiter, quoi. Voilà. Bon, ben voilà. On a cette jambe-là. Commence à être un peu dessiné, vous voyez. Si c'est pas assez dessiné à votre goût, vous pouvez revenir hein, dessus. Hein. Vous voyez, là, je le refais, hop, je marque encore davantage, tac, tac, tac. Une fois que le volume est marqué, avec le fond de mon pinceau, je fais remonter tous mes pigments. Hein. Voilà, pour l'éclaircir encore un peu davantage. Alors, un peu de vert et de bleu pour mes ombrages. Mélange de vert et de bleu qui fonctionne pas mal. Ici, ici, tac, ici. Voilà. Donc là, je marque un petit peu, vous voyez, davantage avec des petits jus comme ça. Voilà. Ça me permet d'aller chercher des ombres un peu plus fortes. Vous voyez, je le fais là, je la surligne un peu cette ombre-là. Volontairement. Pour la rendre un peu plus costaude. Alors ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein, c'est de la définition, on appelle ça. On n'est pas obligé de le faire sur toutes les tous les volumes. Mais si vous voulez que, voilà, que ça gagne un peu en structure, c'est pas inintéressant. En séchant, si c'est un peu violent, vous pouvez toujours l'estomper après avec en reposant des filtres de verre dessus. Hein. Voilà, si vous voulez des transitions un petit peu plus douces. Voilà comment on le fait là. Ici, retrouver un peu de luminosité sur ce coup de pied là. Voilà. Reprend un petit peu mon rouge pour faire ma petite transition là. Tac 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 et voilà. Voilà, notre pied commence à avoir un peu de l'allure, il commence à être un peu fondu, vous voyez, et à gagner en définition en fait, surtout. Vous voyez, celui-là par exemple, il n'a pas de définition, celui-là il en a plus déjà. Un retardateur, alors attends, le pinceau se décharge. Guillaume, et toi, tu peins quoi? Oula, ça discute, ça discute. Moi, je cherche avec vous et Visio, avec Malou et Romain. Et c'est moi qui suis mal luné. Un retardateur? Non, j'ai pas de retardateur, là. Mais on peut utiliser du retardateur si on est plus à l'aise. Hein. On peut... voilà, la palette humide, en fait, comme dit Thierry Var, ça permet de garder les mélanges humides. Mais après, si on est plus à l'aise, on peut utiliser des retardateurs. Hein. Il y en a qui sont plus à l'aise avec des retardateurs. Ça marche aussi, quoi. Ça marche aussi. Là, je repose mon verre. Hop. Ensuite. Tac. Voilà, là, j'ai reposé un peu de verre ici aussi. Un peu de verre là. Et un peu de verre ici aussi. Voilà. Là, hop, on peut toujours utiliser
un peu de mon ombrage pour venir en définition ici. Voilà, je creuse un peu. Vous voyez, ici, c'est très subtil, mais des fois, c'est juste des petites touches, hein, comme ça. Hein. On va creuser un peu le volume. Voilà, je creuse. Là, pareil, je prends mon mélange un peu bleu-vert et je viens creuser ces volumes-là, vous voyez. Donc, j'hésite pas à les placer, hein, je les marque. Et après, voilà, je viens essayer de les estomper. Hein. Déjà, en séchant, vous voyez, déjà, ça s'estompe un petit peu. Mais après, avec des filtres de vert, de rouge, selon l'endroit où ça se situe. Là, je mets un filtre rouge parce que ça débordait un peu cet ombrage sur ma partie sur laquelle j'ai apporté la tonalité rouge. Ben voilà, je viens retraiter ici. Donc, je gagne un peu, vous voyez, en définition, sur les muscles, sur tout ça, en travaillant toujours avec des petits filtres comme ça, très légers. Vous voyez, mon pinceau, il est à peine chargé. Vous voyez, c'est juste ça. Et vous voyez, avec ça, on fait beaucoup de choses. On fait tous ces petits détails-là qui ont l'air de rien. Mais c'est ça qui donne tout le volume. Si je fais pas ça, je n'ai pas mon volume. Et évidemment, là où j'ai traité un creux, je vais aussi traiter une lumière avec mon vert clair. Voilà. Et là où finit mon pinceau, c'est là où viennent se déposer mes pigments. Donc si je veux l'incorporer délicatement, vous voyez, à chaque fois, je descends avec un pinceau de moins en moins chargé pour faire disparaître ma touche de vert que j'ai implantée. Voilà. Donc je pose le vert à l'endroit où ça doit être vert. Voilà, par exemple ici, là, ou ici. Et après, je viens flouter, en fait. D'accord ? C'est-à-dire, je viens fondre cette pose de lumière. Voilà, comme ça. Voilà, si vous arrivez à maîtriser ça, si vous êtes assez à l'aise avec ces techniques-là, vous pouvez faire beaucoup de choses, et assez rapidement. Vous pouvez assez rapidement obtenir de bons résultats en peinture sur figurine. Si vous êtes assez à l'aise avec ces allers-retours palettes assez rapides, comme vous voyez. Alors moi, c'est un style de peinture qui me plaît. Pourquoi ? Parce que c'est rapide et que ça correspond bien à mon tempérament. Voilà, parce que si c'est trop long, bah, ça m'ennuie un peu. Donc c'est un peu travail dans le frais, un peu, voilà. Et d'où l'intérêt de la palette humide, parce que vous voyez, je peux poser mes valeurs et après je viens tout simplement les estomper, les incorporer. C'est toujours la même technique, d'accord, de travail, c'est-à-dire de pose d'une valeur et après tout simplement d'estomper un peu autour pour que cette valeur s'intègre bien. Ici, vous voyez, je refais venir de la lumière avec ce vert clair là, vous voyez, et de suite, hop, j'ai mon rouge dans la palette là qui est pas très loin, et bim, voilà, je viens fondre à l'intersection des deux, c'est-à-dire du rouge et du vert. Après, je peux hop, venir intensifier mon rouge ici un peu comme ça, tac, tac, tac. Voilà. À partir du moment où je travaille dans le frais, je prends pas de risque. Je corrige toujours parce que je fais beaucoup d'allers-retours avec mon pinceau. Donc ça permet assez rapidement de toujours corriger le tir. Si j'étais en train de faire une boulette. Après, on peut rajouter un peu de texture, vous voyez. Des petits traits comme ça. Là, j'en ai un là, hop, hop, voilà. Toujours intéressant de rajouter ces petits traits là. Ça donne de la structure un peu à vos traces, quoi. À vos plis sur la chair, etc. Voilà. Donc sur les jambes, je ne sais pas si on va aller nécessairement plus loin. Ouais, allez, on peut gagner un peu en définition sur le pied parce que c'est vrai que les pieds sont assez intéressants sur cette figurine. Ils prennent de la place. Donc, allez, je vais faire des micro petits détails sur les pieds. Voilà. Donc je fais des petits traits, voilà, pour suggérer un peu des volumes. Voilà.
toujours un petit peu. Pas très loin de moi, mon verre intermédiaire, ici. Voilà, donc je démouille bien ces couleurs-là. Toujours garder ces mélanges humides, hein. Donc rajouter de l'eau. S'il faut. Voilà. Travailler avec de la peinture qui soit bien diluée. Voilà. Tac, tac, tac. Et ici. Voilà, pour fondre un petit peu ici. Un petit peu de bleu. Parce que c'est l'intérieur du pied. Donc dans l'intérieur, là où c'est des zones très ombrées, j'hésite pas à mettre des touches de bleu. Voilà. Voilà, parce que le bleu, c'est voilà, c'est mon ombrage. Et c'est un ombrage qui fonctionne bien. Voilà, donc là, pied, c'est bon, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On peut gagner un peu en définition, comme on l'a vu sur certaines parties du pied. On va le faire à certains endroits, pas partout. Parce que si on le fait partout, ben, ça va être trop. Et le trop est l'ennemi du peu, du bien, je ne sais plus comment on dit. Hop. Voilà, donc je vais juste marquer un peu la texture comme ça pour suggérer un peu des petits tendons, des phalanges, des petites accroches comme ça là au niveau où la peau, vous voyez, est un peu en surépaisseur au bout du doigt là avant l'apparition des ongles. Voilà, donc je vais faire ça là ici aussi. Après on peut aller encore plus loin dans le délire hein, si on veut faire de la figurine de concours hein, mais passer plus de temps sur ces détails là, mais voilà, déjà un peu les faire apparaître, ce sera déjà très bien. Voilà, là comme ça. Après, quand je ferai mes ongles ici très clair, bah, ça va être intéressant. Quand je vais faire mes ongles plutôt, ça va encore contraster avec le avec ce vert là, et donc ça va gagner en lisibilité. Allez, je me refais un petit coup ici un peu plus clair parce que je me rends compte que c'est peut-être un peu timide encore. Voilà. Voilà, là c'est pas mal. On voit suffisamment. Voilà, j'en rajoute un petit peu plus haut, histoire que ce soit ça fasse pas juste ce bout-là, là. Cette peau là, cette limite des peaux avec les ongles qui est que ça qui soit éclairci, sinon ça fait un peu artificiel. Donc je fais un peu remonter avec des petits traits de texture sur les doigts. Et voilà, comme ça j'ai suggéré mes doigts. Là c'est pas mal. On est pas mal. Allez, je prends mon vert que je vais mélanger avec mon rouge, mon vert, ma couleur chair que je mélange un peu avec mon rouge. Et ça, ça va me servir à faire texturer un peu les genoux là, vous voyez, parce que sur ces genoux là, j'ai suggéré un peu de rose, mais j'ai pas trop texturé. Donc voilà. Tiens, un peu de bleu là ici là, pour faire un peu les ombrages là ici. Là, ici. Voilà. Là, on est pas mal. Un peu d'ombre ici à l'intérieur du genou. Tac. Voilà. Ici, c'est pareil. Voilà. Ici, un peu de point clair ici. Voilà, juste des petits traits comme ça. Deux, trois petits traits. Voilà. Pour faire apparaître le genou. Là, pareil. Voilà, des petits traits juste comme ça. Ça suffit. On est pas mal. On est bien. On est pas mal. Le bidou. Le bidou, est-ce qu'on y revient un petit peu? Ouais, parce qu'il y a un peu des textures qui prennent des micro-textures, là, qui prennent un peu plus de lumière. Donc, écoutez, on va les mettre en valeur. Elles sont assez petites, ces micro-textures, là, qui prennent de la lumière. Il faut le voir. Mais elles sont quand même là. Voilà. Ici, voilà. Donc, pareil. Ramener un peu de lumière là.
sur le haut. Ici, venir avec de la chair. Voilà. Donc, j'hésite pas, vous voyez, je fais des allers-retours comme ça avec mon pinceau. Après, je viendrai flouter les bordures, mais là, le but, c'est d'apporter la couleur chair ici. Voilà, je pense que c'est pas mal. Sur les jambes, on va apporter un peu de lumière sur les jambes. Même si elles sont un peu en retrait, elles prennent un peu de lumière au moins là, au moins sur le début, vous voyez, quitte à faire disparaître après. Donc pour lier avec mon torse, donc je fais quand même un petit traitement lumière ici. Et je le descends et je le fais estomper petit à petit. Vous voyez ? Voilà. Donc comme ça, ça intègre plus la jambe avec le haut du corps ici. Sinon, c'était trop tranché. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. On va venir un peu apporter la lumière ici. Si c'est trop fort, je l'éteins un peu avec mon verre intermédiaire. Voilà. Ici, là, je vais l'éteindre un petit peu. Voilà, c'est mieux intégré ici. On va faire un peu de transition un petit peu plus dans le frais. Un peu moins forte. Voilà, on va remonter un peu ici, un peu là. Voilà, vous voyez, je suis à la recherche de la bonne intensité. Donc je corrige, je descends un peu l'intensité, je la remonte jusqu'à arriver à une intensité où je me dis, là c'est pas mal. Voilà, là on est bien. Là, c'est bien intégré. Là, moi, j'aimerais bien un petit peu, très léger, hein, mais comme j'ai commencé à le faire ici, un petit peu de reflet marronasse, là, c'était pas mal, ça. Par contre, on va essayer de mieux l'intégrer. Voilà, donc on va le faire disparaître un petit peu comme ça. Voilà, voilà. Voilà, donc là j'ai un peu de marronnasse sur le côté du bit, ça ajoute un peu de texture, c'est pas mal. J'aime bien, je vais faire pareil de ce côté-ci. Ça casse un peu la monotonie de ce vert, vous voyez, ça donne un peu de tonalité. Donc je vais le refaire ici aussi, ce petit exercice-là. Voilà, un peu en arrondi pour respecter la forme du corps. Voilà, c'est pas mal. Là, sur le dessous, des pecs, pour ajouter un peu de bleu, là. Très léger, pour amener un peu plus d'ombre. Voilà. Ici, là, je vais amener un peu plus d'ombre, là. Là, ici, hop, carrément y aller. Avec ici, peut-être même un peu noir aussi, puisqu'on est sur une ombre qui est très forte. Voilà. Pas hésiter à revenir après équilibrer, hein, avec un peu de vert. Voilà, là je suis dans la correction, l'ajustement. Voilà. Un peu de vert ici, un peu de bleu plutôt. Voilà. Là, on est pas mal. Ici, mon ombrage, je remonte. Je vais encore continuer à bosser mon ombrage. Après, je fais une petite pause et je lis votre chat quand même, les copains. Parce que quand madame Etipi n'est pas là, effectivement, ça lit beaucoup moins. Hein. Je le sais, les copains. Donc je vais dire un peu ce que vous me racontez, quand même. Tac, tac, tac. Voilà, là je marque, j'essaye de ramener fort la lumière ici, là, sur ce creux là. Parce que c'est un creux qui est quasi à plat là, donc qui prend la lumière, c'est sûr. Donc c'est bien d'y amener
de la lumière ici. Donc je vais même laisser sécher un petit peu. Souffler dessus. Et rajouter encore de la lumière. Et les tétés, on va faire les tétés et puis après on va faire le visage. Voilà, c'est un peu séché, je pense. Allez, on peut revenir tapoter ici encore un peu de lumière. Voilà. C'est pas mal, là, cette lumière forte qui vient taper là. Ça fait un peu plus le côté sain. Les tétons, là, on va traiter ça un peu comme ça, les tétons. Un peu rose, je pense que c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Il y a de l'idée. Voilà. Rajouter un petit peu de bleu dans ce rose pour le fondre. Voilà, ça va se rapprocher un peu plus du violet. Voilà, là c'est pas mal. Et on va se faire des petites pointes de tétés. Hop. Voilà, très bien. Pouf. Voilà, et puis on va tapoter un petit peu autour, on va faire des tout petits points pour ajouter la texture, vous savez, de la... un petit peu du petit tété, quoi. Vous savez, ces petits... on a un peu la chair de poule autour du petit tété, là, hein, quand il fait froid. Quand il fait froid, on a notre petite chair qui sera cornie, on a des petites pointes comme ça sur le petit bout du tété. Vous voyez de quoi je parle, hein? Tout suit ça. Voilà. Là, on est bueno, bueno. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Rajouter peut-être encore un peu de lumière ici. Pour lier encore davantage. Donc là, vous voyez, j'ai encore rajouté du vert clair ici. Voilà, pour lier, pour essayer de lier davantage avec le haut du corps. Voilà, je pense que ça marche mieux là, ça lie davantage. Et on va faire pareil de ce côté. Essayer de lier un petit peu plus. Ouais, bien que c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus en retrait là. Je ne sais pas si c'est très justifié d'amener un peu de... On va le faire juste là. Par petites touches, on va le faire comme ça. Allez. Donc on va poser notre couleur là, hop, et on va venir estomper en bordure. Voilà. Voilà. Là, c'est pas mal. Allez, maintenant, petite pause et après, je lis le chat. Le chat. Alors, qu'est-ce que vous dites de beau? Est-ce que ça marche plus? Est-ce que ça marche bien déjà? Est-ce que ça marche bien? A priori, ça défile. Je regarde juste ici si on n'a pas un souci. Non, on est bon. Alors, François Pichy, bonne nuit, Leftaos. Il fait quoi là? Mais n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi ce qu'il fait avec ses pinceaux là. Cette espèce d'abruti. Si tu as un magasin de beaux-arts, un retardateur pour peinture acrylique est précis, et figure générale, si ça marche, le vendeur donnera un truc sûrement moins cher. Elle claque cette fixeuse. Merci Frédéric. Il faut que j'arrête de lire les trucs. Là, j'ai eu chèvre, le bâton. Pas le bâton. Merci, j'ai justement un mag de loisirs créatifs pas loin. T'es raillé. Je vous laisse sur cette note de fraîcheur, les amis. Point de télé, je vais me coucher. Bonne nuit. Bonne nuit, François Piquet, Adeptus. Et en partant de dilution, est-ce que la peinture Mordant Earth peut se diluer? Je sais pas du tout. J'aimerais garder une courche assez fine, mais ici, je sais qu'il vaut mieux ne pas être avare avec ce genre de peinture. Est-ce que tu penses utiliser des shades? Ah, est-ce que je pense utiliser des shades sur cette figurine? Je sais pas, je pense pas. Je pense pas. Je pense pas, je pense que j'ai... je pense pas, je pense que j'ai ce qu'il faut. Alors, attends.
essayer de garder ça parce que c'est bien bon la palette figurine, mais après il faut qu'on puisse voir un peu ce que tu fais. Voilà. Donc là, on a fait ça. Maintenant. Je vais rajouter un petit peu aussi de très léger entre les doigts, un peu de filtre rouge. Vous voyez, très léger comme ça là. Hop. Entre les doigts. Je vais m'en faire un petit peu ici aussi, un petit peu là, un petit peu là. Voilà, parce que c'est pas mal, ça permet d'ajouter de la lisibilité. Et puis ça rajoute un petit quelque chose. Et on va attaquer le visage. Alors sur le visage, tiens, je vais faire un petit shade. Bonjour mon cœur. Pour gagner en lisibilité sur mon visage, peut-être. Oh, mes gougouttes. J'ai abîmé le chat. Oh, t'as abîmé le chat. Elle a abîmé le chat. Le chat. Bon, notre petite s'est bien endormie. Elle a toussé beaucoup, hein. Ouais, elle toussait beaucoup et elle est très pénible, je trouve. Ouais, comme sa mère. Ouais, d'accord. Alors eh ben ils vont bien, alors, très calme, parce que moi, peut-être pas calme, mais comme je lis moins, forcément je vois moins, hein, ce qui se passe. Là, vous voyez... Je pense utiliser des shades. Je pense pas. Là, regarde, tu vois, j'ai mélangé du vert avec mon bleu foncé, mon vert moyen et mon bleu foncé, là, très mélangé avec de la flotte, et je vais essayer d'aller choper un peu les creux, là, comme ça, tu vois. Donc, je me fais un shade, en fait, maison. Touk, 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 voilà. Il y a un qui dit, elle ne s'est pas arrêtée encore la caméra palette. C'est vrai. Oh, bien vu. Pas du tout depuis le début. C'est vrai, putain, j'avais même pas pensé à ça. C'est vrai, il a raison. Alors, est-ce que c'est parce que je suis plus intervenu dessus? Je pense que ça s'éteint parce que la caméra ne détecte, des fois, elle ne détecte pas de mouvement et du coup, elle s'arrête automatiquement. Il faut que je trouve le moyen d'enlever ce paramètre. Mais qu'est-ce qu'il en raconte? Alors, j'ai raté une partie, mais Mathieu dit par contre, Madame Tipeee est partie. Non, elle est revenue. Et Malou dit, oui, Mathieu, on voit plus Joanne d'ailleurs. Bah oui, ça, c'est. On le sait hein, maintenant. De toute façon, moi, je ne suis plus dupe. Je sais très bien ce qui se trame. Donc, vous voyez, j'ai mis du bleu et c'est pour aller chercher mes creux sur le visage. Alors, je remonte un peu parce que je vois Adeptus. Et en parlant de dilution, est-ce que la peinture mordant Hers peut se diluer? J'aime garder une couche assez fine, même si je sais qu'il vaut mieux ne pas être avare avec ce genre de peinture. Eh ben, je sais pas. Parce que je ne connais pas le Mordant Earth. Je ne sais pas ce que c'est que le Mordant Earth. Zoz, tu verras, il dit Zoz et le col, tu vas le faire comment? En roue et vert. En roue et vert, c'est ça que t'as voulu le mettre? Le col? Mathieu, parce que c'est roue et vert qui a écrit. Le col? Qu'est-ce que c'est que le col? Ah, le socle, apparemment. Ah non! Il écrit après, le socle. Ah non, socle noir, base noire, c'est le client. Voilà. Par rapport au... Alors après, si toujours pareil, hein, c'est une question de budget. Hein, s'il le souhaite et qu'il a un peu plus de budget, on peut passer sur des socles travaillés. Mais bah, évidemment, ça demande du temps. Donc forcément, c'est un peu plus cher. Donc non, on a opté, lui, par rapport à son budget et ce qu'on souhaitait faire. Le meilleur compromis, c'était figurine assez bien peinte et socle noir. Tout simplement. J'en profite le temps que mon visage sèche un petit peu. Ah bon, pourquoi tu rajouter... mets quoi sur ton visage? Rajouter un peu de volume à cette partie-là, vous voyez. Donc je rajoute des petites touches de vert pour redonner un peu des volumes à toutes ces bosses-là. À toutes ces babas. Alors... Où j'en suis Où j'en suis? Où en étais-je?
Mordant Earth, c'est la peinture technical qui craquelle. Ah, d'accord, ok. Je vois. Ouais, ça coûte un bras, ces peintures technical. Hein. Moi, je vous conseille, tiens, les gars... Tu vois, regarde. Hein, quoi? Ben, y a un bon, là, il est faible. Ça va, il y a un décalage que d'une ligne. Ah. Moi, je vous conseille d'utiliser des trucs comme ça, les copains. Ça vous coûtera moins cher sur le long terme. Utilisez des gros trucs comme ça. Voilà. Valero, extra texture. Avec ça, t'en as pour la Videra. Ça coûte, je sais plus combien. Ça coûte peut-être plus cher que voilà, votre pot de base. Hein. Le pot de base de chez Games. Mais c'est vachement plus rentable que les trucs Games là pour texturer. Et puis la texture que vous obtenez, elle est plus intéressante. Je trouve. Qu'est-ce que je peux vous montrer en exemple sur une figurine là que j'ai. Un qui dit c'est 500 euros avec le socle travaillé. Tout à fait. Et Mathieu justement dit, et du coup là sur une figue comme ça, tu peux regarde. Donner un prix ou c'est privé? Non, je peux donner un prix, il n'y a pas de souci. Alors regarde, là le socle, je vais te donner, hein, je finis juste l'explication. J'allais dire, je peux le faire. Je peux le faire, mais je ne le dirai pas. Non, non. Là, ici par exemple, tu vois, sur ces... sur celle-ci, tu vois, c'est le truc que j'ai utilisé tout à l'heure, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Earth texture, vous voyez, texture terre. Vous voyez, ça fait le job, hein. Ça fait le job, une fois que vous frottez ça, vous tapotez un peu, voilà, vous avez une belle figouze. Voilà. Et ben voilà, et ben ça coûte beaucoup moins cher que cette couturière. Alors, sur cette figurine-là, alors le prix, il est assez... Alors, c'est relatif parce qu'en fait, si je te donne un prix indicatif, ça va être compliqué. C'est pas que je veux pas le donner, mais tu vas comprendre pourquoi. Dis-le ce que tu parce ouvres, que parce c'est que tu crois une... que c'est un truc de peinture, là. Non, c'est de la drogue. J'ouvre un petit gars, un petit parce chocolat. Parce que là, on le voit trop bien dans ta vidéo. Sur cette figurine-là, si tu veux, normalement, ça, là, je vais te dire 45 euros sur cette figurine-là. D'accord ? Mais ce serait normalement plus cher. Mais pourquoi c'est 45 euros ? Parce qu'il y a aussi le volume de la commande. C'est-à-dire que quand un client me commande un gros volume de figurines, les tarifs sont dégressifs, évidemment. Pas trop non plus, parce qu'il faut que je m'y retrouve. Mais le prix baisse un peu. Là, du coup, par rapport au volume de commande qu'il m'a envoyé, cette figurine-là, c'est comme si elle lui coûtait à peu près 45 balles. Ce qui n'est pas cher. Hein. Par rapport au niveau de peinture dans lequel elle sera quand elle sera terminée, je trouve. D'autant qu'en live, souvent, je peaufine un petit peu plus. Donc, voilà. Voilà. C'est 10 euros, le pot Prince Auguste. Bah, tu vois, quelqu'un vient de donner le prix. Oui. 10 balles, vous en privez pas, les gars. Moi, je l'ai acheté... Ah oui, j'utilise des gros pots de texture Prince Auguste. Mais oui, prenez ça, les copains. Arrêtez de, bah, d'acheter des pots Gaps, là, qui vous foutent un bras. Là. Alors, il y a même 3 grammes pour dedans. Un effet craquelé, utiliser du marc de café. Ouais, peut-être, il y a plein de techniques, je suis sûr. Vous savez, j'aime si... bien ce côté zéro déchet, j'aime si bien. Vous... Je peux en avoir un autre, sur quoi ? Non, mais tu pourrais... j'aimerais bien que tu insères dans ton auto-entreprise le zéro déchet. Mais t'as craqué ton problème. Non, je pense que ça serait bien. On est zéro déchet au maximum à la maison, pourquoi tu le ferais pas dans le boulot ? Bah oui. Bientôt, tu vas me dire d'arrêter de faire caca. Tu récupères déjà des bouchons en liège, des des trucs qui ne me servent plus, des flacons, des bocaux. Bah, je t'ai bien récupéré, ça, toi. Ça, je savais pas quoi en foutre. Maintenant, tu l'as récupéré pour ta peinture de merde. Le torchon, c'est de la récup. Tout est de la récup. Ça, ça, c'est le gars, là. C'est, ce gars-là, c'est de la récup. Bon. Bon. Donc, le reste aussi. Donc, j'aime bien. Mon j'aime Dieu. Bien, Malou, ton idée. Mon Dieu, mon Dieu. Je sais pas de quelle couleur sont ces griffes. Impossible pour Zoz, nous sommes là. Bien envoyé. Enguerrard, il a dit impossible, zéro déchet, parce qu'ils sont là. C'est drôle, hein, ce qu'il a dit. Hein. Le gros pot Valero, ça coûte combien par rapport au pot Games, dit Mathieu. Bah, apparemment, 10 balles, il y a quelqu'un qui a dit, là. Donc, vous en privez pas. 10 balles, vous vous rendez compte. En général, je texture moi-même, mais là, c'était pour un effet lave, dit Adeptus Barbouillus. D'accord. Ah, il y a Frédéric Fomentin. Attends, il faut le... Ok, c'est fait. Il faut afficher parce pardon. Qu'il a pas... Afficher. Il a mis « Waouh, comment il s'enfile les barrettes de shit, le Zoz ?» Mais c'est pas du shit. Merde, je trouve plus le... Le gros truc, là, 10 euros, il demande Mathieu, et Mathieu Verret, il insiste. Ah, les griffes, on les fait comment, les griffes, là? Alors, en zéro déchet... Sur l'artwork, c'est pas clair. Hein. Zéro déchet, recyclez vos femmes, dis donc. Sur l'artwork, c'est pas très clair. Les griffes, on va les faire un peu marronasses, les copains. Hein, je pense qu'on va, on va se démerder avec ça. Voilà. Attendez, il faut que je vous remette... Oui, ça fonctionne super bien, dit Malou.
qu'est-ce qui fonctionne très bien? Tu me promets que t'essaieras le Bien sûr, café. Mais bien sûr, mon cœur, attends, non, tu me connais. Mais ça me paraît évident pour un effet craquelé, voyons. Même moi qui fais pas de la peinture, je le sais. Oui, le visage. Allez, on se fait ce visage là? Un petit peu là, on peint bien, hein, un petit peu là, on fait du skill. Merci madame Tipi-Malou, je t'en prie. Je soutiens. Allez, on est parti. Visage. Bah tu verras, il dit je suis déjà 80 kilos de déchets moi. Alors Thierry Var, je sens, je vois écrit madame Tipi, je sens le scud. Non, madame Tipi fait tomber le rendement du peintre Zeus de façon drastique. C'est vrai. C'est vrai. Putain, j'ai envoyé du pâté là, j'ai fait des jambes et tout. Je suis désolé. J'ai été attaqué là, niveau studio là. Je t'ai fait des mollets bien sculptés en 2-2 là. C'était côté chat. J'entendais que ça allait pas. C'est vrai. Alors là, regardez. J'ai fait mes ombrages. Hein. J'ai une espèce de canevas ombrage un peu vert rouge, tout ça là, ça me va bien. Peut-être même rajouter un peu de. Voilà. C'est ça que tu voulais. Rajouter un peu là, vous voyez, dans les pommettes là, un peu de cette couleur-là. Faut s'amuser, vous voyez? Je m'amuse, là, je mets un peu de violet. Le marc de café, ça éloigne les limaces, en plus, et c'est vrai. Ça éloigne les limaces? Bah, le marc de café, c'est super génial. Et tu te rappelles pas que notre voisine, elle nous a conseillé de faire ça pour les petits moucherons, quand j'avais plein de petits moucherons, là, à l'automne? Non, mais ça, c'était par rapport à ton hygiène, ça. N'importe quoi. Alors, maintenant, donc là, hop, ça ici... Là, j'ai mon verre un peu ici. Voilà, je me suis fait deux petites taches de peinture un peu diverses. Je referme mon pot de scrolling scrubbing. Il y a Mathieu Véré qui demande et en quoi tu les fais les tétons? Les tétons, là? Ben, je les fais avec ce que j'avais dans ma palette, c'est-à-dire un peu de rouge, un peu de bleu et un peu de chair. Voilà. Bon, j'essaye d'utiliser... d'abord, parce que c'est désagréable, ça. Il est bon, celui-là, de chocolat, hein. La pyramide, là. Très bonne. Il y a du caramel dedans. Ah, tout pour ça. Ah, très bon la caramel. Oui, je pense que tout le monde est content de le savoir. Ouais, dis donc. Donc j'essaye, autant que faire se peut, les copains, c'est ce que je vous invite à faire, à utiliser ce que vous avez dans votre palette. De rester dans votre gamme de couleurs de palette, parce qu'une palette réduite, c'est une meilleure cohérence, au final. Donc j'ai utilisé un peu un mélange de tout ça. Faut pas hésiter à mélanger hein, vos trucs sur la palette, tu vois, ma palette ouais, ça part faut en sucette. Mélanger, hein. Hein, c'est sûr. Et parce que quand tu mélanges, bah, t'obtiens des teintes sympas et plus riches que celles que tu as en sortie de peau. Alors Guillaume, il dit, vu comment tu t'éclates avec la peau, que j'adore, je n'ose imaginer ce que tu vas faire sur l'épée et le reste. Je veux voir la fin de cette fille, il dit en majuscule. Eh ben écoutez, voici, vous savez quoi, vous l'avez demandé. Vous l'avez crié. C'est ce que j'allais dire. Eh bien, je vais la faire en live intégralement. Oui. Oh non, on va finir à 2h du matin. Mais non, pas ce soir, mon cœur. Ah bon. Mais elle sera intégralement faite en live, celle-ci. Mais tu peux attendre pour la renvoyer au client? Parfaitement. Ouais. Parce qu'en attendant, j'en ai d'autres à peindre. D'accord. Je fais les pommettes. Est-ce que les clients pour qui tu peins, ils regardent tes streams? Des fois, oui, parce que des fois, je me fais crever. Il y en a, il m'a dit, ah ouais, t'avais dit que tu pouvais gâcher la figurine et tout. Mais ils rigolent, les mecs, ils savent très bien que je plaisante. Donc voilà, là, je pose ma lumière, vous voyez. Je pose ma lumière, je pose mon verre, là. Hein, franc du collier. Parce que là, c'est la pommette, il y a du verre, on rigole pas. Donc je pose. Et une fois que j'ai posé, je viens dégrader. Après. D'abord, je pose, ensuite, je dégrade. Est-ce que tu veux le détail de Malou pour le marc de café? Bah, qu'elle n'hésite pas à poster, ouais, ça peut être une bonne technique. Bah ouais, elle dit pour un effet terre craquelée, mettre une bonne couche d'un mélange de marc de café, peinture, eau, laisser sécher une nuit entière. Bah ouais, ça craquait. Pour un effet terre lisse, mettre une couche fine. Ok. D'accord. Bah, ça me donne presque envie de le faire, dis donc. Elle m'a donné envie de me mettre à la peinture. Ah, bah. C'est pas bon signe pour toi, ouais. Zozo, parce que je suis sûre que je vais t'éclater. Non. Oui. Voilà, pommette, on commence à marquer. On sculpte, vous voyez, un petit peu là. Ah, tu vois, Mathieu Véré, il dit Zeus qui parle en mâchant, ça tue. Oui, c'est bien ce que je pensais. Hein. Ça doit pas être très agréable. Ouais, ça doit être. C'est vrai que ça doit être dégueulasse un peu la caméra. Alors, il y a des plus qui disaient une recette précise, marque plus peinture plus PVA plus bicarbonate, point d'interrogation. Et Malou, elle lui dit bicarbonate, c'est pour faire de la neige. Ah ouais. Oui, tout à fait. Ça marche très bien pour faire de la neige. Tout à fait.
Malou, elle dit, il pense à passer le marc de café au four avant qu'il soit bien déshydraté, sinon il risque de moisir. Et ouais. Ah oui, et oui, parce qu'il y a ça aussi, c'est-à-dire que tout ce qu'on met un peu d'organique sur nos socles, ça a tendance après à... Alors Mathieu Véry, il dit, Zoz, ça t'arrive de peindre trop lentement? Oui, oui, quand je suis en live, ou quand il y a ma femme qui intervient pendant les lives. Pardon, je ne ferai plus, je me fouetterai. Ben non, bon, ça dépend, des fois, oui, des fois on n'a pas tout le temps le même rythme, des fois on est un peu plus en forme, des fois... Hank dit, il a du poil sur son bidou, je rêve. Non, il a du poil sur son bidou. Qui, moi ou la figurine? La figurine. Non, non, il a du poil sur son bidou, effectivement. Ah, Mathieu va faire pipi. Très bien, Mathieu. Alors, on lève la cuvette, Mathieu, s'il te plaît. Hein? D'accord? Ne sois pas égoïste. Chus, il dit, Mrs. Tipeee Studio, le studio qu'il vous fait, qu'il vous faut, non? Bon, il commence à te faire de la pub parce que t'as dit que t'allais peindre. Guillaume, et d'ailleurs, Malou vous invite au café et vous file le marc après. Madame Tipeee, en plus, passer le marc de café au four, ça parfume la maison. Ouais, c'est vrai. Alors moi, par contre, je suis pas buveuse de café, mais j'avoue que j'adore l'odeur. C'est vrai, toi c'est marrant ça que t'aimes pas le... Non, c'est pas marrant, c'est sain. De quoi? De pas aimer le café. Oui, c'est vrai. Non, j'ai rien contre les buveurs de café, j'aime pas ça. J'adore le thé, les infusions, mais le café, c'est pas pour moi. Vraiment pas ça. À chaque fois que je regoute, beurre. Bah ouais, c'est vrai, hein. Ça marche pas des masques. Par contre, j'adore l'odeur, c'est vrai. Hank, Dame Tipeee va peindre les santons au marc de café. Ouais, je vais te faire à la taloche les santons. Ah, ils vont être trop beaux. Bah, au moins, ils seront faits. Oui, bah, ça va. Mathieu Véry dit, je pensais qu'il ferait un visage en blanc, genre théâtre, non? Bah non, parce que sur l'artwork, c'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée, ça aurait pu être rigolo. En plus, on est dans le mode théâtre japonais, là. C'était pas idiot. C'était pas idiot, ton idée. Mais voilà, là... Ah, Bismaquette dit, tu descends un peu la luminosité, Zoz? C'est une question, apparemment. Ah, est-ce que je descends un peu la luminosité? C'est-à-dire de la figurine? Je sais pas. Bon, on va voir. Obis, réponds-nous. Oui, des fois, oui. Ah oui, je corrige. En fait, si c'est est-ce que je corrige ma lumière, je la monte, je la descends, oui, continuellement. J'arrête pas de faire ça. Je le fais souvent, tout le temps même, parce que au fur et à mesure, la manière dont je peins fait que je suis tout le temps en mouvement, dans le frais, enfin voilà. Enfin, sur un visage, moins, parce que c'est plus petit détail, mais... Si ta question c'est est-ce que tu reviens après sur tes lumières pour les corriger, pour les... Oui, complètement. Ah, je me suis dit c'est dégueu le café, rien de tel qu'un bon thé, je suis bien d'accord. Ouais, c'est vrai, moi je préfère le thé aussi finalement. Ouais, Zozo il est comme moi, il est très thé, infusion. Bon après tu bois du café. Oui, de temps en temps j'aime bien. Ouais, ça tombe bien quand même. Alors, moi tu verrais, je descends toujours la lunette, ça m'énerve ça de voir une lunette levée. La lunette des vessies, je suis sûre qu'il parle. Guillaume, et voilà, Zoz passait une bonne soirée, et il y en a un qui parle de son ton. Voilà, bravo. Voilà, mais tous niqués. Hein, il y en a qui sont pas pour la paix des ménages. Hein. C'est Hank, hein, ça. C'est Hank qui a fait dégénérer le truc. Ça va être l'hôtel du cul tourné. Hein. Ça me reste en travers, l'histoire des santons. C'est vrai, tu le vis mal, hein, mon cœur. Ah, Bismaquette, il dit de la caméra, lol. J'ai pas osé le dire, mais qu'est-ce moi, qu'il... j'avais compris ça. Que j'étais pas dans l'axe. Ah, que je baisse... Baisse la luminosité. Ah, il y a trop de lumière. Ah, bah attendez, je vais régler le truc. Alors, bougez pas. Et comme il y avait un point d'interrogation, j'ai douté. Ah, oui, mais c'est vous les chefs. Hein. Vous me dites, je fais, moi. Christophe Hardy, c'est la silhouette de Madame Tipeee, la dame en bas à droite de l'écran. Mais tout à fait, Christophe. Non, c'est mon ex. Oh, on te faire foutre. Ton ex, quel ex? Ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Ça fait pas 15 ans qu'on est ouais, ensemble. Ouais, ça fait 11, excuse-moi. Hein. Quand quoi. On est aimant, on ne compte pas, mon amour. Ouais, je compte. Hein. D'accord. Je me rappellerai de celle-là. Non, Christophe Hardy, celle de sa maîtresse, Hank. Bah voilà. Mais. Même Hank, il le dit. Mais t'es dégueulasse, Hank.
Jojo Mazzini, ah oui, j'avais pas fait le rapprochement pour la silhouette. Bah, c'est tout moi, les gars. Si, si. Alors. Ah, mon amour. Oh, bien sûr, surtout mon cœur. Surtout les gros seins. Oui, c'est tout, toi. Les gros seins, ça, puis c'est... Puis les hauts talons comme ça, c'est vraiment ma tenue quotidienne. C'est... Oui. Non, moins t'as dit. Hein. Sinon, la silhouette, c'est... Comme ça hein. Bah, ça fait sombre, là, non? Non. Laisse comme ça, pour voir ce qu'il dit. Obis Maquette, réponds-nous, si tu nous entends. Obis Maquette. Elle a l'esprit ouvert, c'est bien, dit Christophe Hardy. Très ouvert. Je peux tout entendre. Par contre, le string, oui. Oui, Hank, c'est bien moi. C'est le mien, elle me l'a volé d'ailleurs. Rends-le-moi. L'esprit très ouvert. Hein? On va faire l'échangisme, hein, mon cœur. Mais bien sûr. T'as dit tes esprits. Échanger quoi? Les peintures? Les figurines? Les chocolats? Ouh là là. Alors, est-ce qu'on est au point de... Tiens, tu vois? Voilà, encore une fois. Moi, j'ai par contre le string oui de Hank. Et en fait, toi, t'as 3 messages de plus. Obis Maquette, il dit parfait. Christophe, le vénard se zose. Bah, tu verrais, la lunette levée, c'est totalement débile et super égoïste. Sur son délire de lunettes. Mais bien sûr, Mathieu. Il va créer un collectif. Mais tu as raison, cela dit, hein, pour le coup de la lunette. Une bourse au centon pour faire échange, Hank. Fardy, un string, ça se prête pas avant le troisième lavage. Oh! Et où l'est Thierry? Je le vois plus. Thierry, il est peut-être allé se coucher. Il est parti se coucher? Il vous a pas dit bonne nuit? Thierry Vard. Est-ce qu'il sait à combien nous sommes? The viewer. Oh, bah ça a dû baisser mon cœur. Hein, quand bah on... oui, il est trop tard. Moi, je te dis qu'il faut faire des streams tôt. On a que des poules qui nous regardent. Ils se couchent très tôt, hein, c'est des petits vieux, ils nous l'ont dit. Eh oui, et bim. Ah, Mathieu, il dit, il y a un sushi avec les strings, avec le chat. Ah, ah bon? Fait chier, il y a toujours un truc. Alors, quand c'est pas la caméra palette, bah ouais. La caméra palette, c'est marrant, ça marche maintenant. Ah, Thierry, il dit qu'il est toujours là. Je suis bien contente, Thierry. Alors, dis-nous à combien on est. Bah, laisse-le tranquille, le pauvre. Mais non, je sais qu'il aime bien nous dire. Hank, ah, 52 viewers et 58 likes. Ah, bah super. Comment ça se fait qu'il y a plus de likes que de viewers? Il n'y a pas un problème, là? Bah, parce qu'il y avait des viewers avant, mais ils sont allés se coucher. Ouais. Bah oui. Parce que tu les faisais chier. Bon, sûrement, oui. Bah, c'est-à-dire qu'après, quand je peins, moi, je parle pas trop, hein, c'est vrai. 51, c'est pas beaucoup, dit Mathieu. C'est vrai. C'est vrai. Les gens se mobilisent pas. Qu'est-ce que tu veux, Félix, ce temps-là. Moi, je me rends pas compte. Sur un live peinture, je pense que c'est pas... Mathieu aussi dit, moi, je suis avec vous jusqu'à une heure au moins. Les gars, moi, je serai plus là à une heure. Il y en a marre de se coucher très tard pour peindre des petites figurines de merde. Hein. T'as craqué, toi, quoi. Quand on peindra mes santons, je resterai là jusqu'à 4 heures. Voilà. Alors, 37 MFS, mais qui c'est ça? Je connais pas, moi. Le Shibani vous regarde. C'est qui, le Shibani? Bah, je sais pas. Un peu de bleu. Ah, on va faire les lèvres. 51, que de bons souvenirs, dit Guillaume. Christophe Hardy, c'est les poules qui ont lié avant d'aller ronquer. Ronquer, c'est dodo. Oui, mais qui ont lié. Liker. Ah! Ouais, likez la rectifier. Ok. Ok, people. Quand là, je fais un peu la bouche. J'essaye avec une teinte similaire à celle que j'avais sur le genou. Voir si ça marche. Je pense que ouais, ça le fait. Alors, on va augmenter maintenant la couleur.
Toi, tu tousses moins quand même là ce soir. En éclaircie, c'est vrai, tiens. Alors, comment ils ont fait mal toussé dans Je vais faire mes sourcils noirs pour la lisibilité. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas la couleur que je vais garder. Je vais regarder dans l'Artworks, mais c'est tout simplement pour m'y retrouver avec où j'en suis, où je vais, dans quelle étagère. Ils tiennent plus la route, les jeunes, dit Hank. C'est vrai, j'ai presque l'impression des fois que les jeunes se couchent plutôt que les vieux. Bah, ils bossent, eux. Ah, c'est peut-être ça. Corbeau, il dit peint des figurines de merde. Niveau marketing, Madame Zoz, elle a de l'avenir. Alors, comment te dire, moi, le marketing, ça fait environ. Ah, c'est sûr que. Je dis ce que je pense ce que je dis. C'est ça notre problème, c'est qu'on dit trop ce qu'on pense, nous. Ouais. Du coup, le marketing. Bah ouais. Bon, on se le fout. Je vais sortir un peu du cadre là parce que je fais juste la base des sourcils. D'accord ? Après, je reviens. Vous inquiétez pas. C'est juste que je suis obligé là de. Ah, Shibani, ça veut dire l'ancien en mode respect. Ah. Ah. On comprend rien. On est jeune et inculte. Voilà, juste le temps de baser ses sourcils. Hein. Comme ça, t'as une chasse, il dit, et en art gauche, je suppose. 3h du mat tous les jours, ils sont où les jeunes là? Voilà. Là, on va pouvoir du coup corriger. C'est très vert hein, quand même. On dirait un petit peu Shrek. Hein. C'est pas Shrek, c'est Lonnie of Schools. Bah, on dirait Shrek. Non. Tu dis n'importe quoi. Non. Parce que t'es jalouse. De son vert ? Pas du tout. C'est Lonnie of Schools, ok ? C'est pas facile à atteindre hein, cette partie là. Un arabe, et non, vous n'êtes pas un culte. Si, si, on est un culte. Manifestement. Bah, moi je bosse pas avant la réouverture voilà. Des bars et restos, donc allez me toucher à 1h du matin, bof, dit Mathieu Véret. Voilà, là c'est fait, là c'est fait. Donc, oui, je voulais gagner en éclaircie. Donc, pour gagner en éclaircie, je vais mélanger. Le jeune est là, 39 ans, Maxime Buzio. Bah, je suis pas bien loin, hein. Je vais mélanger mon vert, mon scorpion green avec de la chair pâle. Oh, je suis pas bien loin, tu te rends compte? De quoi? Quand je pense que je suis pas bien loin des 40. Bah c'est oui. Un truc que j'aurais jamais pensé dire. Hein. Je pensais que je m'arrêterais à 30, 33. Bah non. Bah si. Bah non, ça va s'accélérer. Là. Ah bon, parce qu'en plus, le temps est plus rapide après. Oh, les gars, je vais parler de statistiques. Non, je vais raconter un truc voilà. De dingue. On y est. Je commence avec une petite histoire que j'ai appris il n'y a pas longtemps, qui était un truc bon, effarant. C'est à ce moment-là que je repars à la douche avec Joanne Musso. Mais. Quand tu me fais chier. Je vous raconte le truc. Attendez, c'est bien au point, là, la mise au point ou pas, là? C'est bien au point, la mise au point. Bon. C'est mieux, là. Oui. Ah bah oui. Ça veut pas dire. Je mange mon chocolat et je vous raconte. 30 ans chez moi, Tchuss, il a 30 ans, mais t'es un petit jeune, Tchuss. J'ai les cheveux blancs depuis que j'ai 25 ans, dit Mathieu Véret. Bah oui, hein, ça attend pas les années. Hein. Ouais, ouais. Bah moi, je crois aussi que c'est bon. J'ai les premiers. Je suis dégoûté. Les poils du cul, ça compte? Bah je sais pas, t'arrives à les voir, toi? Parce que j'ai des doutes. Je suis très souple. Ouais. Alors, je vous raconte. Pendant la Écoutez-moi cette histoire. Dingue. Mais alors, je vais pas pouvoir parler pendant que tu vas raconter. Ben, je raconte juste mon histoire. Après, on reprend. Bon. Si vous voulez, vous calmez le tchac le juste temps de mon histoire. Puis après, vous pourrez raconter les vôtres aussi, hein, si vous en avez des. Ah oui, ça, c'est vrai, Tchuss. Par contre, le temps s'accélère beaucoup depuis que je suis papa, je trouve. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Et puis, tu te prends 10 ans dans la gueule très vite. C'est normal, en fait, que ça s'accélère comme ça, parce que... En fait, t'as un référentiel. T'as ton enfant. Et du coup, ton rapport au temps n'est plus le même. Guillaume, moi j'ai 26 ans depuis 20 ans. Faut que je prenne un pinceau plus petit. Zoz, la relativité du temps, dit Mamie. Il est où mon pinceau plus petit? Rends-moi le...
Mon cœur, qu'est-ce que t'as fait de mon petit pinceau, là? Je viens le chercher. Il est où? Ah, Malou dit un résumé des théories d'Étienne Klein. Alors, si tu le lances, en plus... Oh, bah, non, parce que je connais pas tout Étienne Klein, loin de là, hein. Très, non, très loin. Il débute dans la matière. Je suis un débutant Étienne Klein. C'est déjà un grand fan. Mais justement, il a raconté un truc de dingue. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Anglais, l'aviation anglaise, en fait... Voyant revenir leurs avions criblés de balles, se sont dit « On va mettre nos ingénieurs sur le coup, on va leur demander, tout simplement, pour éviter les pertes humaines et les pertes avionesques, parce qu'ils perdent des avions, on va demander à nos ingénieurs de se mettre sur le coup. » Les ingénieurs se mettent sur le coup, n'est-ce pas? L'idée, c'est d'essayer de faire que l'aviation anglaise perde de moins en moins d'avions et d'hommes. Donc, ils regardent, quand les avions reviennent, là où ils sont criblés de balles, et se disent, eh bien, à ces endroits-là, ce qu'on va faire, on va renforcer la carrosserie d'un avion. La carlingue, quoi, je sais pas comment on dit. La carrosserie. Comment on dit? La carlingue, quoi, de l'avion, je pense que c'est ça. Donc ils disent, on va renforcer la carlingue de l'avion à cet endroit-là. Donc, aux endroits où il y a des impacts de balles, ils renforcent la carlingue. N'est-ce pas? Ils rajoutent des plaques, des machins et tout ça. Et ils se rendent compte que finalement, ben les avions, ils sont plus compliqués à piloter, notamment, parce qu'ils sont un peu plus lourds, j'imagine, même s'ils essayent de faire au mieux, et que, eh ben, il n'y a pas plus d'hommes et d'avions qui reviennent. Ils en perdent autant, d'accord? Peut-être même un poil plus. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour véritablement sauver, pour véritablement que ça marche. Sachant qu'il y en a un qui a trouvé la solution. Un jeune ingénieur qui a débarqué là au milieu de la team et qui a dit « Mais les gars, vous faites n'importe quoi, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire, moi. » Selon vous, qu'est-ce qu'il leur a dit de faire pour que ça marche? Allez, j'attends dans le chat les commentaires. Carlin, on dit très bien. Hein, que les mecs, donc, je vous rappelle le truc, ils se sont dit « On va regarder là où nos avions prennent des pets. Hein, des traces d'impact de balles, là. Et on va les renforcer. Comme ça, ils seront plus costauds à ces endroits-là. Et on aura moins de pertes. Ça n'a pas marché. Blindage, fuselage, carlingue. Ouais, c'est ça. Voilà. On va renforcer blindage à ces endroits-là. Ils sont cons, ces Anglais, dit Guillaume. Et ouais. Et il y a un ingénieur qui a débarqué. Et vous savez ce qu'il leur a proposé? Et là, ça a marché. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'il leur a proposé et qui a marché? Voler plus haut. Non. De mettre des insignes allemandes sur l'avion. Ça, c'est pas con, ça. C'est pas con. Mettre plus d'armes, dit Jules. Non, non. Il leur a proposé de renforcer les blindages là où il n'y avait pas de trace d'impact de balles. Donc, vous n'allez pas renforcer les blindages là où il y a des traces d'impact, mais là où il n'y en a pas. Selon vous, pourquoi? Et ça marche. La technique a marché, tu veux dire. Ouais. Pas mettre les hommes d'équipage à ces endroits. Oui, c'est pas fait. En fait, pas du tout. De plus faire voler les avions. C'est une solution. C'est une solution. En fait, non. Comme l'a dit ce jeune ingénieur qui a débarqué dans la team, qui n'est pas resté longtemps le jeune ingénieur et qui après est vite monté en grade, il leur a dit « Écoutez-moi bien, tas de cons. C'est pas à ces endroits-là qu'il faut renforcer les avions. Parce que là où il y a des traces d'impact de balles, c'est les avions qui reviennent. Donc, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les avions qui ne reviennent pas. Or, les avions qui reviennent ont des traces d'impact de balles à ces endroits-là. Ce qui veut dire que ceux qui ne reviennent pas ont des traces d'impact de balles aux autres endroits. Et ils ne reviennent pas. Donc, nous allons renforcer nos avions partout, sauf là où il y a des traces de balles. » Et ça marche. Eh ben, les gars, c'est pas un truc de dingue, ça. Et c'est de la logique pure. Vous avez vu comme notre esprit peut nous jouer des tours. Ça fait partie notamment des trucs que Étienne Klein explique en conférence, des exemples qu'il donne sur les biais qu'on peut avoir, c'est-à-dire dans notre cerveau, on se dit, bah ouais, bah, c'est sûr. Les erreurs de logique. Bah, les erreurs de logique, c'est-à-dire qu'il y a des trucs, on saute dessus à pieds joints, on se dit, bah oui, c'est logique, il faut faire ça. Et ben, des fois, il faut réfléchir. Et quand tu réfléchis, bah, tu te dis, effectivement, c'est pas con. Qui dit c'est une
vas faire de trous de balle, quoi. Bah ouais. Non, mais je trouve ça hallucinant. C'est super intelligent. Déjà, de... En fait, c'est du bon sens, quoi. Mais c'est à tel point on peut perdre ce bon sens de vue, quoi. Évidemment. Les avions qui reviennent, on regarde où ils ont été touchés. Mais on oublie de se dire qu'eux, ils sont revenus. Donc, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est ceux qui reviennent pas. Et vraisemblablement, ceux qui reviennent pas, c'est qu'ils ont été touchés ailleurs. Donc, c'est là qu'il faut renforcer. C'est de la logique pure. De la logique pure. Et ça, c'est des sujets, moi, que je trouve hyper intéressant à explorer. Vous voyez ? Il dit, c'est pas un Français, le gars qui a trouvé la solution. Il demande, Guillaume ? Non, apparemment, c'est un Anglais. Étienne Klein, quand il raconte l'histoire, c'est un jeune ingénieur anglais. Alors après, peut-être qu'il se plante, hein, je sais pas, mais... un jeune ingénieur anglais et qui a mis tout le monde d'accord. Un truc de dingue. Hein. Il y a l'histoire des chats aussi qui est rigolote. Ils font des études. Ils disent, tiens, quand un chat tombe du premier, enfin, quand on fait des études, qu'on se renseigne auprès des... On va plutôt l'expliquer comme ça. Qu'on se renseigne auprès des vétos, on se rend compte que un chat qui tombe du troisième a plus de chances de survivre qu'un chat qui tombe du premier, du 1 ou du 2. Donc ils se disent, en gros, si un chat tombe de plus haut, bon, en étant raisonnable, hein, c'est sûr que s'il tombe de l'Empire State Building, c'est une crêpe. Mais en gros, on a plus intérêt à ce qu'un chat il tombe haut plutôt qu'il tombe bas, parce qu'on se rend compte que bah, dans le chat, en fait, bah, quand il tombe du premier, bah, ils sont blessés, ils sont pas bien, quoi. Enfin, ils sont morts, plutôt. Et quand il tombe du troisième... Ben, on nous les ramène et ils sont pas morts. Donc ils se disent, ben voilà, forcément un chat, il y a plus intérêt de tomber. Plus de chances de survivre un chat qui tombe du troisième qu'un chat qui tombe du premier. Donc moralité, il vaut mieux qu'il tombe du troisième, du quatrième. Et pourquoi ? Ben, ils se disent, ben, tout simplement parce que le chat, quand il tombe du troisième, il a le temps de connecter qu'il est en train de tomber. Donc, d'organiser sa réception, on va dire, en quelque sorte. Alors que quand il tombe du premier, il est surpris, il est tout raide, et quand il tombe par terre, paf, une crêpe. Sauf qu'en fait, ça marche pas, cette étude. Pourquoi ? Parce qu'on tombe dans le biais du survivant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut tout simplement aussi se rendre compte que peut-être que le chat qui tombe du quatrième, il ne rentre pas dans les statistiques, parce qu'on ne l'emmène pas chez le vétérinaire. Parce que c'est une crêpe. Parce qu'il est mort. Donc ça ne veut pas forcément dire que parce que tu tombes du quatrième, tu as plus de chances de survivre que tu tombes du premier. C'est juste que quand tu tombes du quatrième, tu es une crêpe, donc on t'emmène pas chez le véto. Alors Guillaume, il dit, et quand un chat tombe d'un avion criblé de balles ? Ah bah oui, mais c'est pas la même chose. Ouais. Alors moi, je leur ai demandé si t'avais pas un côté Pierre Belmar quand tu racontes ça. Et il y a Solène qui dit, j'allais citer la mémoire de Pierre Belmar, exact. Ah oui, j'adorais Pierre Belmar. Ah, je voudrais peut-être faire des, tu sais, un live peinture. Bonne nuit Skynet. Bonne nuit Skynet et merci pour ton Tipeee, monsieur Skynet. Fait partie des tipeurs, monsieur Skynet. Ah. Ouais. Grosse bise. Éternel respect à toi. Bisous sur les fesses. Ah non, Pierre Belmar, j'adorais. Et là, madame Chambier s'empare du fer à repasser. Elle se jette sur son mari et lui repasse les testicules. Les testicules ? Les testicules, lui repasse les testicules à froid. Les testicules, c'est joli. Il y a Pseudonyme qui dit, je crois qu'on a vu la même vidéo, c'est Étienne Klein, non ? Alors oui, c'est le maître absolu, le gourou actuel de Zozo. C'est mon gourou actuel. J'adore Étienne Klein. Fallait blinder le trou de balle du chat, il dit Adeptus. Et alors, chose plus intéressante encore ! Alors là, on risque de... Je le dis ou pas, parce qu'on risque et de se faire... Il n'y a pas mes filles qui disent faut renforcer où le blindage du chat, du coup. Ils ont pas... Zo, tu les as embrouillés. Mais ils comprennent pas, mais ouais, mais si tu veux, c'est là que je vois que, tu sais, ma communauté, elle a des limites. Ouais. Je peux pas aborder tous les sujets avec eux. Il y a des moments, ils sont largués, en fait. Mm. Ils n'arrivent pas à suivre. Ouais, donc non, tu leur dis pas la suite, alors. Si, non. Je le dis. Non. Tu peux pas, tu vas foutre la merde, il y a Lionel qui va porter plainte contre nous parce qu'il est urgentiste et qu'on dit n'importe quoi. Mais non, je vais pas dire n'importe quoi. Non, mais c'est pas qu'on dit n'importe quoi, c'est statistique. D'ailleurs, encore un truc de dingue. Vous savez, on parle des... C'est Étienne Klein aussi qui a fait l'étude statistique et je me dis, putain, mais merde, j'ai fait les calculs, il a raison, ce con.
On prend les tests de coronavirus. Ah, attends, c'est trop rigolo. Alex Raymond, il dit dégoûté, j'ai raté la fin de l'histoire de l'ingénieur et son système qui marche. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ah bah c'est con. Oh le teasing. Ah c'est con. Ah dommage, bon, on ne dira pas. C'est con, on ne dira pas, il faudra que tu cherches. Tu tapes tout le replay pour tomber sur la... Tu seras obligé de te taper le replay, de mettre un oh, like. Non, c'est trop dur. Voilà. Et sinon, tu n'auras pas l'histoire. Les testicules, il a beaucoup aimé, mais tu verrais aussi. Commence à avoir un peu de la gueule, là, ce visage, là. Hein, bon, je prends du temps, hein. Normalement je devrais aller plus vite que ça, mais bon. Alors. Oui, le visage est pas mal. Ah tiens, je vais faire un peu de les yeux. Je vais prendre un peu de gris. Alors, je vais raconter un truc de dingue. On imagine tout ce que je dis là. Tu vas pas arriver à peindre pendant que tu racontes. Oui, si. Tout ce que je dis là est hypothétique. Hein. C'est-à-dire que c'est en aucun cas inspiré d'un fait réel. Donc, ce que je dis là, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est Étienne Klein. Hein, c'est pas moi qui le dis. Donc, je vais reprendre la démonstration d'Étienne Klein pour ceux qui l'ont vu, mais qui est assez rigolote. On imagine un virus qui ravage le monde. D'accord ? On imagine que ce virus a un taux de quoi de prégnance, là, je sais pas comment on dit, de prégnance, là, de 1 pour 1000. Vous me suivez, hein ? Notez les chiffres. Hein. Donc, ça veut dire que sur 1000 personnes, on en a une qui est atteinte de ce virus. D'accord ? On imagine, hein. Tout ça c'est un cas d'école, ça n'existe pas bien évidemment. Alors, bien sûr, les scientifiques, dans ce monde imaginaire, mettent au point un test pour identifier les personnes qu'ils ont touchées par le virus, parce qu'on ne peut pas le voir à l'œil nu. Attends deux secondes, je suis désolé, mais après j'ai peur que ça disparaisse. Malou, elle dit, si tu aimes Étienne Klein, va voir ses conférences plus que ses interviews type Thinkerview. Oui. Il va plus en profondeur. Oui, oui, j'ai vu, ouais. J'ai vu déjà. Mais là, j'ai pas tout vu, hein. Je vais en voir d'autres. Mais oui, carrément, je vais explorer, hein, parce que j'adore. Je trouve en plus le mec hyper intelligent. En plus d'être brillant, je trouve très intelligent. Très, très intelligent. Et tout toi, quoi. Exactement. Donc, vous vous souvenez, hein, le gars, là, était là. Donc, on a un virus imaginaire, hein, voilà, qui touche une personne sur 1000. Et comme on peut pas le voir à l'œil nu qui est malade, on met en place des tests. D'accord ? On imagine, hein, des tests qui ont un taux de réussite de 95%. C'est-à-dire que ce test-là, il n'y a pas de faux positif. C'est-à-dire que si vous êtes atteint par le virus, vous sortirez forcément positif au test. Par contre, il y a une petite marge d'erreur, imaginons 5%. Imaginons que ce test soit, je dirais, efficace à 95%. Ce qui veut dire que dans 5% des cas, il va indiquer quelqu'un comme positif alors qu'il ne l'est pas. Reprenons notre panel de 1000 personnes. Donc, ça veut dire que sur 1000 personnes, si je fais ce test, si à partir du moment j'ai 5% de positifs qui apparaissent sur 100, puisque ce test a un succès de 95%, ça veut dire que sur 1000 personnes que je teste, j'aurai forcément 50 cas positifs. On est d'accord. Par contre, dans ces 50 cas positifs, enfin, dans ces 50 cas positifs, en plus de ces 50 cas positifs, pour être tout à fait précis, j'ai quand même un vrai malade sur 1000. Ce qui veut dire que j'ai, on va dire, 51 positifs, mais un seul malade. Ce qui veut dire que le taux d'efficacité de mon test est de 2%. Et non pas 95%. Pourquoi 2%? Parce que... Si je prends les 51 personnes positives, il n'y en a qu'une qui est véritablement malade. Les 50 autres ne le sont pas. Il s'agit d'erreurs statistiques, d'erreurs dans le relevé du virus. Donc, j'ai un taux de réussite de 1 sur 50, soit 2 sur 80, soit 2 sur 100. Et même un petit peu moins, puisqu'on était à 1 sur 51. Donc, après, imaginons qu'on ait des gens qui nous réclament des tests, sachant que ce test a une efficacité de 2%. Imaginons ! Truc de dingue, quand même, hein ? Vous avez vu, ça ? Et là, c'est statistique. J'ai fait le calcul, j'ai fait « Putain, merde ! Il a raison !» Bon, enfin, voilà. Pour la petite histoire. Il y a des messages en chat, mon cœur ? Ah, j'ai calmé tout le monde. Ah, j'ai calmé tout le monde. Ils ont beaucoup aimé tes testicules. Mes testicules ? Ah, faut que je regarde les yeux, comment ils sont dans ce bonhomme-là. Les tests,
Icule, oh putain. Des testicules. Ouais, ça marche aussi, ça marche aussi. Faut que je regarde. Et Simon, il dit oui, je regarderai le replay car cette figue de Pierre Belmar a vraiment de la gueule. On va faire les yeux rouges. Les yeux rouges qui regardent en bas d'ailleurs, tiens. Alors, je reviens. Le vrai malade, c'est Macron. Ouais, ouais. Ah là, attends. Pff, ne parlons pas politique, on va se fâcher, mais. Pff. Ouais, je crois plus en rien. Je suis désillusionné, vous voyez. Simple. Je crois plus en la politique. Je pense que l'avenir du monde ne passera pas par le politique. Nous serons sauvés le jour où les Vénusiens viendront nous tirer du faux pas que nous avons fait. D'ailleurs, peut-être que ce serait l'occasion d'évoquer aussi... Ishawi Yuhunra, soleil sur toi, viens à moi, Vénusien, emporte-moi. Tu devrais profiter de ton live pour évoquer une petite chose que je trouve très intéressante. Je t'ai dit sur la page de notre commune, il y a quelqu'un qui demandait, il y a une marche pour aider les restaurateurs. Prochainement, là, je crois, début février. Ah bon ? Et certains disaient plutôt qu'une marche où on prend en plus des risques côté corona, évidemment. Eh ben, il faudrait que les restaurateurs ouvrent leur restaurant et qu'on aille tous au restaurant, qu'on ait le droit ou non, pour soutenir les restaurateurs. Là, je suis partagé là-dessus, moi. Pourquoi ? Ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est pas dangereux quand même. Dangereux, pourquoi ? Bah, j'ai pas assez d'infos là-dessus. Je maîtrise pas le sujet. Bah ouais, je maîtrise pas le sujet. Ah bah, évidemment, mais le but c'est pas de s'agglutiner. Le but c'est de soutenir et d'essayer de trouver des solutions pour reprendre une vie parce que ça suffit quoi. Mmh. Ça dure depuis trop longtemps. Et que ça ne marche pas de manière efficace manifestement puisqu'on en est obligé de réenvisager des reconfinements. Bah ouais, je suis pas compétent sur le sujet, moi, là, j'avoue. Moi je suis compétent sur les statistiques là parce que j'ai fait le calcul. Malou dit, du coup, c'est pas 2%, mais 1,9%. Tout à fait, c'est vrai, c'est ça. Faites le calcul chez vous, vous verrez. En qui dit, c'est bon, la minute sérieuse est passée, reparlons de cul. Oui, on va reparler de cul. Alors. Le cul de qui, alors ? Le cul de qui ? Alors, ouais, tu vois, il y a un décalage, parce que là, c'est la dernière phrase que j'ai de Hank, et en fait, moi, quand je regarde mon téléphone, sur le chat, j'ai déjà 6 autres commentaires, quoi. Bah, je sais pas. Voilà. Et hop, c'est arrivé d'un coup, là, tu vois. Ouais. Peut-être parce que les commentaires sont postés d'un coup et que le logiciel, il. Je sais pas. Je sais pas. Ah, Régis de Melun, il a pas tort. Les sourcils, c'est Fillon. C'est vrai. Les sourcils de la fille. Ah ouais. C'est ouais, vrai, c'est pas faux. Tchuss, on ne peut pas se fâcher, tout le monde est d'accord. Pas mes figues. Si le test est facturé 60 balles, faut renforcer le blindage ou du coup. Vous avez pas vu le test au coca, dit Mathieu Verret. Non, j'ai pas vu. Cambo. Bon, allez, bonne nuit à toutes et à allez, tous. Allez, je fais les yeux rouges. Qui regarde en bas. Le blindage du chat qui tombe sur Klein. C'est pas mal. Bonne nuit, Cambo. On bisous. Va faire les yeux rouges et on va les faire, tiens, avec un rouge. Madame qui... Tipeee président, tiens, tu vois. Avec un rouge qui claque. Je vais prendre un rouge qui claque, les copains, là. Tiens. Je veux pas du poste, Tchuss. Ouais, après c'est compliqué. Ouvrez et choper une amende, bien sûr. Non, mais évidemment qu'il y a ce problème-là, mais ils vont pas. Si tous les restaurateurs font ça et si beaucoup de gens sont dans la rue pour aller les soutenir, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils vont pas payer tout le monde, hein. Tchuss, les restos ont tous éloigné les tables, mis des plexis, ils ont tout fait comme il fallait, mais bon, bah ouais. Et je trouve qu'il y a d'autres choses qui sont parfois plus dangereuses que effectivement d'aller à un restaurant masqué et de s'asseoir à sa table, bien sûr en respectant la distance, ça c'est sûr. Je dis pas de faire n'importe quoi non plus. Hein. Ah ouais, mais effectivement, il y a des choses plus dangereuses à mon avis. Alors Guillaume, il dit oui, ça merde le chat en ce moment. Ouais, ouais, non, mais c'est clair qu'il y a un décalage. Ah ouais, bon. Bah écoutez, j'essaierai de voir ça, mais... Je sais pas trop ce que je peux faire. Malou a dit, il y en a marre de parler de cul, parlons de ça un peu. Tout à fait. Alors, il vaut mieux... Moi, je dis, il vaut mieux des petits seins qui tiennent bien que des gros seins qui tombent. Et alors, des petits qui tombent, comment on fait ? Oh ben là, si la nature s'acharne, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon. Et ça va, tu restes encore avec moi, mon gars ? Bah, moi, oui. Parce qu'en en fait, on est confiné, tu vois personne d'autre, quoi. Bah, c'est ça, quoi, l'histoire. J'ai pas trop le choix, quoi.
Je vais essayer de faire des yeux rouges qui regardent en bas. Parce qu'il regarde des petites figurines à qui il va casser la gueule. Hank, il dit, ça s'est déjà produit, le restaurateur est mis en examen. Oui, mais il y en a eu un, si tu veux, tu vois. Donc, je parle pas de faire qu'un truc isolé, évidemment. Évidemment. Non, mais là, je suis sans avis sur le sujet. Nous ne sommes pas compétents pour discuter de ces sujets. Alors, sur une chaîne de peinture. Alors, pour le test au coca, tu verrais, il dit, parce qu'en fait, c'est un souci de pH et que le test, il réagit au pH avec un réactif, ouais. Et Hank ajoute, après, on peut tenter la chance. Bah, je te dis, s'il y en a plusieurs, moi, je pense que oui. Thierry Var, et si maintenant s'en lavait, ce serait mon oncle. Pas mes figues. Mettre une amende à quelqu'un de non solvable, de toute façon, c'est clair. Allez. Voilà. Tous les non solvables dans la rue. Obis Maquette, exemple, prendre l'avion serré comme des sardines. Voilà. C'est ce que je veux dire. C'est que. Bon, on peut pas aller dans les restaurants, mais apparemment, il y a toujours pas de test automatique dans les aéroports et compagnie, a priori. Donc, bon. Voilà quoi. Voilà, là j'essaye de peindre le blanc au-dessus. Donc en fait, je fais un gros trait blanc au-dessus, bien marqué, pour que l'œil regarde vraiment bien en bas. Je ne sais pas si vous comprenez la technique. C'est pour orienter et ça lui donnera un regard menaçant vers le bas. Mais pour ça, il faut vraiment faire un trait blanc très marqué sur le dessus. Pour vraiment que ça contraste fort, quoi. Donc là, bah, il faut y aller avec un petit pinceau détendu. Et ouais, tu aussi dit comme moi. Un Hank, parce qu'il voilà. Était seul, s'il y a un mouvement national, je suis bien d'accord. Moi, je pense que c'est le collectif, là, et qu'on n'est pas assez, assez unis. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Il faut juste se coordonner un tout petit peu. Et je puis soit au petit Saint-Quitienne, Zoz, ma loup. On saura tout ce soir. Voilà, exactement. Hank, ils sont inscrits à un registre, ça posera aucun problème de sanctionner. Oui, mais bon, s'ils sont nombreux... Enfin, je veux dire, si tous les restaurateurs ou presque de France se mettent à faire ça, ils vont pas s'amuser à sanctionner tout le monde un après l'autre, quoi. Enfin, moi, j'ai du mal à croire ça, mais bon. Thierry Var, avec des si, tu mets pas de bouteille. Exactement, il a raison, Thierry. Mathieu Véret, ah ben... Ah, je vais prendre du blanc pur. Sinon, il te relâche pas. Guillaume, faudrait renforcer les blindages dans les restaurants. Exactement, il a raison, Guillaume. Pseudonyme, je commence le clan de la tortue, j'espère que tu es motivé pour tenir toute la nuit. Bah, le clan de la tortue, en fait, je l'ai fait déjà. Je pourrais vous montrer d'ailleurs. Donc, je l'ai fini, le clan de la tortue. Il était sympa d'ailleurs à faire. Donc, c'était, il y avait tout le clan de la tortue, il y avait 10 figurines, si je me souviens bien. Donc, là, je prends du blanc pur. Donc j'ai fait en tabletop jeu quoi, enfin un peu au-dessus du tabletop, mais on va dire niveau jeu quoi, quand même. Donc là on essaye toujours pareil de bien marquer avec un trait blanc très puissant au-dessus, et je pense que je vais venir avec une pointe de... Enfin, je vais refaire mon rouge bien propre, là. Parce que, alors là, les yeux, c'est ce qu'il y a de plus délicat sur une figouse. Vous avez compris. Donc, il faut pas se rater. Donc, je tape là, bien l'œil, ici. Là, oh là ici, là, aussi. Il y en a plein qui arrivent. Tu aussi dit, je bosse en pizzeria. Heureusement qu'on peut livrer, c'est clair. Eh ouais. Bah, je préfère les gros seins qui tiennent, moi. Tu m'étonnes. Lionel Boula, tiens Lionel, il s'était un petit peu endormi, puis hop. Le problème de la PCR en France, c'est qu'ils font 40 à 50 cycles au lieu de... Oui, tout à fait, de stopper à une vingtaine. C'est apparemment le problème. Voilà. Ouais. Du coup, on détecte positif des fragments de virus sans danger et le test revient positif sur du patient sain. Ouais, c'est bien le problème. C'est ce qu'on craint un peu aussi avec Zo pour le nôtre. Alors là, je vais faire... Maintenant, Antares Red, c'est fait. Non, c'est le... Ainsi, ils vont tous sanctionner. Du rouge puissant. Pour avoir du rouge puissant, là, je vais prendre une pointe de... contraste. Peinture contraste rouge, parce que c'est des peintures hyper contrastées. Et je pense que ça va me faire un bel œil rouge bien violent. Malou dit, il y a 2 ans, il y avait du monde dans la rue, mais ce n'est que maintenant que les gens se réveillent. Eh oui. Hank, tous les restos peuvent le faire, faut s'y mettre à la livraison ou à l'emporter. Ouais. Bon, après, je lançais ce sujet, mais enfin, a priori, on a aussi des gens qui nous disent, les restaurateurs, après, voilà, il y en a peut-être dans,
dans la communauté, là, vous allez nous dire, mais ils sont pas les pires. Eux-mêmes disent qu'ils sont quand même vachement aidés par le gouvernement. Donc, bon, moi, j'avais entendu que c'était quand même raide pour arriver à payer les loyers, les salaires, ok, ils sont aidés, mais pour payer les loyers, ils se payaient eux-mêmes, les restaurateurs. Mais bon, voilà. Ouais. Après, c'est loin d'être les plus malheureux, sans doute, parce qu'il y a des professions, on a le droit de travailler, hein, mais pour autant, on n'est pas aidé et on travaille beaucoup moins. Donc, voilà. Alors, je mets donc rouge. Rouge. C'est quoi, c'est le rouge? Je ne sais plus comment il s'appelle. Contraste, rouge. Alors, ici. Alex Raymond dit, ça t'embête de nous faire 2 minutes de cours sur la palette humide? Je ne connais pas. Et si pas tu peux redire la fin de l'histoire de l'ingénieur. Alors, je vais faire 2 minutes de cours sur la palette humide. Je fais juste mon petit œil rouge. Alors là, j'utilise donc du contraste red. Voilà. Bah, tu verrais, dit, je vous ai dit que moi j'ai toujours pas ma réponse du test du 18 décembre. Oh bah yon. Bah, c'est fou quand même ça. Voilà, contraste red ici. J'en mets un petit coup là. Je pensais que ça allait être un peu plus contrasté, mais c'est pas si évident que ça finalement. Ce contraste red là. Parce que c'est tellement un petit point qu'on voit peut-être pas la différence. Bon, j'essaie de le finir quand même avec ça. Ben, mes filles, il dit je travaille dans la santé, j'ai surtout vu des faux négatifs. Ouais. Bon, voilà pour les nénés qui regardent en bas. Et on va mettre une petite pointe de blanc après. On va. Ah, je sais. Je peux tenter encore avec un truc. Bougez pas. Après, j'explique la palette humide, hein, vous inquiétez pas. Je vais tenter avec du Spirit Red. Le Spirit Red, c'était une peinture games faite pour les gemmes. Pour faire des gemmes. Je vais voir si avec une pointe de Spirit Red, ça ne ferait pas un bel rouge bien pétant. On va essayer de voir si on peut gagner en contraste avec du Spirit Red. Du Spirit Red. Voilà. Voilà, on respire pas. Pouk. Ouais, pourquoi pas. Bref, on va aller au bout. Je sais pas si ça apporte quelque chose. Voilà. Est-ce que ça fait... Excusez-moi, vous n'avez rien vu du coup. Donc là, c'est bon, c'est fait comme ça. Hop. Faut pisser sur la palette, il dit Mathieu Véo. Ah merde, la mise au point n'est pas bien faite là. Voilà. Et il dit, Zeus, ta fille tu fais peur là. Bah c'est le but. Et après, regarde, les petits points blancs qui vont bien. Donc on va mettre des petits points blancs. Où on va chevaucher l'iris et l'œil, enfin le fond de l'œil. Donc il faut le mettre là. Voilà, ici. Là, la figue est sucée, un schtroumpf, dit Hank. Quoi? La figue est sucée, un schtroumpf, dit Hank. Guillaume, une pointe d'orange, voilà. Dans le rouge, non? Ouais, mais je sais pas, c'est tellement petit, tu vois, j'ai préféré mettre des points blancs, je sais pas si on les voit bien, pour créer un effet de mouillé dans l'œil. C'est petit, hein, c'est très... Mais c'est ce genre de détails, si vous les réussissez, c'est très sympa. Lionel Boulay, il dit, pour faire de la prévention sur le Covid, léchez vos pinceaux pleins de peinture, voilà. Ça a bon goût et ça bute vos microbes en même temps que vos cellules. Plus d'os, plus de virus. Ouais. Là, l'œil paraît brillant parce que j'ai mis une petite pointe de blanc qui vient chevaucher le rouge et le fond de l'œil blanc. Donc ça fait un œil brillant. Oui, donc ça fait un regard bien menaçant. Ça marche très bien quand c'est bien exécuté comme là, par exemple. Oui, bon, ça marche bien. Alors, palette humide. Heureusement que tu peins pas à l'huile le pinceau trempé dans White Spirit, ça serait super bon à lécher. Ah oui, là, c'est sûr que là c'est pas pour moi, lui. Là. Par rapport à ma façon de peindre, je suis mort. Ouais, il a une bouche un peu la Sinoc, hein, je trouve, cette espèce de monstre-là. C'est rigolo. Voilà. Alors, palette humide. Le principe de la palette humide, c'est que tu as de l'eau avec une éponge. Tu as un papier sulfu dessus, hein, voilà, comme là. Et en fait, l'eau, par capillarité, va sortir de l'éponge et remonter sur le papier sulfu. Ce qui te permet de garder toujours tes mélanges humides. L'intérêt, c'est que quand tes mélanges sont humides, bah, tu peux...
taper dedans, revenir en arrière, reprendre une éclaircie, mélanger une éclaircie avec une teinte intermédiaire, mélanger deux couleurs de base que tu as utilisées, du vert et du bleu, pour obtenir une autre teinte intermédiaire, et du coup, t'éclater sur les mélanges, sans jamais avoir à recharger indéfiniment. Donc tu gardes tes mélanges. Et en gardant tes mélanges, ça te permet de piocher dedans, de revenir en arrière, d'avancer, d'aller chercher un petit peu de blanc, de te faire des petits mélanges à droite à gauche. Là, j'ai besoin d'un rouge, mais j'ai besoin d'un rouge un peu plus clair. Ben, je prends une pointe de rouge, une pointe de blanc, paf, je me fais un petit rose là, parce que ça peut être intéressant. Voilà, l'avantage de la palette humide, il est là. Donc, tu maîtrises moins ta dilution que celui qui va utiliser une palette sèche où il va mettre deux gouttes d'eau, trois gouttes d'eau pour faire tel truc, mais honnêtement, t'as pas besoin d'être aussi précis dans ta dilution. Il suffit juste que tu aies de la peinture humide, et après tu gères ta dilution en rajoutant un peu plus d'eau avec ton pinceau dans ton mélange, et puis voilà quoi. Mais la palette humide, ça sert à ça. Tu as aussi dit lèvres avec le même rouge que les yeux ? Non, non, il faut quelque chose de... Il faut que ce soit les yeux qui prennent le pas. Donc il faut que ma lèvre, elle soit un peu en dessous de mes yeux. Il faut toujours penser hiérarchie des valeurs. Et là, hiérarchie de valeurs, il faut que ce soit l'œil qui pète le plus, parce que c'est ça qui doit attirer le regard sur la figurine. Je veux que le point focal, il soit sur le visage et l'œil. Donc pour que le point focal soit sur le visage et l'œil, il faut que le reste soit en soutien de ça. Donc il ne faut pas que ça prenne le pas. Guillaume dit intéressant ce petit truc avec le point blanc. Ah oui, c'est même capital, hein, Guillaume. Ça, c'est... Ce petit point blanc, il fait toute la différence. C'est ça qui donne, qui attire le regard sur l'œil. C'est le spot of light. Ça lui donne son côté humide. Et puis, ça vient trancher sur l'iris. Donc, c'est pour ça que c'est bien de chevaucher deux. Et du coup, ça attire le regard, paf, pile poil dessus. Donc c'est hyper important. Alors, il y a Alison qui... Il y a Malou qui demande comment se dose l'eau dans la palette. Merci. Très simple, je remplis jusqu'à ras-bord. Jusqu'à à la limite de mon éponge. C'est-à-dire, il faut que mon éponge soit complètement gorgée d'eau et qu'il y ait presque à la limite une légère pellicule d'eau en surface de mon éponge. Là, je suis bien. Donc c'est vraiment hyper humide. Hein. Alors Mathieu Véret dit à Guillaume, quel point blanc ? Il y en a un qui n'a pas suivi. Bon, je vais remontrer le point blanc. C'est vrai qu'il fait peur, hein, son visage à lui. Alors, je vais remontrer le point blanc. Si tu regardes bien, là, on va bien mettre prêt, on va faire la mise au point. Voilà, voilà, là, vous les voyez les points blancs, là ? C'est dur, hein. C'est un petit peu celui tu de vois droite, son œil gauche. Voilà, tu as un point blanc en fait qui vient chevaucher le rouge, qui est à cheval entre le fond blanc de l'œil et le rouge, d'accord, de l'iris. Et bien ça, c'est capital. C'est ce qui fait que quand je m'éloigne, d'accord, on a toujours cette lumière dans l'œil, tu vois. Et c'est ce qui attire le regard. Ça se voit, mais peut-être mieux comme ça de côté. Donc c'est important d'avoir un blanc de l'œil très haut, parce que je veux bien qu'on voit qu'il regarde en bas, qu'il est menaçant. Et ce petit point blanc, il est capital ici, parce qu'il donne l'humidité de l'œil, parce que ça suggère une surface humide, et en plus, ça attire le regard de la figurine. Du coup, tu fais la langue aussi, demande Mathieu. Ah oui, il faut peindre la langue, les dents, tout là. Qui dit Zoz, il aime quand c'est humide. Ouais, c'est j'aime humide. Quand c'est humide. Il faut que je regarde la photo d'ailleurs. Tu sais, c'est quoi dans sa gueule là. Ouais, j'en cive un peu. Ça fait combien de temps là qu'on discute là? 3h04, on va pas tarder à arrêter les gars. Hein. Ça fait réaliste ce point blanc, dit Christophe Hardy. Solène Morvan, merci pour le zoom. Ouais, c'est pas mal de temps en temps quand même. Ouais, bien sûr, ouais, ça aide à se rendre compte un peu. Hein. Je savais pas qu'il y avait une éponge dans la palette, à part moi, je vois pas d'éponge, dit Mathieu Véret. Ouais, non, elle est là, l'éponge. Hein. Ici, en dessous de mon papier sulfu, il y a une éponge qui est gorgée d'eau. L'avantage des palettes que vous achetez auprès de professionnels, parce que vous pouvez tout à fait faire votre palette humide avec... vous prenez un dessous de Tupperware de forme carrée, ou même il y en a qui prennent des boîtes de Mon Chéri. Ils coupent des éponges qu'ils achètent dans le commerce, ils gorgent d'eau, ils mettent du papier sulfu dessus, ça marche hein, aussi ça. Ça marche même très bien. L'avantage, moi, que je trouve de la palette humide, entre guillemets, pro, c'est que l'éponge, elle est imputrescible.
Et comme l'éponge est imputrescible, bah, vous la gardez la vie des rats, quoi. Et moi, comme je la laisse tout le temps gorgée d'eau, c'est important qu'elle soit imputrescible pour moi, parce que c'est très... je la laisse longtemps humide, quoi. Elle sèche pratiquement jamais, mon éponge. Guillaume, il dit, t'aurais dû le montrer de suite. En gros plan, c'est superbe. Ouais, vous voyez bien en gros plan, ouais. J'aurais peut-être dû... Donc là, je vais rééclaircir encore les quelques ridules, vous voyez. Toujours pareil, pour concentrer l'attention sur le visage de la figurine. Donc, ici, je reviens avec du blanc. Ici, c'est quasi du blanc. Hein. Alors, la gâchette dit, Emmanuel Chien est de retour. Et Mathieu Véry, il dit, mais là, du coup, les sourcils font bizarre. Oui, parce qu'ils sont pas travaillés, ils sont tout noirs. Et puis elle a des gros sourcils, cette figurine. Hein. C'est une espèce de démon, c'est un peu... Ils sont très stylisés, hein, les démons, dans... sur comment ça s'appelle ? Sur ce jeu-là. Rising Sun. C'est des très gros sourcils, bon. Hank dit, en tout cas, la cam palette tient bon. Ouais, ouais, carrément. Cool. Ouais, mais après, le seul problème que j'ai maintenant avec cette cam palette, c'est qu'elle zoome pas assez sur les mélanges que je fais. Ah, mais c'est compliqué, t'as un petit écran pour ça, donc... Non, mais c'est pas tant la taille de l'écran, là, qui va... Tu veux dire, quand tu lui demandes un zoom... Ouais, je voudrais pouvoir zoomer plus sur la palette. Eh ben ouais, mais alors c'est peut-être parce qu'elle est pas assez efficace de ce côté-là. Je sais pas, non, mais je vais essayer d'inverser avec la caméra du visage, ouais. Parce que je zoome pas sur mon visage. Oui, effectivement, vaut mieux pas, mon amour. Zeus, un début de calvitie, non, peut-être qu'il pourrait peindre son crâne en trompe-l'œil, non, dit David. Qu'est-ce qu'il est méchant, lui. C'est qui, lui, qui a dit ça? C'est un nouveau ou c'est... C'est A. David. A. David, c'est un nouveau, ça, non? A. David. Non, ça fait quelques fois. A. David. A. David. Ah, ben il a vite pris le pli, dis donc, A. David, hein. T'es agressif comme les autres gens de ma communauté. Mais tu vois, moi, je comptais sur les nouveaux. Arrêtez, ça va pas. Moi, je comptais sur les nouveaux pour, tu vois, avoir un petit peu de... Je me disais, ça va rassainir un peu le chat, tout ça. Tu parles. Il n'y a rien qui peut assainir le chat. Solène, les cheveux de même couleur vont fondre les sourcils. Oui, ouais, c'est vrai. Ouais, les sourcils, on voit que ça, parce que pour l'instant, là, il y a les cheveux qui ne sont pas faits. Hein. Ça, c'est vrai. Palette humide, il y a un très bon tuto chez AS Miniature où apprendre à peindre sur figurine. Ouais, tout à fait. Alison, mon chéri a pris une boîte à bento, c'est très pratique et elle a le couvercle, ce qui permet que ça ne sèche pas. Tout ah oui, à fait. C'est pas mal. Ah oui, il faut un couvercle, hein, c'est l'idéal. Parce qu'après, votre palette humide, l'avantage, c'est que vous gardez vos mélanges. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fini de peindre, vous la refermez. Et si vous voulez même garder très longtemps vos mélanges, vous pouvez les mettre au frigo. Oui, ça pendant un temps, il m'a emmerdé avec sa palette au frigo. Ah, voilà. Et c'est très bien pour garder ses mélanges au frais. Mickey 24, me revoilou. Alors, on en est où? Tu nous as quittés, t'en étais où, toi? Mathieu Véré, oui, mais je te dis, j'ai du mal avec la palette humide, moi. Il y a les cornes devant les cheveux, ça va être drôle. Alex Raymond, ouais. Tu as le droit de conseiller une marque ou plusieurs de palettes humides du commerce? Il a tous les droits. Ah oui, bah, je suis maqué avec personne, donc je peux te conseiller. Hein. Et il est collé à personne. Non, ils n'ont pas voulu. Non, je n'ai pas demandé de partenariat. Il est libre, Max. Alors, Red Grass Games, j'aime bien. Ça, c'est les palettes de Red Grass Games que j'ai. La grande. Je trouve que la grande, elle est très bien. Parce que moi, je peins beaucoup et je m'étale. Et ça me permet de peindre même plusieurs figurines avec une seule palette. Tu vois, là, par exemple, les mélanges que vous voyez au-dessus, là, dans ma palette, c'est les mélanges de la figurine que j'ai peint hier. Et ça, c'est les mélanges de la figurine que je peins aujourd'hui. Donc, moi, j'aime bien, pour ça, Red Grass, parce qu'ils font des grandes palettes avec éponge imputrescible qui est très bien. Mais après, il y en a sûrement d'autres qui le font très bien aussi, mais je les connais pas. Alors, il y a Bismaquette qui dit boîte à jambon Fleury Michon, très bien aussi pour la palette. Ben oui, très bien. Solène Morvin, elle dit je déconseille la Army Painter, ah, trop petite. Ben oui, voilà, moi je trouve que trop petit, j'ai du mal, moi, il me faut une grosse. C'est-à-dire que ça, par exemple, pour moi, ça chez Red Grass, c'est une grande palette. Pour moi, c'est le minimum. Voilà. Pour vous expliquer carrément le fond de ma pensée. Elle est top, la Red Grass. Ouais, non, elle est très bien. La palette au frigo aide à garder ses mélanges, mais pas sa copine, faut choisir, dit Christophe Hardy. Ah bah oui, on peut pas tout avoir. Hein. C'est clair. Voilà. Tu le fais plus, hein, de mettre au frigo, ça fait longtemps. Là, ouais, ça fait longtemps, ouais, c'est vrai. Bah parce que... Parce qu'il fait frais, non? T'as pas besoin ici? Ouais, ici déjà il fait frais, c'est vrai. J'ai pas besoin. Il y a un peu de ça.
Voilà, ça ira très bien pour le visage. Vous voyez, j'ai exagéré même le... Alors vous, la caméra, ça sort plus rouge que ce que c'est en vérité. Enfin, plus blanc que ce que c'est en vérité. C'est-à-dire que vous voyez même le nez qui est quasi blanc. En vrai, c'est oui, pas... C'est vrai, c'est en vrai, c'est un peu plus ténu. Et c'est en tout cas suffisamment clair pour attirer le regard vers le centre de visage. Parce que c'est ça que, qui doit concentrer l'attention. Je vais juste rehausser aussi un petit peu à certains endroits. Voilà, donc là c'est du réglage. Vous voyez, la peau pour moi elle est terminée. Enfin, après il me reste un peu les mains à faire, mais bon. Ah, Ludo 1977, coucou. Il dit salut tout le monde. Coucou, salut Ludo. Salut Emily. Salut. Comment vas-tu ? Ma femme, les enfants, ça va, le travail, ça va, t'as vu ? Voilà, je rajoute un peu de blanc, vous voyez, pile poil entre les pecs. Alors pourquoi ici, je mets de la lumière ? Parce qu'a priori, on pourrait se dire, c'est un creux. En fait, il ne faut pas tomber dans le délire, comme c'est un creux, j'ombre. C'est faux, en fait, ça dépend où vous situez votre creux. Là, mon creux, il est au-dessus, il est plein fer sur mon éclairage zénital, donc il prend la lumière. Donc mon creux doit être lumineux, vous voyez ? C'est pour ça que la lumière placée là, en fait, même s'il pourrait paraître illogique, en fait, elle n'est pas illogique du tout. Guillaume dit Zoz, il lui faut une grande palette plus sa main, c'est pour dire. Ouais, moi je pars partout. Moi. Alors après, si vous voulez bien faire, là, si vous êtes en mode concours, là, ce que vous pouvez faire, là, vous prenez des couleurs encore un peu plus claires, là, et vous venez taper, vous voyez, tous ces petits points blancs là. Normalement, si on veut bien faire, il faut aller les chercher. D'accord ? Donc vous faites ça là. Tu veux aussi dire, je suis complètement d'accord avec toi, Zoz, la grande des fois trop petite. Bien sûr. Oui, Ludo, Zoz est remis. T'as raison. Non, ça étouffe beaucoup moins. Par contre, c'est Roman qui a pris le relais. Ouais, ces petits points blancs, là, c'est bien d'aller les taper un peu, là. Donc, oh, on va faire quelques-uns. Qu'est-ce qu'il Il dit vaut mieux une petite palette ferme ou une grosse qui tombe ? Une grosse qui tombe. Pour reparler de la conversation de tout à l'heure. Ah ben, quoi. Bravo, tiens. Vous voyez, vous avez tapé des petits... Là, plein de petits picots, là. Bah, c'est bien d'aller les chercher, ces petites textures, là. Peut-être pas toutes, mais voilà. Apprendre la peinture sur figurine a fait une vidéo sur les palettes humides à voir, 37 MFS. Ouais, n'hésitez pas, hein, à aller vous faire des, à vous donner des petits tips comme ça. Vous voyez, c'est bien aussi de mettre en valeur aussi ces petits picots là, parce qu'ils sont là déjà, ils sont sculptés. Ça rajoute encore un peu du caractère à la figurine. Mika bon. Du 24, c'est sympa, il dit « Quand on voit la qualité des figous peintes niveau tabletop, le jour où Zoz va peindre niveau concours, faudra mettre les lunettes de soleil pour voir le live. » Ouais, bah, faut du temps hein, pour peindre niveau concours. Des fois, je... Bah, après, attention, ça veut pas dire que je serais capable de, d'être... Ouais, si, je suis une bête, en fait. Ouais, t'as raison. T'as raison, mec. Non, mais après, toujours pareil, quand t'es peintre pro, comme tu peins pour les autres... Ben, niveau concours, tu peux. Voilà, à part si tu fais des pièces pour toi. Sinon, c'est. Si tu fais niveau concours sur toutes tes pièces, financièrement, tu t'en sors pas. Hein. Fabien, je nous dis bonne nuit. Après, bonne si nuit, le client Fabien. A le budget, tu peux le faire. Hein. Si le client a le budget, s'il te demande une version studio. Une version studio, c'est quasi du concours. Hein. C'est du... Voilà les petits points blancs, vous voyez, comme ça, là. Voilà, bon. Vous avez compris, je vais en faire un petit peu là. Alors normalement, sur le niveau de commande qu'il m'a demandé, je le fais pas ça. Donc là, c'est cadeau bonus hein, pour le client là, s'il regarde. Hein. Évidemment, je pourrais pas faire ça sur toutes les filles. Hein. David dit l'éclairage de la fille est magnifique. Merci beaucoup, David. Raymond dit je découvre votre chaîne et j'adore votre concept de duo cool pour le chat, je reviendrai. Ah, ça s'est fait tout seul. Hein. C'est toi qui es venu me casser les couilles quand je t'ai entendu peindre, puis petit à petit. Et je suis comme une moule à son rocher. Je m'agrippe. Ouais, un petit peu de bleu là, ici, dans les creux, là, c'est pas mal ça. Le chat bug toujours, demande Mika du 24. Écoute, ça a l'air d'aller un peu mieux là depuis quelques temps. Enfin, je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais moi j'ai moins de décalage quand même. J'ai essayé de regarder de temps en temps entre mon portable et. La peau, la tête, on a fait. S'il y a là, qu'on peut faire. Attendez, faut que je regarde. Parce que je, faut pas que je me plante non plus. Parce qu'on rigole, mais faut quand même que je fasse ce qui est prévu dans la photo, quoi. Dans le... Voilà, ok. Bon, ça, ça se fait comme ça, Ok, à peu près. Et après, ok. Manu dit Zoz, comment définirais-tu une fille TT? Tabletop, j'imagine.
Une figue tabletop et une figue concours. Oh là là, bah alors là, bah c'est tout simplement le temps que tu vas passer sur la pièce, mais alors après c'est délicat parce que ça dépend énormément de la façon de peindre du peintre et du niveau du peintre. C'est-à-dire que je pense que tabletop, de toute façon, c'est toujours des querelles de clocher. En fait, il n'y a pas de tabletop universel, il y a un tabletop pour chaque peintre. C'est-à-dire que moi, par exemple, un tabletop, c'est quand je prends une figurine de 3 cm, figurine piéton standard, et que je passe une heure dessus, c'est mon tabletop. Voilà. Dès que je vais passer plus de temps, bah c'est du tabletop plus, du tabletop, etc. Mais après, la difficulté, c'est que chaque peintre, en une heure, ne va pas abattre la même quantité de travail et obtenir le même résultat. Donc, compliqué à définir un tabletop. En tout cas, un tabletop, c'est, voilà, c'est une figurine que... La vocation du tabletop, c'est à être posé sur une table de jeu et à une distance de regard de jeu. C'est à peu près un mètre, hein, quand tu es à ta table, avec ta figurine posée, tu la regardes, voilà, t'es pas le nez dessus, bah que ça ait un aspect assez joli. Mais là encore, c'est subjectif. C'est-à-dire, il y en a pour qui le joli, bah, c'est à partir d'un certain niveau de peinture. Il y en a pour qui le simple fait d'avoir mis en couleur sans ombrage ni éclaircie, c'est déjà joli. Donc après, voilà, compliqué. Pas simple hein, à définir parce que c'est vraiment... affaire de sensibilité. Mais en tout cas, voilà, le tabletop d'un peintre, tu peux le définir comme étant, à mon avis, ce qu'il est capable de produire en une heure de temps sur une figurine de piéton. Voilà, c'est son tabletop à lui. Mais après, c'est son tabletop à lui. Est-ce que ce sera le tabletop d'un autre? Tu vois? Pas simple. Tu as aussi dit vachement sympa ce Shrek, finalement. Ouais, c'est vrai qu'il fait un peu Shrek. Frédéric Fomentin, ce sont les petits vieux du Muppet. Obis Maquette, j'imagine que version studio, tu la travailles pas pareil. Qu'est-ce que tu changes dans ta façon de peindre? T'as peut-être un peu répondu dans ce que tu as dit. Ouais, bah en fait, ça peut être assez similaire dans le début. Hein. La version studio, si tu veux, par exemple, pour te donner une idée, ce que j'ai fait là sur les yeux, ou le visage, ou la lèvre, tu vois, où j'ai dégradé la lèvre, là, je la monte, ben, en fait, je rajouterai encore des étapes, tu vois. C'est-à-dire que la lèvre, je la monterai encore un petit peu, tu vois, je rajouterai ça, voilà. Encore un petit point d'éclaircie, et je le flouterai. Et puis, je finirai par rajouter encore un petit point blanc, ici. Tac. Voilà. Et petit à petit, tu vois, tu montes le level. Donc, c'est les étapes, voilà. Tu vois, la lèvre, elle ressort encore davantage ici, parce que je l'ai bien dégradée avec un petit point blanc. Voilà, bah si tu imagines maintenant, ça fait partout, sur le menton. Après, tu peux rajouter aussi, par exemple, sur les pommettes, un peu de rouge, par exemple, tu vois, dessous, pour donner un peu de tonalité, tu vois, ajouter de la texture, tu vois, faire des filtres colorés, comme ça, tu vois. Plein de petites choses comme ça que tu peux faire pour enrichir, et bah, c'est le temps, c'est toujours pareil. Hein. Et puis là aussi, ce qu'il y a quand tu commences à viser les concours, c'est que tu fais pas que la figurine, tu as son socle, sa mise en scène, tu as tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Donc tu vas à la fois pas forcément avoir un départ qui va être très différent de celui que j'ai fait là, enfin en tout cas pour moi, mais par contre la quantité de travail faite dessus, ça va pas être la même. C'est-à-dire que tu vas, voilà, la lèvre là par exemple, tu vois, monter au blanc, je le ferai presque sur toute la peau de la figurine, tu vois. C'est-à-dire partir que toute la peau ait cette valeur de contraste là. Tu vois, là je vais volontairement calmer le jeu et rester un peu plus plat parce que sinon bah, c'est interminable. Tu vois. Et puis si tu surélèves une zone trop, tu es obligé de traiter tout le reste. Tu vois, si tu commences à éclaircir de manière très très poussée toutes les parties, tu commences à faire la peau très éclaircie, bah, il va falloir que tu fasses l'épaule, le tout quoi. Voilà. Mais ça va être l'intensité, tu vois. Par exemple, là, en intensité, je suis encore monté en milieu des pectoraux. J'irai pratiquement jusqu'au point blanc, là, tu vois, comme je l'ai fait sur la lèvre. Et puis, je gagnerai encore en luminosité ici. J'ajouterai un peu plus de lumière ici que sur le bas du ventre. Et puis, je ferai plus de points ici. Et puis, je rajouterai un peu d'enrichissement ici avec, tu vois, des petits glacis de orange ou de rouge, comme je l'ai fait là, tu vois, ici. Mais encore un petit peu plus incorporé. Je rajouterai un petit peu de bleu là, dans les ombres. Enfin voilà, c'est à chaque fois tu fignoles, tu vois. Ici, voilà, je rajouterai des petites pointes comme ça, tu vois, de bleu. Voilà, pour gagner encore un petit peu en richesse dans les ombres. Voilà, tous ces trucs-là. Mais le truc, c'est que, ben voilà, tu passes du temps, quoi. Régis de Melan, il a dit peindre en vous écoutant, c'est motivant.
Ah ben tant mieux, c'est le but. Alors Guillaume, il dit que pour lui, le chat, il merde encore. Ah merde. Ouais. Mais je suis d'accord, enfin, c'est pas un moment en fait. Ça va mieux pendant un temps et puis ça repart, je sais pas. Mathieu Verret, où t'as mis les LED, Zoz? Les LED? Ouais. Ça lag des fois, j'ai pas compris. Qui arrive vers minuit et demi, toujours 40 viewers et 59 likes, vraiment cool. Ouais, et... c'est vrai, hein. Vous tenez bon, les gars, hein. Maxime Bizio, oui, Madame Tipeee est devenue indispensable, c'est gentil à ce live, c'est pour ça que je suis là, au moins le chat est lu et Zoz peut répondre à nos questions, c'est top. Merci Maxime, c'est gentil. Ouais. Ça va. Oh, arrête-toi. Mathieu Verret, ça a coupé, hein, il y a un petit souci apparemment. Nika du 24, Zoz, tu peins plusieurs figues en même temps ou qu'une seule à la fois? Plusieurs figues en même temps quand je fais du tabletop ou du tabletop plus... plus, enfin voilà. Quand je suis sur la figurine de jeu, je peux en faire plusieurs en même temps. Quand je suis en live, non, évidemment. Et sinon, dès qu'on commence à viser des niveaux supérieurs, c'est-à-dire chez moi du niveau 2, 3, etc., là, c'est une par une. Bah après, non. Des fois, c'est par le temps de séchage. C'est-à-dire, j'ai trois figurines devant moi et j'organise mon temps de travail parce que je laisse sécher celle-là, puis je fais celle-là, voilà. Mais sinon, dès qu'on commence à monter en niveau de peinture, je fais une par une. Adeptus Barbouillus, il dit, il y a un niveau tabletop pour chaque peintre, mais s'il faut juger le niveau sur une heure de peinture, je suis niveau et barbage. Ouais. Après, oui, enfin, quand je dis une heure de peinture, c'est une fois que la figurine est préparée, hein. Évidemment. Hein. Ah oui, non, sinon... Et Malou, elle dit, moi, pareil. Oui, non, mais je vous rassure, hein. Même le peintre pro, hein, il fait du montage. Hein. Donc là... là, ça va être moins rigolo pour vous, mais bon, je vais le peindre quand même un peu, et puis après, on va s'arrêter. Merci pour les explications. À David, qu'est-ce qui t'a fait progresser au début de ton apprentissage, même si j'imagine que ça fait une paye? Qu'est-ce qui t'a fait progresser au début de ton apprentissage? Alors, une paye, pas tant que ça. Enfin, si, t'as débuté il y a longtemps, ouais. Mais où tu t'es mis vraiment dedans, c'est récent. En peintre pro, oui, c'est récent. Ouais. Peintre pro, ça va faire 4... C'est 2019. Ouais, fin 2018 à peu près, peintre pro. Non. Mais j'avais commencé à repeindre bien avant quand même. T'avais, ça fait 4 ans que je peins régulièrement. Pas... Pro, ouais. Ça va faire 2 ans. En pro, c'est 2019, ans. Parce ouais, que c'était voilà. Après moi. C'est ça, ouais, à peu près 2 ans. Non, ce qui aide beaucoup, moi, c'est les cours. Je vais être tout à fait franc avec vous. Les cours avec des pros, ça m'a... Alors, en fait, j'en ai pas fait 50, hein, mais... Le fait de faire, à mon avis, à un moment donné, quelques cours, au moins un ou deux avec un pro, ça vous aide vraiment à passer les paliers, je trouve. Perso, après, il y a la pratique, et l'observation, c'est-à-dire ne pas hésiter à regarder, tiens, comment il fait pour faire ceci, comment il fait pour obtenir tel résultat, regarder des tutos, essayer de reproduire, de tester des trucs, pas avoir peur de rater des figurines. C'est-à-dire ne pas hésiter à sortir sa zone de confort et tester, se dire, tiens, ça, c'est pas comme ça que je l'aurais fait. Je vois un peintre pro, là, sur la chaîne, il fait comme ça. Ça veut pas dire que je veux peindre comme lui, mais j'ai envie de tester. Et en fait, en faisant ça, ça vous apprend à manipuler la peinture, à la mélanger. Et au fur et à mesure, ben, ça vous apprend à savoir comment la peinture se comporte et à développer votre propre style. D'accord ? Mais ça, vous pouvez le faire, à mon avis, qu'une fois que vous avez un peu essayé plein de choses sans que ça vous corresponde ou qu'instinctivement, vous n'ayez eu l'idée d'y aller tout seul. Donc, c'est bien d'expérimenter, de dire, tiens, lui, il fait comme ça, et ben j'y vais. Et pas avoir peur surtout, pas se laisser intimider par ces petits bouts de plastique, là, faut y aller, quoi. Faut pas avoir peur de rater une figue. Si vous avez peur de rater une figue, ben, vous allez être timide dans vos coups de pinceau, dans tout ça, et ça va pas être productif. Alors, Alison a dit, j'adore vous écouter en faisant autre chose. Il n'y a que la musique qui m'endort perso. Alors, la musique du... Ah, du live. Du live, je pense. Eh ouais. Alors, c'est quoi que t'as mis? Je sais pas. C'est une musique... Tu sais, c'est ma playlist automatique, là. Bah, j'en mets toujours parce que si t'en as pas, ça fait vide, apparemment. Ouais. On m'a déjà dit. Alex Raymond, tes trois figues préférées de ce début d'année? Que j'ai peintes ou de sortie? Je suppose que tu as peint. Ah, oh là là, de ce début d'année. Ah ben, j'aime bien mon... Ça va être dur parce que tu en as déjà peint quand même pas mal aussi. Donc, ouais, t'as tout en tête, là.
Non, 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 enfin là, comme ça, viteuf, je te dirais, ah si, il y a celle-là, j'aime bien. Ouais, celle-là, elle rentre bien, je trouve. Ça, j'aime bien celui-là, là. Mighty Zug. J'aime bien Mighty Zug. Et après, ben, le problème, c'est que je les ai renvoyés, les autres Ouais, donc préférés. ça va pas. Ça, j'aime bien. C'est une de mes préférées. Ça, j'adore la sculpture, en fait. C'est pas tant ma peinture. Enfin, ma peinture, oui, j'aime bien ce que je fais. Heureusement, j'essaie de faire un truc qui me plaît, tu vois. Donc, ma peinture, oui, j'aime bien. Mais j'adore surtout la figurine, en fait. J'adore la sculpture de cette figurine. La tronche qu'elle a, les langues qu'elle a, l'anatomie, le mouvement. Enfin, voilà. Ça, c'est une de mes préférées du début d'année, si c'était peut-être ma préférée. Et après, les deux autres, c'est, je les ai renvoyés. Il y avait le Abaddon que vous pouvez trouver sur mon Instagram si vous cherchez un petit peu. Et après, je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas d'autre? Je sais plus. Je sais plus. Les deux là. Mais tu verrais, ils disent Zeus, tu as commencé quand la peinture? Pouf! Voilà, j'ai commencé en. 92, non? Avec la Tu avais sortie dit, je de crois. Warhammer. Donc tu vois, ça date. Je vais dézoomer un peu pour faire la mimine. Avec la sortie de War. Non, pas de Warhammer, je te dis n'importe quoi, de HeroQuest. Donc j'ai commencé avec la sortie du jeu HeroQuest, les copains. Donc c'était dans les années 90, début des années 90, si je me souviens bien. C'était avec Christian, mon pote à moi là. Donc on joue à Warhammer, on voit les figurines qui sont pas peintes et on se dit, wow, t'imagines si tout ça c'était peint. Là-dessus, on voit que son frère, il a de la peinture en maquette et qu'il peint des maquettes avec et on se dit, mais on va peindre nos bonhommes avec. Donc c'était avec l'énamel à l'époque. Des peintures horribles, faites pour peindre les maquettes, mais pas du tout les figurines. Donc on a commencé avec ça, avec l'énamel. Et puis après, ben voilà, là on était déjà tombé dedans, là. Et puis après, il y a ben, les jeux de figurines. Donc ça a été dans les années 90. Après, il y a eu évidemment, ben, on s'est forcément intéressé avec les boutiques de jeux de rôle qui ont ouvert dans notre région. C'était à Toulon, moi je suis. C'était la boutique qui s'appelait Chocho. Je passe d'ailleurs un petit bonjour à Chocho, s'il nous regarde, je ne pense pas, parce qu'il n'est pas trop peinture figurine, il s'en fout lui, mais en tout cas, c'est un très bon ami. On se côtoie encore maintenant, là. Et donc Chocho à l'époque. Donc c'était la boutique de jeux de rôle et là-bas on voit bah, des figurines de Games Workshop et puis après on commence à voir qu'il y a des bouquins pour apprendre à les peindre et tout ça. Et puis d'autres jeux qui sortent et puis voilà on était tombé dedans quoi. On peignait les bonhommes, on a commencé à faire des wargames avec les copains. Moi j'étais plus fan de peinture que des wargames. Je me faisais exploser à chaque fois parce que moi je cherchais à jouer des unités que je trouvais classe et pas forcément qui étaient... hyper efficace en jeu. Donc c'est un peu le défaut des mecs qui sont trop attirés par la beauté des figurines et qui se foutent de souvent c'est un profil à part entière ça, hein. Le mec qui se fout un peu de gagner ou perdre mais qui sur il joue une figurine parce qu'il la trouve belle. Ben, ça c'était un peu mon souci. Et puis voilà, hein, après du coup, il y a eu des périodes où j'ai arrêté de peindre parce que bah voilà, je faisais autre chose. Du jeu de rôle, j'ai adoré le jeu de rôle, j'en ai fait beaucoup à un moment donné, j'aimerais bien en refaire là, avec des copains, du jeu de rôle, des jeux de plateau, pas mal, et puis après ça m'a rattrapé, parce qu'avec les jeux de plateau, ça commençait à me plaire, il y avait des figurines pas peintes, je me suis dit, ouais, ce serait cool si on les peignait, donc rebelote, je me remets à peindre, et puis après le boulot aussi, j'avais envie de faire autre chose, et puis... J'avais fait des tutos peinture parce que je trouvais ça intéressant pour Batman. Enfin, non, j'avais posté des figurines peintes de Batman qui avaient été remarquées par Monolith. Ils m'ont dit, tu veux pas nous faire des tutos vidéo? J'ai dit, bah allez, ok. Et j'ai fait des tutos vidéo pour eux sur la première sortie de Batman, le jeu. Mais ils avaient déjà un peintre pro, hein, qu'ils ont déjà toujours. Hein. Ils travaillent avec Martin Grandbarbe. Et là, ça a plu aussi, j'ai commencé à me faire connaître et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de faire d'essayer de tenter de devenir peintre pro. Parce que je travaillais dans l'immobilier, mais l'immobilier, ça faisait 17 ans, j'avais fait un peu le tour. Et je préférais faire de la peinture ou de la formation.
Et la formation, maintenant, là, depuis peu, j'ai réussi à reconnecter à faire de la formation dans l'immobilier et à faire la peinture sur figurine. Donc, j'aimerais bien pouvoir continuer à faire les deux. De toute façon, il faut les deux hein, pour que ce soit viable, moi, financièrement. Il faut actuellement les deux. Sauf si bah, peinture sur figurine se développe encore plus, le Tipeee aussi, mine de rien, hein, un peu fort à mesure, ça aide. Et évidemment, après, bah, si j'ai d'autant plus de temps grâce au Tipeee ou trucs comme ça, bah, c'est, je développe plus les tutos, la chaîne, les machins comme ça, quoi. Ludo1977, il dit « Je confirme, les cours, ça fait vachement progresser. » Merci, Ludo. Ah oui. Et la pub. Ouais, ouais, non, c'est clair. Bah, ouais, ouais, bah, c'est gentil. Non, non, mais c'est les cours avec, avec quel que soit le peintre. Hein, si vous avez. Bon, il faut qu'il ait un peu de pédagogie quand même, hein, qu'il ait des trucs à vous apprendre quand même. Mais bon. L'observation, en fait, ouais, le fait de voir d'autres gens peindre, surtout d'échanger les techniques entre vous, quoi. Quand je dis entre vous, c'est entre gens qui aiment peindre. Hein. Moi, j'avais pas la chance d'être dans un club de peinture là où j'étais dans mon coin. Donc on pouvait pas trop s'échanger des techniques avec des potes parce que bah, il n'y avait pas trop de clubs de peinture, donc je pouvais pas voir trop facilement d'autres peintres. Mais tu verrais, il dit que malgré les cours, ça n'empêche pas de peindre comme une bite. Bah, pas possible Mathieu, t'as forcément progressé Mathieu. Guillaume, ta dernière bleue est folle quand même aussi. La dernière bleue mmh. Ah, le... La dernière bleue. Ah, lui. Bon, il est simple, hein, lui. Hein. Mais tant mieux si tu la trouves très bien. Mais tu sais, c'est un peu de la trappe-couillon. Hein. Pas pour dire que c'est mal fait. Hein. C'est, il faut le faire, il faut l'utiliser, ça. Tiens, une petite trosse, là. Tiens, de suite, réparer ça. Mighty Zuck, tu l'as déchiré, j'adore. Adeptus Barbouillus. C'est qui, Mighty Zuck? C'est la figurine de Blood Bowl. D'accord, ça me dit rien de plus. Oh, dis donc, il y a un petit peu. Frédéric Fromentin aussi, la peinture de Mighty déchire carrément. Ah. Choose ton Abaddon est fou. Ah, Maxime Buzio, bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, la Zos Family. Bisous, bisous. Bonne nuit. Maxime. J'ai failli jeter mon pinceau. Oula. Franck Lédié, j'adore. Frédéric Fromentin, pourquoi l'énamel est plus adapté aux maquettes qu'aux figues? Oh, parce que c'est de la peinture, déjà c'est pas de la peinture acrylique, tu peux pas faire des mélanges. Enfin l'énamel, moi, alors après ça fait des années que j'en ai pas touché hein, l'énamel. Hein. Je te parle de l'énamel quand j'ai peint dans les années 90. Mais dans mon souvenir, c'est des peintures déjà qui sont épaisses, c'est des couches épaisses, c'est pas du tout fin. Donc tu peux pas du tout avoir la précision. Ouais. Mathieu, il dit, ben, l'énamel, tu dilues au white spirit. Ouais, ouais. Et puis moi, je diluais pas à l'époque. Alors peut-être que maintenant, je reprendrai de l'énamel, j'en ferai quelque chose de bien. Mais à l'époque, carnage, quoi. Guillaume, il dit, et comment un peintre en figue rencontre une naturopathe? Ben, à l'époque, il peignait pas. Enfin, je vois spécialement... Mais comme vous, les gars, vous dites pas que vous êtes peinture figurine quand vous rencontrez des gonzesses. Ah ouais, c'est-à-dire vous dites, ouais, je suis cascadeur. Non. C'est-à-dire qu'en fait, dans les deux cas, il me faisait fuir de toute façon qu'il me dise qu'il était agent immobilier. Ça partait mal. Ou peintre sur figurine, je crois que je lui aurais pouffé de rire au visage, quoi. Donc, non, ça partait mal entre nous. Elle s'est assise sur les genoux d'un autre homme qui lui a parlé d'astrologie le soir où elle m'a rencontré. Bon, enfin, bref. Mais j'étais pas naturopathe non plus, cela dit Guillaume, à l'époque. Elle était donc, poseuse de moquettes à la banque du sperme. Exactement, voilà. Mathieu, ça criant un peu pour le plastoc. Ça craint un peu pour le plastoc, il dit. Alors je suppose qu'il parle de l'énamel. Puisque ouais, c'est peut-être, ouais. Mais alors tu sais, moi j'ai un très mauvais... Enfin, je garde un souvenir rigolo de l'énamel. Mais je sais pas, peut-être que bien manipulé, tu peux faire des trucs de dingue. Hein. Mais je pense pas, hein. Sinon ça se saurait. Si on pouvait faire des trucs autrement plus poussés que ce qu'on fait en maquette, je pense que ça se saurait. Thierry Vard dit Zos, faut brancher Jean-Loup pour le jeu de rôle. Ah ouais, il aime bien les jeux de rôle, Jean-Loup. Solène, j'ai essayé de refaire tes lives, des larmes d'humilité sont tombées. T'as essayé de refaire quoi, les lives? Tes lives! Les larmes d'humilité sont tombées. Ah, de refaire ce que je faisais dans les lives? Ouais, je suppose.
Nika du 24, Zos, quels sont tes projets avec le Tipeee? Alors, projet avec le Tipeee. Déjà, alors, si ça se développe bien, c'est d'essayer d'y passer encore plus de temps. D'accord? C'est-à-dire, en gros, toujours pareil, si le Tipeee se développe bien, je peux prendre moins de commandes. Si je peux prendre moins de commandes, là, j'aurai plus de temps et je fais des tutos montés, chiadés, un peu comme j'avais fait au tout début. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, c'est-à-dire des tutos vraiment avec un montage pas à pas. Pas en live. Enfin, pas en live. Si, je continue à faire les lives parce que j'adore faire les lives. Non, mais des tutos. Mais bien en sûr, plus, pas en live. Voilà, des vrais tutos complets, bien montés, etc. Et ça prend du temps. Ouais, ça prend du temps pour faire des bons montages, etc. Inviter des gens, d'accord. Tester, peut-être après passer sur des tests. De matos, etc. Mais à partir du moment où le Tipeee le permet, c'est-à-dire qu'en gros, soit les partenaires, parce que la chaîne elle a suffisamment de reconnaissance, décident de m'envoyer des trucs, mais je suis plus chaud que ça vienne par le Tipeee que par les partenaires. Pourquoi? Parce que si ça vient par le Tipeee, je veux pouvoir être complètement libre de dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, tester des trucs, de vous orienter sur des matos, des jeux, des figurines, tout ça. Qu'on pourra parler de jeux, pourquoi pas, hein. Après je ferme rien, même parler de jeux de rôle, de plein de choses, enfin voilà, le but peut-être explorer l'univers geek encore plus largement, pourquoi pas, même s'il faut que ça reste à mon avis une chaîne de peinture à la base, mais en tout cas tester des trucs, voir comment ça prend, etc. Et de le faire avec des moyens, des invités, mais voilà, tout ça demande du temps, et le temps c'est de l'argent, quoi, c'est-à-dire que le temps que tu passes à faire ça... C'est du temps où tu peux pas peindre pour des commandes. Donc il faut que le Tipeee, entre guillemets, marche, quoi. Ou que les commandes marchent. En tout cas, les deux, quoi. Plus le Tipeee que les commandes. Il faut que les commandes se maintiennent parce que c'est obligatoire. Parce que c'est ce qui est le plus rémunérateur, quand même. Tipeee, ça peut prendre la place, mais sur du long terme, s'il y a beaucoup de tipeurs, tu vois. Mais voilà, si Tipeee se développe bien, il prendra la place de plus en plus des commandes. Ça veut pas dire que j'en ferai plus, hein. Mais je serai plus sélectif sur les commandes, peut-être. Et surtout, pour développer toujours plus de contenu multimédia. Invités, jeux, peinture sur figurines, tutos montés, échanger avec la communauté pour savoir de quoi vous voulez parler, comment on le fait, etc. Et comme si ça passe par le Tipeee, il n'y aura pas de « Tiens, tel truc m'a envoyé son machin, il faut que j'en dise du bien. » On s'en fout, quoi. On dira vraiment ce qu'on pense de tout. On est toujours plus libre, quoi. Voilà, ça le truc de lequel je tomberai pas, le panneau dans lequel je tomberai pas, c'est dire du bien d'un truc que j'ai pas envie de dire du bien, quoi. Obis Maquette, il dit le Discord aide beaucoup pour ça, les conseils, toute la commu. Apparemment. Ouais, tant mieux, hein. Tant mieux. Faut que j'y sois plus sur Discord, mais c'est pareil, hein, c'est pas l'envie qui manque, hein, c'est ouais, pas que je boude, mais c'est que temps. C'est le temps. Toujours pareil, le temps. Mathieu dit, mes filles, suffit d'aller pour voir ces filles, il suffit d'aller sur le Discord Zeus, vous verrez mes filles. Ouais. Bon, voilà, retour sur la troisième Jeven, les peintures AK, ça a l'air sympa. Troisième génération. Ah. Je pense, des peintures AK. Ouais, ça a l'air sympa. Voilà, par exemple, tester des peintures, vous voyez là, j'ai grâce au tipeur. J'ai acheté de la peinture Chimera et faut qu'on la teste. Donc quand on aura fini cette figue, c'est ce que j'avais prévu de faire, teste aussi les peintures Chimera. Autre format aussi que je veux développer, mais pareil, voilà, si toujours pareil, c'est du temps et toujours pareil, hein, même mon raisonnement, c'est les retours sur vos figurines. Faire une émission où j'analyse vos figurines et je reviens avec un logiciel de retouche où en direct je retouche les pièces que je regarde, chacun des peintres qui m'envoient leurs pièces. Ça peut être très intéressant, ça aussi. Enfin voilà, il y a des idées. Ah, David, il dit « Salut, je peins des gnomes en plastique. » Je suppose que c'est ce qu'il imagine que tu aurais pu me dire quand on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. En fait, ça le fait pas, quoi. Salut. Chacun son truc, hein, mais... Salut, je peins des gnomes. Tu veux sortir avec moi? Régis de Melan, Toulon, quel souvenir pour moi, 1985, le France Sud Open au Fort Faron. Ah, au Mont Faron. Ah oui. J'ai failli faire un concours de peinture avec Croc en une demi-journée avec des figues de samouraï de chez Citadel. Eh oui, c'était à l'époque de dingue, ça.
l'époque du fort pharaon. Moi, j'ai pas fait, enfin, j'étais jeu de rôle un peu à cette époque-là, mais j'étais pas GN et compagnie, et j'étais pas encore au point de participer à des trucs comme ça, quoi. J'étais un peu jeu de rôle, un peu en privé avec mes potes, mon cercle fermé d'amis, un peu joué qu'entre nous, quoi. Comme ça que j'ai découvert le jeu de rôle, moi. Plus que véritablement en club ou en. Hank Dizos, il lui a dit qu'il était doubleur lumière de Brad Pitt, c'est à peu près ça. Mais oui! Regardez, Brad Pitt! Roi Neptus, il s'est servi de Joanne comme appât. Joanne. Hop. C'est vrai, ça pourrait être possible. Ludo, 1977, l'énamel, c'est pas les pots qu'il fallait ouvrir au tournevis. Exactement. Tout à fait, Ludo, t'as tout compris. Il fallait y aller, mais comme un sourd sur l'énamel, les gars. Je me souviens. Oh là là, puis t'avais pas énormément de peinture dedans. Puis c'était épais, t'avais l'impression de peindre avec du plastique fondu. Horrible. Aletus, il dit, tu as joué à quel JDR? Alors, jeu de rôle que j'ai joué... Cyberpunk, vous devez connaître, hein, ça passe en ce moment. Warhammer, moi j'ai découvert avec Warhammer. C'est le frère de Christian, toujours le même pote avec qui on a joué à Warhammer, à HeroQuest, je vais y arriver. C'est son frère qui nous a fait découvrir le jeu de rôle. Un jour, il vient, il nous dit, voilà, installez-vous, je vous donne des papiers, c'est des personnages. Mais qu'est-ce qu'il fait, ce con, c'est n'importe quoi. Et il commence à nous lancer dans une partie de Warhammer. Lui, c'était le grand frère de Christian. Et nous, on était les dominos. Et il nous lance sur Warhammer. Et en plus, le mec, il était très très bon master, très bon compteur, très bon, donc en fait, découverte du jeu de rôle dans les meilleures conditions possibles. Et donc, j'ai découvert le jeu de rôle avec Warhammer. Et après, j'ai joué donc à Bloodlust, que j'ai kiffé aussi, nominé Satanis. J'étais tout le temps maître de jeu. Après, j'ai kiffé être maître de jeu. J'ai pratiquement tout le temps fait maître de jeu. Warhammer, évidemment. Cyberpunk, aussi. Beaucoup. On a beaucoup joué à Cyberpunk. Donc, autant vous dire que j'étais super excité quand ils ont sorti le jeu. Et puis, finalement... ouais, c'est bien, mais bon, c'est pas... Et puis, voilà. Guillaume, il dit, c'est dingue l'image qu'on a, nous, les Wargamers, alors qu'on est nettement au-dessus de la moyenne des hommes. Tester des trucs avec les viewers, style avec Joanne Musso. Ouais, pourquoi pas. Ou si, voilà, essayez de faire un truc où, par exemple, je vous fais intervenir, vous. C'est-à-dire, on ouvre le canal, et puis bah, vous intervenez, comme fait Madame Tipeee, là, par exemple. Ouais, on discute, on peint. On boit un petit thé. On boit un petit thé, puis je fais venir une personne, et puis on en prend une deuxième. On peut faire venir comme ça 3, 4, 5 personnes dans la soirée. Pas en même temps, mais à tour de rôle, ça peut être sympa, ça. Ludo 1977, il dit la liberté, il n'y a que ça de vrai. Et il applaudit. Oui, tout à fait. Voilà, et puis moi, en plus, je suis dans l'idée d'essayer aujourd'hui, si tu peux avoir plusieurs activités qui te rapportent de l'argent, c'est plus intéressant. Tu fais pas tout le temps la même chose. Tu es plus libre. Et puis en avançant dans l'âge, tu as toujours envie de faire des trucs qui te plaisent, quoi. Plus que. On vit qu'une fois, quoi. Donc, Guillaume, il dit tu peux dire je suis artiste peintre. Oui. Maintenant, il le dit. Ouais, non, je dis pas artiste peintre. Hein. En rigolant. Je me la pète pas comme ça. Non, il dit en rigolant. Il dit que ça fait mieux que dire qu'on peint des figurines. Ah oui. Oui, c'est vrai, oui. Oui, je devrais dire ça. Alors, Michael 24, il dit Zeus, quels peintres t'ont influencé? Alors, Banshee. Beaucoup. Banshee, vous irez voir si vous êtes un peu curieux. Donc Banshee, c'est Alfonso Giraldès. Pas confondre avec le Alfonso Giraldès que vous connaissez, c'est un peu un homonyme. Vous tapez Banshee en peinture sur figurine, vous allez voir. Après, il y a Roman Lapate aussi. Roman Lapate que j'ai adoré. Et après, pas mal de peintres dont j'ai oublié le nom. Et puis surtout, j'ai été influencé par pas mal de dessinateurs plus que de peintres, en fait. Enfin. Je dis des conneries, plutôt pas mal de peintres 2D, pas sur figurine, que de dessinateurs. Par exemple, Simon Bisley, j'ai adoré. Enfin, j'adore toujours. Frazetta, Brom. Voilà, fait partie des.
Alors, ça va, je vais perdre tout, donc je continue l'analyse sur figurines. Il faudrait que ce soit des figurines de tipeur. Je t'encourage d'autant plus que je ne suis pas tipeur, dit Thierry. Oui, oui, non, bien sûr, je commencerai avec des figurines de tipeur, parce que ben, voilà, c'est ceux qui te soutiennent qui doivent avoir la primauté, hein, ça me paraît logique. Hein, Lionel Boula, les peintures AK sont juste excellentes. Je me suis équipé full AK et avec la Citadelle et de la Valero, ça permet d'être super complet, d'avoir une large gamme de possibilités. Ah ouais? Est-ce qu'elle est suffisamment... Moi, j'aime bien quand la peinture, elle est couvrante et qu'elle est fluide. Qu'elle n'est pas trop, trop chargée en médium au point que tu as du mal à appliquer des couches homogènes facilement. Tchuss, il dit à Lionel, j'hésite à acheter AK, il n'y a pas beaucoup de retours. Ah ouais? Ouais, il faut tester, quoi. Adeptus, il te répond que du bon JDR. Ouais, après, il y en a d'autres, hein. Je me souviens plus, il faut que je regarde derrière parce que j'en ai plein, hein. Oh oui, on en a plein. Frédéric Fromentin, ah le JDR, je viens d'initier ma fille de 7 ans et demi à Héros et Dragons. Elle n'a pas décroché du week-end. Ah oui, Donjons et Dragons aussi. Ben moi j'aimerais bien Romana, il faudra qu'on la mette au jeu de rôle, Romana. Ouais, elle est petite, hein. Oui, pour l'instant, oui. Lionel, je te les conseille si tu n'es pas déjà équipé largement, il dit à tous. Ah ben je testerai. Guillaume, si et même j'ai fait des figues où je fais un clin d'œil à Zeus, je vais essayer de poster. Oh, énorme. Guillaume, pareil, on va essayer de faire un truc, là. Ouais. On va essayer de se faire un truc, moi, j'aimerais bien. Mathieu, Zeus, ben perso, j'ai un QI de 140, j'ai fait des études d'histoire, patati, etc. Ah ouais? Bien. Les wargamers, en général, sont plus intelligents, il ajoute. C'est vrai. Mais il y a Idriss Aberken, je ne sais pas si vous connaissez. Un autre de ses gourous. Non, pas vraiment. Non, c'est pas lui. Ouais, non, je le kiffe bien quand même. Bah, je kiffe pas tout. Mais ouais, il y a pas mal de choses de lui que je kiffe. Mais je serais pas aussi dithyrambique que Étienne Klein. Non, mais j'aime bien Idriss Aberken. En tout cas, il a dit un truc super intéressant. C'est sur le jeu, en fait. Et il te montre que bah, les gens qui jouent sont des gens, en fait, on dit toujours, si tu joues, c'est que t'es un gamin et tout. Bah, en fait, non, quand tu continues à jouer à adulte, c'est plutôt une preuve d'intelligence, en fait. Ça fait énormément travailler l'intelligence. Peut-être. Mais je pense que c'est extrêmement vrai. Et d'ailleurs, dans la nature, il t'explique, et c'est très vrai, hein, que tous les apprentissages passent par le jeu. Les lions, ils apprennent à chasser en jouant. Tout passe par le jeu. Et d'ailleurs, tu apprends beaucoup plus vite quand tu joues. Ah oui, les gazelles trouvent ça marrant comme jeu. D'ailleurs. Ah non, c'est sûr. Alison a dit, ça me rappelle ma rencontre avec Jojo quand il m'a dit tatoueur. Je l'ai vu toucher beaucoup de filles dans des endroits pas très catholiques. J'ai eu peur. C'est clair. Avec Joanne Museau? Non. Mais non, elle est avec Jojo. Ah, Jojo, je confonds. Pas Joanne Museau. Il est tatoueur? Enfin, il est tatoueur. Lionel Boula, les Army Painters sont de la flotte, laisse tomber, équipe-toi en Valero ou en Akai. Ah ouais, moi Army Painter, je suis pas trop... J'ai pas testé, mais de ce qu'on m'en a dit, ça me plaît pas. C'est trop flotte. Alors Mathieu Herry dit niveau peintre, dessinateur, point d'interrogation, Brom, lol, j'ai pas compris. Ouais, Brom. Hein. J'aime bien Brom. Et tu, s'il répond à Lionel Boula, c'est l'inverse, chez moi c'est de la pâte. J'ai le 7 peau et métallique chez Valero. Christophe Ardia, le JDR c'est top. Guillaume, non pas ce Guillaume, moi c'est le Guillaume Pastar. Ah, le Guillaume pas connu. Oh là là. Le Guillaume qui est pas connu. Il est sympa aussi, hein, le Guillaume qui est pas connu, mais bon, il est pas connu. Quand même. Lionel, ah, Bisley et Frazetta, les deux peintres auxquels je tête régulièrement, je t'aime. Ah oui, oui, j'adore. Des fois, je m'inspire pas mal d'eux pour mes carnations humaines, notamment. J'aime bien leur palette. Tiens, je peux vous montrer, par exemple. Et Lionel dit justement, Idriss Aberken est très très intéressant à écouter. Oui, ouais, très intéressant. Là, par exemple, vous voyez, sur les carnations, là, les couleurs...
voilà, le fait de mettre un peu bon là c'est exagéré parce que c'était un exercice où un élève, je voulais montrer les tonalités qu'on pouvait apporter dans la peau. Mais j'aime bien ce côté d'apporter, vous voyez, de jouer avec du rouge, avec du vert dans les côtes, avec du orange, avec tout ça. Après, il faut le gommer un peu, vous voyez, sur les genoux, c'est trop présent. Mais ça, c'est voilà, c'est ce que c'est, ça m'était inspiré par le graphisme 2D, c'est-à-dire les peintures de Fra Zeta, etc., où on a une des palettes très riches pour les couleurs de peau. On va jouer avec du bleu, avec du vert, avec du rouge, avec tout ça. Tu aussi dis, j'ai entendu que les joueurs, jeux vidéo notamment, prennent des décisions plus pertinentes et plus rapidement. Ah non, mais c'est vrai, hein, ça a été. Moi, je. Non seulement ça a été prouvé scientifiquement, mais je suis absolument pas convaincu sur le sujet. Hein. C'est une évidence pour moi. Malou dit, le jeu, c'est stimulant intellectuellement. Exactement. Surtout les wargamers, probabilité, anticipation, adaptabilité. C'est ça. Hank, ah, quand je vois mes élèves, je n'en suis pas persuadée du tout. Merci Hank de me soutenir. Guillaume, moi c'est le Guillaume qui rappelle les agendas avec Iggy. Mais tu verrais, ben, contrairement à Zoz, moi mon truc c'est la quantité. Je peins beaucoup pour jouer. Qu'est-ce qu'il dit ? Bah ouais. Mais il a raison, hein. Tant mieux. Bon. C'est le but quand même à la base. Bah ça dépend ce que tu cherches. T'en as, ils font de la figurine d'expo. Toi, c'est ce qui t'a attiré en tout cas. Ah oui, moi je suis venu à la peinture par le jeu, ouais. À la base. Bon, ben voilà les copains, on va s'arrêter là. Et puis on la continuera ensemble parce que je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils aimeraient bien qu'on peigne ensemble les petits bonhommes. Donc on va faire ça, celui-là. Je vais en peindre un autre pour avancer sur mon projet peinture avec le client. Tiens, j'en profite avant d'oublier, faire un peu des petits. Mathieu, des petits points, du coup, là. Je peins des quantités de figues, mais pas forcément super bien. Ouais, mais c'est pas grave. Il s'auto-casse. Tu peins bien. Tu peins des quantités de figues. Tu sais, tu progresses toujours hein, en peignant pas mal de figues. Hein. La quantité, ça fait aussi progresser. Hein. Ça apprend les automatismes, la rapidité. Genre 250 scavens. Scavens. Ah ouais. Par contre, après, c'est l'endurance. Hein. Moi, peindre 250 fois la même figue, waouh. Voilà, j'ai fait les petits points là. Ah, Mathieu Guillaume, il suit le rancard. Je crois qu'on a créé un couple. Oh, les petits coquinous. Et s'il y a des petits, hein, vous nous prévenez. Hein. On va être invités au mariage. Hein. Non, ils vont se retrouver sur le Discord. Bon, bah les copains. Lionel dit, Frazetta met énormément de verre dans ses peaux. Revoyez sa peinture utilisée pour l'affiche du film de Conan avec Arnold. Il y a du verre en pagaille. Ouais, par exemple, ouais, bien sûr. Tchuss, bonne nuit à vous, merci pour ce live de qualité, encore une fois, des bisous. Gros bisous, tchuss. Bah voilà, les copains, je vous fais de gros bisous. Bonne nuit, la Zoz Family, Frédéric. On va faire la pause, donc celle-ci, je la touche plus, on la refera ensemble jeudi prochain, hein, si ça vous branche. Et la caméra palette ne s'est pas éteinte, dingue. Mais oh. Je pense que c'est parce que j'ai pas mal utilisé la caméra palette, je sais pas. Je sais pas si c'est ça, mon gars. Je sais pas, je comprends pas. Écoutez, en tout cas, voilà. Je vous fais de gros bisous, les copains. Portez-vous bien, on va lire un peu ce que vous dites là. Non, bah, je suis 5 minutes. Bonne nuit, Zoz, tu peux compter parmi les tipeurs. Ta sympathie est légendaire désormais. Ah, oh, bah c'est gentil, oh, les copains. Oh, oui. Après, ne donne que ceux qui peuvent. Hein. Voilà. Et le but, c'est pas de donner des millions. Hein. On en parle souvent du Tipeee parce qu'il faut en faire la pub et que c'est comme ça que ça marche. Mais j'ai pas envie que tout le monde se saigne. Hein. C'est pas le but, hein. Du tout, du tout. Je préfère avoir plein de gens qui donnent petit. Plutôt que d'avoir... bon, après, s'ils peuvent se le permettre, évidemment, je ne vais pas vous dire que ça fait pas plaisir. Hein. Faudrait être couillon pour dire que t'es pas content quand quelqu'un te fait des gros tips, loin de là. Mais voilà, moi, le but, c'est pour ça que j'ai pas voulu faire Patreon non plus. J'ai pas envie d'en faire message. J'ai envie que ça reste accessible à tous. Et que donnent ceux qui peuvent se le permettre et qui en ont l'envie. Je préfère ce système-là. C'est plus intéressant, je trouve. En tout cas, ça me colle plus à mon éthique, on va dire, et à ma mentalité. Bonne nuit Mika, bonne nuit. Ouais, bonne nuit tout le monde, bonne nuit aux nouveaux aussi. Voilà, parce qu'il y a eu quelques nouveaux. Bonne nuit Allison, bonne nuit les anciens.
Et Petit Poney, ben non, il est pas là, Petit Poney, mais on va. Ouais, il nous manque. Alex, il dit merci pour le cours sur la palette humide et sinon l'ingénieur anglais. Promis, tu nous relances la semaine alors là, je vous l'explique. Allez, vite fait, allez, l'ingénieur anglais, pour ceux qui n'arrêtaient pas, il y en a qui vont se faire chier. Hein. L'ingénieur anglais, très simple. L'aviation anglaise, bon, je résume vite fait pour ceux qui ont raté. Ils ont c'est des avions. Fin, je crois qu'il lui manque. À la fin. Alors oui, donc la carlingue des avions anglais. Les gars disent on va rajouter des plaques de blindage aux endroits où il y a des impacts de balles sur nos avions. Là, t'as un jeune ingénieur qui débarque, parce que finalement, ils se rendent compte qu'ils font ça, les avions sont un peu plus difficiles à manier, et puis ils n'ont pas plus d'avions qui rentrent, donc ils n'ont pas moins de pertes, finalement. Et il y a un nouvel ingénieur qui débarque, qui est un jeune anglais, et qui leur dit « Mais non, moi, c'est pas ça que je ferai. » Ils disent « Ah bon, tu ferais quoi ?» Il dit « Ben, moi, je ferais l'inverse. Moi, je mettrais des plaques de blindage là où il n'y a pas d'impact de balles. » Et il se trouve qu'il a raison. Pourquoi il a raison? Ben, tout simplement parce que ceux qui ont des traces d'impact de balles, c'est des avions qui reviennent. Donc c'est pas si grave. Les mecs ne sont pas morts. Les avions sont là. Par contre, les avions qui reviennent pas, vraisemblablement, c'est qu'ils ont dû être touchés ailleurs que ceux qui reviennent. Donc, faut pas mettre des plaques de blindage à l'endroit où tu as des traces de balles, parce que ces avions-là reviennent. Il faut mettre des plaques de blindage aux endroits où il n'y a pas d'impact de balles, parce qu'a priori, quand tu es touché là, tu ne rentres pas à la base. Voilà, Alex. Gros bisous Jojo, t'inquiète pas pour le colis, on n'est pas pressé. Gros bisous Thierry, Hank, bonne nuit. Hank qui dit bonne nuit, très cher Gam Tipeee, et bonsoir, comment qui s'appelle déjà? Ah oui, bonne nuit Zoz. Bonne nuit les copains. 24, merci pour les réponses. Voilà, merci. Tchuss, encore 36, le meilleur chat du YouTube Game. Je vous fais de gros bisous. Gros bisous à tous. Ça fait super plaisir de vous voir tous les jeudis les copains. Et puis, ben, si ça marche bien, ben, on essaiera d'en faire encore mieux, encore plus. Et je vous embrasse très, 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 très fort. Passez une bonne soirée. Prenez soin de vous. Et à jeudi prochain. Bisous. Là, tu sais, c'est le générique. Ouais. C'est le truc, il ne faut pas trop parler. Non, ouais, parce qu'il y a un truc qui passe avec mon logo. Ouais. Tu sais, un peu classe, là. Ouais. Ah, ben, ça m'a qui relève le niveau, en fait. Ouais, voilà. Bon, là, c'est arrêté. On n'a plus besoin de faire semblant d'être sympa. Hein. On peut s'arrêter là. Bon, du coup, celle-là, je vais la finir quand même de mon côté. Hein. Ouais. Parce que de toute façon, tu sais, c'est comme des poissons rouges. Hein. Les mecs, ils oublient d'une semaine sur l'autre. Hein. Ouais. Tu sais, les mecs dans le chat, je pense pas qu'ils aient plus de neurones qu'un poisson rouge. Hein. Sincèrement. Mm. Hein, t'es à plus de niveau, hein. C'est pas. Non, ça vole pas très haut. Hein. C'est pas. Ouais. Bon, puisqu'on fait, on se met un porno et puis on va faire. Encore.